Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 9e épisode de Children of the Sabbath, puisque plus que des enfants de la mer ou de la tombe ou du paradis et de l'enfer, nous sommes avant tout des enfants de Ronnie James Dio et de Sabbath. I really like Black Sabbath. That was really cool. They have Ozzy Osbourne. They have a great guitar person. Sorry, I don't know your name. There's like some really good drum parts. Pretty awesome. Eh bien bonjour à tous, en effet, grosse nouveauté, on va avoir du changement de line-up dans Sabbath, mais oui. Pas de changement de line-up chez nous, puisque Gabriel est toujours là. Gabriel, bonjour. Bonjour Mathieu, et bonjour Mathieu. Et un invité, donc Mathieu David, que vous connaissez sûrement comme Troy McClure si vous avez vu tel ou tel film. Mathieu David, c'est un peu une évidence, tant il aime le Ivy, et tant Dio est quand même cher à son cœur, donc ça nous... Voilà, je pense qu'on va faire le doublé avec lui, on va faire celui-là, Even NL et Mub Rules dans la foulée. Mathieu David, qui est journaliste chez Rolling Stone, notamment, et qui est un ami du show, on va dire, donc on voit un peu partout. Bonjour Mathieu. Bonsoir, c'est un plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir. Moi, je peux dire un truc concernant Mathieu. Donc maintenant, on se connaît depuis quelques temps, on est potes et tout. Mais je sais que pendant des années, Mathieu David, je t'ai croisé à chaque fois à tous les concerts à Paris où j'allais. T'étais toujours à l'entrée des concerts en train de distribuer des flyers. Et donc, tu étais quelqu'un qu'on ne pouvait pas ne pas voir quand on allait voir des concerts de métal. Tu confonds avec Tanguy. Désolé, Gabriel, tu confonds. Je crois que j'ai distribué des flyers peut-être une ou deux fois. Alors, tu confonds avec Tanguy qui est aussi petit et aussi à tous les concerts. Oui, mais Mathieu, je t'ai vu. Alors, peut-être que t'as pas distribué des flyers, mais je t'ai croisé au moins à un milliard de concerts. Et du coup, voilà, t'étais une personnalité que je ne pouvais qu'identifier, tu vois. Donc, Mathieu, voilà. Toute personne ayant fait des concerts de métal à Paris a pris les cheveux de Mathieu David dans la tronche. Ça, c'est le grand classique. Il a tendance à les secouer et moi, c'est ma première rencontre, je lui ai serré les cheveux plein visage. C'est comme ça que ça a commencé. Ah, il suffisait de si peu et de tellement à c'est la ça. Fois. Bon, moi, je vous cache pas que j'ai une sorte de regain d'enthousiasme à l'idée de faire Even NL. Quelques personnes me l'ont fait remarquer concernant Never Say Die. Alors, j'étais un peu malade et patraque, donc ça a pas aidé. Mais c'est vrai que j'ai un peu sombré en milieu d'épisode parce que j'en puissais plus. Et pas tant de l'album, ça c'était la préparation avant qui avait dû miner, mais là Even NL pour plein de raisons évidemment, parce que bon, c'est pas spoiler que de dire que c'est un album qui est plutôt correct plus. Plutôt correct. mais bon, et c'est surtout il y a énormément de choses à dire sur cette période. Ça va être on peut très, dire très 12 heures là. Moi j'ai tout ça de notes. J'en peux plus parce que ça fait 2 jours que je prépare l'émission à fond. Donc non, mais alors moi ce que je peux dire, c'est que effectivement j'étais très impatient qu'on le fasse, Even NL, pour une autre raison. Alors là, pour le coup, je pense que j'ai peut-être un peu, je crois que j'ai dû en parler vite fait dans d'autres épisodes, glisser des allusions comme ça. Mais moi, Even NL, personnellement, c'est un album qui est extrêmement important dans ma vie. C'est un album qui m'a sorti du trou moralement à une époque où j'allais pas bien dans ma life, quoi. Et vraiment, je pense que bon, Sabotage, pour moi, est le meilleur album de Black Sabbath, mais Even NL, pour moi, est à égalité dans la mesure où c'est peut-être un des plus grands, si ce n'est peut-être le plus grand album de heavy metal. Sur certains aspects, il y a débat, je pense que certains d'entre nous vont dire « Ah oui, mais tel album de Maiden, tel album de Judas Priest. » Oui, mais parmi, si tu dois faire un top 5, peut-être des meilleurs albums de heavy metal traditionnels, First Wave, même en comptant la First Wave des années 70 et la New Wave British Heavy Metal, tu mets forcément Even NL de Black Sabbath dans les 5 premiers, je pense. Peut-être, moi je le mettrais en numéro 1, mais après il peut y avoir débat, mais qu'est-ce que t'en penses Mathieu, David? Alors moi je suis pas un grand amateur des tops et des classements, c'est pas trop ma manière d'aborder les choses. En revanche, j'ai tendance quand même surtout quand c'est évident, à dégager un numéro 1. Et pour moi, Heaven and Hell est mon numéro 1 de Black Sabbath. Ça veut pas dire que je m'ignore la période Ozzy. Hein. J'ai découvert Black Sabbath avec Ozzy, comme je pense la plupart des gens, surtout il y a une petite vingtaine d'années où effectivement, c'était
c'était avant que Heaven and Hell se reforme, en fait, c'était beaucoup plus évident de découvrir par Ozzy que par un autre, que par une autre période. Mmh. En top album heavy, je pense que Heaven and Hell, dans mon classement personnel, serait dans un top 5, de toute évidence, quoi. Est-ce que je préfère Heaven and Hell à Seven Son ou à Sign of the Hammer? Est-ce que c'est important de comparer ces albums-là? Moi, je pense pas, mais oui, c'est sûr que c'est un... Déjà, c'est un album important, mais c'est aussi un album important pour moi. Bon. Très bien. Bah, c'est d'ailleurs pour ça, au départ, que tu as été invité sur cet album-là. Mm-hmm. C'est pour ta passion, notamment pour cet album, que nous allons développer au fil de l'épisode. Avant ça, plein de petites choses. D'abord, les errata de l'épisode précédent, ouais. Je crois. Gabriel, tu voulais revenir dessus. Déjà, il y a un truc qu'on n'avait pas, et ça, c'est pour le coup, c'est pas forcément une vérité à rétablir, mais c'est plutôt une question à reposer. On n'a pas éclairci la question de savoir qui jouait du clavier sur la tournée Never Say Die, parce que je n'ai pas réussi à avoir d'infos concordantes pour savoir est-ce que Don Airey a fait la tournée avec sa batte en 78. Parce que sur certaines pages, par exemple, on ne sait pas s'il y a un claviériste sur cette tournée. D'autres disent que Don Airey a fait la tournée. Donc ça, j'ai pas réussi à avoir d'infos précises. Ce qui serait intéressant à savoir, dans la mesure où ensuite, quelques années après, Don Airey rejoue avec Ozzy sur ses tournées en solo. Donc bon, ça, c'est un truc à débunker. Ensuite, oui. Alors, chose qu'on a, on a eu des précisions complémentaires sur la pochette. Puisqu'on se posait la question de savoir si la photo qu'on voyait sur la pochette c'était des pilotes anglais ou américains, sachant qu'ils ont des tenues anglaises, mais il y a un avion américain derrière. En fait, il y a une explication. Oui, si je peux permettre juste, on avait oublié tout simplement qu'Hypnosis avait sorti un livre assez détaillé, ouais, sur lequel il y a une page Never Say Die. On a eu on n'avait pas le livre, donc on n'est pas allé chercher là, mais on aurait dû. Voilà. Et l'info, alors ça ne contredit absolument pas tout ce que j'ai détaillé dans le précédent épisode sur la pochette, mais simplement, en fait, c'est une mise en scène. Donc, en fait, les uniformes qu'on voit sur la pochette, les pilotes, en fait, ce sont des costumes que Hypnosis a créés de toutes pièces. C'est-à-dire qu'ils ont pris des vraies tenues de la RAF et ensuite ils leur ont créé des masques de pilotes qui sont faux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vrais masques de pilotes, hein. D'ailleurs, je me disais aussi, ça fait un peu Brick et Brock. En fait, c'est un truc qu'ils ont créé eux-mêmes avec des babioles. Et en fait, ils sont allés sur une base de la Royal Air Force, qui est, je crois, dans la banlieue de Londres, et qui est un peu à l'abandon, et ils ont mis en scène des mecs en costume devant un avion américain qui était là par hasard. Donc, c'est une mise en scène. Après, ça reprend quand même des choses bien réelles. Donc, on avait une inconnue, mais en fait, l'inconnue, Hypnosis, y a répondu par eux-mêmes. Et enfin, il y a un dernier point que j'avais remarqué, c'est que, certes, les chansons de Never Say Die disparaissent complètement des setlists de Black Sabbath après la tournée, c'est-à-dire qu'on ne les voit plus jamais jouées par Black Sabbath. Par contre, Ozzy rejoue Never Say Die en 1982, lors de sa fameuse tournée chelou, là, qu'on aura peut-être l'occasion de revenir un jour sur la tournée Speak of the Devil, où il a rejoué plein de titres de Black Sabbath pour des questions de droits d'auteur, et donc du coup il a rejoué Never Say Die, et c'est sorti sur le fameux live Speak of the Devil. Donc il y a une version de Never Say Die jouée par Ozzy lui-même avec son groupe solo en 82, et qui d'ailleurs est une plutôt bonne version, mais donc c'est la dernière fois que un titre de Never Say Die sera joué par un membre de Black Sabbath en live, c'est en 82, par Ozzy en solo, ce qui est assez curieux. Voilà, ça, c'était les petits errata que j'avais à faire. Si, un dernier petit, c'est qu'il existe effectivement une petite différence entre la pochette UK et la pochette US de Never Say Die, puisque je crois que sur la pochette US, il y a des impressions de masques de pilotes qui apparaissent dans le fond bleu de la pochette, ce qui fait que, même si c'est pas forcément flagrant en apparence, il y a quand même une petite différence de pochette entre certains pressages. Bon, on verra que c'est pas la dernière fois que ça arrive. Non, clairement. Ok, très bien, bah, merci pour ces errata. Rapidement aussi, tu voulais dire un mot sur le documentaire de Dio, Dreamers Never Die, ouais, qui a été disponible à un moment sur YouTube, donc nous on a pu le voir comme ça. Donc Dreamers Never Die, le documentaire de Wendy Dio, productrice et actrice principale du documentaire sur son ex-protégé et ex-mari. Intervenante du coup. intervenante. Collaborateur. Non mais je dis ça parce que voilà, il a été disponible donc sur YouTube à un moment. Moi je l'ai vu comme ça, toi aussi Gabriel. J'ai vu qu'il est ce matin qu'il avait disparu de YouTube, parce que bon, normal pour des raisons de droit d'auteur, mais par chance on a pu en tout cas nous le voir avant. C'est pas pour rien que je commence par Wendy Dio parce que elle est là tout au long, forcément, de documentaire, avec des mises en scène qui, moi, m'ont posé souci. D'ailleurs, ça s'ouvre clairement sur sa vie à elle, sur ses rôles dans des films érotiques, des rôles de seconde zone dans des films érotiques, son passage au Rainbow en tant que chanteuse, en tant que serveuse, le fait qu'elle rencontre donc son futur mari là-bas, tout ça, et ça finit
par Wendy Dio, qui va porter une rose sur la tombe de Dio, son défunt mari, de Dio. Ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, c'est ce genre de documentaires qui sont à la fois très élogieux, très, voilà, et avec des moments de gros pathos très lourds. Les Américains sont très friands de ça. Moi, j'avoue que ça me révulse. Mais voilà. Et comme au milieu, il n'y a pas grand-chose qui explicite quoi que ce soit, on va dire, parce que c'est, voilà, il y a pas mal de haut et de bas dans la carrière de Dio, et surtout d'embrouilles, de trucs pas très clairs. Mis à part une petite crotte de nez à Ritchie Blackmore, ça survole absolument. Surtout, la crotte de nez, c'est à Vivian Campbell, le premier guitariste oui. de Dio. Ah, oui, oui, et pardon. Ça, personnellement, ça m'a gêné. Je crois même que Vivian Campbell lui-même, il a dit publiquement qu'il avait été un peu révulsé par cette façon de faire. En fait, ce qu'il faut savoir, bon, ça, on va pas s'étendre dessus. Ils avaient eu des mots à l'époque. Oui, ben, non seulement ils ont eu des mots, mais ils ne se sont jamais réconciliés, et Wendy Dio a toujours un contentieux avec Vivian Campbell. Et en fait, c'est vraiment dommage dans la mesure où, ces dernières années, Vivian Campbell, il a fait vraiment des efforts pour se rapprocher de son héritage Dio. Il a notamment fondé, alors ça, on reviendra plus tard, Last In Line, donc le nom du groupe est un hommage à Dio, et où surtout sur scène, il rejoue des morceaux de Dio. Voilà, donc du coup lui il a cherché à se réconcilier avec son héritage Dio, mais apparemment il y a toujours une embrouille avec Wendy. Et perso, moi, ce documentaire, bon, je l'ai pris un petit peu sans trop m'attendre à rien. Je me suis dit bon, voilà, un documentaire sur Dio, ça peut, on a eu des documentaires bien bidonnants sur Ozzy, on peut en avoir un sur Dio, ça peut faire le taf. Et en fait, ce documentaire, il est gênant dans la mesure où il y a quand même des choses où c'est clairement de la réécriture, où ils réécrivent l'histoire à l'avantage de Dio. Avec comme ça des petites piques balancées à des gens qui leur plaisent pas, c'est ultra complaisant. En plus, c'est pas très très bien fait, même d'un point de vue cinématographique. Enfin, je veux dire, Ah non, c'est laid. Il y a très peu d'images qu'on n'a pas déjà vues. Enfin, ce documentaire, moi, je le conseille quand même si vous avez l'occasion de le voir, à ceux qui connaissent absolument pas les tout débuts de la carrière de Dio, parce que notamment le début. Alors, pour le coup, si on doit quand même trouver des points positifs à ce documentaire, c'est la première partie qui parle de choses qui sont pas très connues. Notamment le tout début de la carrière de Dio, parce que ça, on parle de ce documentaire là maintenant, c'est qu'en fait ça va nous permettre d'enchaîner sur qui est Ronnie James Dio, et certains le savent déjà, mais c'est pas n'importe qui. Au moment où il est recruté dans Black Sabbath, c'est déjà une grosse star du hard rock, mais c'est un nom connu, c'est une figure montante, on va dire. C'est une figure montante, mais c'est quand même déjà quelqu'un, tu vois, qui a joué avec Blackmore, qui a fait des super albums qui sont déjà cultes. Ouais, mais tu vois, faut savoir que, par exemple, les trois premiers Rainbow, c'est pas du tout les meilleures ventes. D'ailleurs, c'est ça qui expliquera le changement de direction de Rainbow derrière, être un succès. Il faut préciser que surtout ce qui constitue le personnage de Dio, c'est d'être un type qui est professionnel de musique depuis l'âge de 10 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en salle, le documentaire Dreamers Never Die, il le montre très bien. Donc, encore une fois, moi, je le conseille quand même, ce documentaire, à ceux qui ne connaissent pas du tout Ronnie James Dio. C'est-à-dire que quand, comme nous, vous savez qui est Ronnie James Dio depuis déjà 15 ans et que vous avez déjà écouté plein de trucs, vous avez écouté Elf, vous avez écouté tous les Rainbow, vous les connaissez par cœur, vous connaissez toute sa carrière sur le bout des doigts, bon, ce documentaire vous apportera rien. Mais par contre, effectivement, si vous ne connaissez pas qui est Dio et comment il a commencé, c'est-à-dire qu'effectivement il a commencé comme un chanteur de rhythm and blues, de rockabilly, il était trompettiste, ensuite il est devenu bassiste puis chanteur, ce qui fait que c'est un musicien complet. En fait, c'est quelqu'un qui a une vraie formation musicale. Ça, d'ailleurs, Ayomi le dit assez rapidement dans lorsqu'il commence à bosser avec lui, il se rend compte qu'il a vraiment affaire à un musicien de très bon niveau. Ça va avoir un impact important. Complètement un game changer. Et le documentaire parle de ça, et notamment parle de ses débuts comme musicien de collège, dans les high school, où il avait un groupe de reprises, et puis où ensuite il a fait ses propres singles, et en fait, il a eu une carrière déjà depuis les années 50, en fait, Dio. C'est ça qui est assez fascinant, en fait. C'est quelqu'un qui a commencé à faire de la musique alors que les mecs de Black Sabbath étaient encore des hooligans qui volaient des trucs dans des appartements, tu vois. Enfin, donc, ça, il était même enfant quand il a commencé à faire de la musique. Oui, parce que Dio est un peu plus vieux. Et aussi, voilà, il est plus vieux, il est né en 1942, alors que les mecs de Sabbath sont nés plus tard. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a quand même qui a plus d'expérience qu'eux, en fait. Et outre le fait qu'il est américain et qu'il est d'origine italo-américaine, ce qui fait qu'il va quand même avoir un lien culturel un petit peu avec Ayomi, dans la mesure où ils sont tous les deux descendants d'immigrés italiens, mais
ils sont de culture différente, puisqu'il y en a un qui est américain, l'autre britannique, donc ça, ça va avoir un impact aussi. Mais voilà, c'est quelqu'un qui à la fois a plus d'expérience qu'eux et a en même temps des points communs avec eux sur, sur d'autres aspects. Petite anecdote, enfin un petit trivia qui peut être intéressant ou pas, c'est que Dio est principalement connu en tant que chanteur, mais il n'a pas, même s'il a une formation musicale, il n'a pas eu de formation en tant que chanteur. Il est chanteur plus ou moins autodidacte, en fait. Il avait expliqué que ses techniques de respiration, ses techniques vocales, il les doit notamment à, son, à ses techniques de trompettiste. Oui, c'est vrai. Il est chanteur en fait culturel de cet héritage italien où on chante, où on fait de la musique et on chante dès qu'il y a des repas de famille, etc. C'est ça. Voilà. C'est ça. Des liens bon, qui sont très très rapidement caressés dans le documentaire avec la mafia locale, ce qui est un peu un incontournable quand t'es italo-américain dans les années 50. Mais voilà, il vient de tout ça, Ronnie James Dio. Et ben, du coup, ça nous permet d'enchaîner rapidement sur pourquoi il s'appelle Dio, parce que son véritable nom c'est pas Dio, son véritable nom c'est Ronald James Padavona. Donc voilà, c'est Ronald Padavona et Dio donc est un surnom qu'il a choisi assez tôt en fait dans sa carrière. Et donc effectivement, il y a un lien avec la mafia dans la mesure où Dio c'était le nom d'un célèbre gangster, enfin le surnom d'un célèbre gangster italo-américain qui est que pour lequel Ronnie James Dio avait une certaine fascination quand il était enfant, hein, comme beaucoup c'est de jeunes Johnny enfants Dio, sont fascinés je crois. Par Johnny Dio, voilà, c'est Johnny ça. Dio, et donc, bah, il a repris ce nom. C'est un peu comme si moi, je décidais de m'appeler Gabriel Capone, tu vois, enfin, comme nom de scène. Enfin, c'est tout con, quoi. Mais ce qui fait que du coup, en fait, il s'appelle Dio. En fait, dès qu'il commence la musique, ses premiers groupes s'appellent Ronnie Dio and the Prophets. Alors avant, il y a eu Ronnie Dio and the Red Caps, mais voilà. Donc, mais c'est le même groupe, je crois, qui a changé de nom. Oui, c'est ça, c'est le même groupe. Mais en fait, tous ces groupes-là, Ronnie and the Red Caps, qui devient Ronnie and the Prophets, qui ensuite devient The Elves. Qui ensuite devient Elf, qui ensuite est vampirisé par Blackmore pour devenir Rainbow. En fait, c'est le ça. Même groupe depuis le départ. C'est ça. C'est le même groupe avec Ronnie James Dio comme, comme moteur, quoi, comme leader du groupe. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, on n'aura pas besoin de faire la bio de Ronnie James Dio plus tard, elle est faite maintenant. C'est pratique. Mais donc, non, mais... voilà, donc c'est musicien depuis toujours. C'est avec Elf que se fait une bascule dans un rock plus agressif, on va dire, un blues électrifié. Ouais, le premier album de Elf, oui. Mais ça s'en écarte finalement sur la fin. Enfin bref. Et donc le groupe, en effet, comme tu dis, est vampirisé par un Blackmore décidant de quitter Deep Purple et de faire un véhicule à son image. C'est ça. Parce que il y a une phrase de Dio assez célèbre et assez marquante qui dit que Blackmore ne sera jamais un membre de groupe. C'est un leader et il n'arrive pas à être membre de groupe. C'est ce qu'il a trouvé avec Ayomi à côté et c'est pour ça que ça lui a plu un temps, parce que les égos ont après joué. Et voilà, donc Blackmore and the Rainbow, on va dire. Je me permets de préciser un truc, qu'on saute pas des étapes, parce que s'il y a des gens qui ne connaissent pas trop, en fait, la rencontre entre Dio et Blackmore, elle se fait notamment parce que Elf a tourné avec Deep Purple. Deep Purple. Stormbreaker, du coup, en Europe. Et c'est là, du coup, qu'ils se sont rencontrés et que après Blackmore décide de quitter Deep Purple et de fonder Rainbow avec avec Elf. C'est ça. Ah bah de toute façon, le premier album de Elf a été produit par Purple Records. Oui. Donc c'était Elf, c'était les poulains de Deep Purple en fait. Complètement. Et d'ailleurs, c'est Lars Ulrich qui en parle, qui en a parlé quand Dio est mort en 2010. Il a exactement, dit mais moi j'ai vu Deep Purple sur la tournée Stormbringer et en première partie de Deep Purple il y avait Ronnie James Dio avec Elf. Oui. Et quand un an après on a appris que Blackmore faisait un nouveau groupe avec le chanteur de Elf, il y a plein de fans qui sont devenus ouf parce qu'ils étaient sur la tournée précédente et ils ont trouvé ça génial. Donc, c'est ça. Après, ça a marqué les gens déjà. C'est ça. Après, ça a marqué les gens. Encore une fois, c'était quand même pas. Enfin, ça. Ça a marqué les fans. Marqué les fans du voilà. Circuit. Voilà. C'est ça. Mais voilà. Mais quelqu'un comme Lars Ulrich s'en souvient encore à l'époque, quoi. C'est. Oui. C'est... Mais Lars Ulrich, c'est justement voilà. Le parangon du fan furieux qui connaît tout. Ouais. C'est justement, il n'y en avait pas beaucoup des comme lui. Surtout aux États-Unis, parce que c'était un type européen. Mais il les a vus au Danemark. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est ça. Juste, en fait, c'est pour préciser qu'à l'époque, Rainbow n'est pas vendu comme un super groupe, c'est vendu comme le nouveau projet de Blackmore. Oui. Ah oui, complètement. Complètement. Et donc, deux petites informations qui paraissent triviales, mais qui sont importantes pour la suite à dire concernant Dio, c'est qu'il est petit de taille et qu'il a une voix, ça va revenir beaucoup, donc voilà. Et qu'il a une très belle voix, très puissante, et voilà. Donc, il est surnommé très vite le nain à la voix d'or. Et ces deux choses-là, ces deux caractéristiques vont être importantes pour sa carrière, toute sa carrière. Bah alors ça, j'ai pas d'infos là-dessus, mais j'imagine et je pense que je suis pas le seul que Elf est un peu une référence à ça, parce que Elf, oui. Nous en français, on se dit Elf, mais en fait Elf en anglais, c'est un lutin aussi.
Oui, c'est un 8 tonnes. Bah, la pochette du premier album, de Elf, c'est Ronnie James Dio avec des oreilles pointues et un nez gros. Oui, c'est Dio qui est maquillé. Il est à poil d'ailleurs sur la pochette, sur le dos de la pochette, tu le vois, il est à poil. Donc oui, évidemment, c'est une référence. Et je crois, si j'ai pas de bêtises, que dans Elf, ils étaient tous pas très grands. Oui, bah dans Elf, au début, il y a le cousin de Ronnie James Dio qui est de la guitare, David Feinstein, qui a fondé The Rods après. En fait, c'était le premier guitariste de Elf, c'est le cousin de Ronnie James Dio, et en fait, tu les vois, ils font la même taille. C'était une famille de gens de petite taille. Mais voilà, non, mais alors, juste pour un petit disclaimer, en fait, on aurait voulu faire un hors-série complet sur ce documentaire Dio, Dreamers Never Die. Moi, j'avais beaucoup de choses plutôt négatives à dire dessus, vous l'avez compris. Donc, en fait, avec Mathieu, on s'est mis d'accord, ça n'en valait peut-être pas la peine, et puis surtout, on n'a pas le temps, hein, on a déjà beaucoup de retard sur plein de trucs. Donc, nous ne ferons pas de hors-série sur ce documentaire, mais si vous le trouvez en streaming ou éventuellement, peut-être qu'il sera édité en DVD, je ne sais pas, regardez-le, ça peut vous apprendre des choses. En tout cas, nous on le trouve assez contestable dans la forme, mais ça peut être intéressant si vous ne connaissez absolument rien à la carrière de Dio. Moi, j'ai trouvé aussi, parmi les choses négatives à dire dessus, j'ai trouvé par exemple qu'ils évacuaient complètement certaines périodes importantes de la carrière de Dio, et notamment des choses qui nous intéressent. Ah, ça. Par exemple, la période Dehumanizer, elle est complètement évacuée et tu vois juste la pochette de l'album. Oui. Et ça, moi, j'ai trouvé ça assez dommage parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire à cette époque-là, mais bon. Mais Costa Mesa, donc hors de question d'en parler. Enfin, bref. Ouais. Bref. Nous, on en parlera. Et d'ailleurs, sur cet épisode, on va parler de choses qui sont souvent évacuées très vite dans les bios des musiciens. Ouais. Repartons un peu en arrière, repartons donc en 78 pour la tournée Never Say Die, parce que c'est là où on avait laissé nos gars. 78-79, c'est les 10 ans, hein, les 10 years war de Sabbath, et 10 ans pour un groupe dans les années 70, c'est énorme. C'est un truc auquel on pense plus aujourd'hui. Mais rappelez-vous qu'à ce moment-là, que ce soit Creedence Clearwater Revival, Vanilla Fudge, Cream ou la plupart des autres, ça n'existe plus. On parlait de Deep Purple, il y a eu des changements de line-up énormes. Au bout de 10 ans, t'as déjà plus grand monde d'origine. T'as Led Zepp qui a toujours 10 ans de carrière, mais c'est la fin. Et puis stylistiquement, ils ont quand même beaucoup bougé. Et puis c'est Led Zepp. Donc Black Sabbath fait quand même figure d'anciens combattants qui arrivent à tenir comme ça 10 ans malgré ce que le public ne perçoit pas forcément en les voyant, les difficultés qu'il peut y avoir en interne, puisqu'en interne en effet il y a vraiment quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Et Dio va faire le ménage. Sauf que donc, comme on l'a dit, tout bouge et Sabbath n'est plus dans le coup. On a parlé de Van Halen, mais derrière, ce sont des dizaines de guitar héros qui poussent à la porte. On va le voir après avec la carrière solo d'Ozzy, puis même celle de Dio. Il semblerait qu'à un moment, il suffisait de soulever une pierre pour trouver un guitariste flamboyant et pouvoir partir de zéro avec un mec qui avait rien enregistré et en faire une star. Donc évidemment, je parle de Randy Rhoads, on peut parler même de Jackie Lee, de... Vivian Campbell, hein, c'est pas mal, hein. Il y en a des tonnes. Voilà. En janvier 79, donc, Sabbath repart sur la composition de son 9e album. En vérité, c'est Don Arden qui est aux manettes. Il veut donc éviter un maximum d'impôts en Angleterre et domicile le groupe à Los Angeles. Il loue pour 11 mois au départ une maison à Bel Air, comme il l'avait fait pour le volume 4, à l'époque de Patrick Meehan, pour que le groupe puisse composer son album. Donc là, ce qui est compliqué, c'est qu'on a un groupe qui est à bout de souffle, qui retombe complètement dans la drogue, et... Il y a un autre petit truc, donc c'est là où je voulais venir sur les choses qui sont très, très rarement dites dans les bios, voire complètement évitées. C'est qu'il y a un coup de foudre à ce moment-là. Sharon tombe folle amoureuse d'un membre de Black Sabbath, de Tony Iommi, avec qui elle est plus ou moins en couple. C'est-à-dire que lui s'en moque, lui il est marié, mais elle est folle de lui et ils passent leur vie ensemble. C'est d'ailleurs elle qui va lui présenter Dio. Alors moi justement, j'ai une petite... Il faut un peu débunker ça, c'est-à-dire que lui, Iommi, dans sa bio, parce que j'ai relu activement... On a une belle relation amicale. Ouais, lui, il dit, oui, non, c'était juste une amie. En gros, il dit, on était sex friends, quoi, tu vois. Il dit une amie, il précise même pas, donc... Si, il dit quand même... Tu m'étonnes, c'est la femme de son chanteur. Il dit quand même, on était en couple, il le dit. Mais il dit que voilà, c'était pas une relation, il était pas amoureux d'elle, que... Oui, ça, il l'a toujours dit. Et voilà, et qu'ils avaient une relation qui était... Certes, ils couchaient ensemble, ils se fréquentaient, mais ils avaient surtout une relation de business. Et moi, je sais... Enfin, où est-ce que t'as vu l'info comme quoi c'était que Sharon était amoureuse de lui? Ça, Mick Wall en parle très longuement et a des interviews où lui était présent à cette époque. D'accord. Donc il a vu ça et ça joue énormément dans la rage que va mettre Sharon après auprès d'Ozzy, c'est qu'elle était folle d'Iommi, qui l'a
pas bien traité, dans le sens où il l'a laissé pas mal espérer, et dès qu'il eut après des soucis de mariage importants, c'est le moment où il sépare de Suzanne, sa première femme, Snowden, voilà. Donc du coup, elle a pu exister d'un coup, et elle l'a très très mal pris. Mais en fait, c'est ça que je, alors déjà, je sais pas si on l'a rappelé, mais donc Sharon, c'est la fille de Don Arden, hein, donc c'est littéralement Sharon la fille, Arden, c'est la fille du patron, hein. C'est clairement Ayumi couche avec la fille de son patron, littéralement. Donc fille du patron, elle bosse pour la firme, donc elle bosse, elle est détachée auprès de Black Sabbath pour le management. Donc oui, c'est une relation qui est explosive. Bah, qui est explosive et surtout qui est risquée d'un point de vue professionnel, quoi. Moi, je trouve personnellement que Ayumi a pris un risque en faisant ça. Mais bon, après, écoute, c'est, bah bon. Ça regarde. Ayumi, à l'époque, il avait surtout un autre grand ami, c'était le fameux dentiste Max Shapiro, qui est le grand prescripteur de médicaments à base de cocaïne des stars, et qui était très proche d'Elvis Presley. Alors, c'est pas le rock'n'roll docteur, mais c'est... Voilà. Il a fait des miracles. Et voilà. Et donc il a prescrit beaucoup de petites pilules cocaïnées à Ayumi qui les sniffe. Donc Ayumi est complètement arraché. Donc tu vois, il prend des risques. Je pense qu'il s'en fout pas mal. Il est rôti. De janvier au 27 avril, donc la date fatidique du renvoi d'Ozzy Osbourne, il ne compose quasiment rien. Il raconte d'ailleurs dans sa bio qu'à chaque fois qu'il va croiser Warner, qu'il leur dit alors l'album, comment ça se passe? Ouais, les morceaux sonnent bien, ça défonce et tout. En fait, il a quasiment rien. Quasiment. Sous la dent, quoi. Quasiment rien. Quasiment rien. Donc, ouais. Donc le souci est surtout là. Quasiment rien, à part un premier essai. Qui va devenir Children of the Sea. Alors, moi, ce que j'avais. Moi, ce que j'avais, c'est que c'était un morceau qui s'appelait Children of the Sea, mais qui n'a rien à voir avec le Children of the Sea qu'on connaît. Non. En fait. Il y aurait le riff qui serait le même. D'accord. Bon, en fait, c'est là où il y a des choses à débunker, c'est que il existe, et ça, Ayumi le confirme dans sa bio, il existe une démo de ce qui va devenir Children of the Sea, qui sera donc la première chanson sur laquelle Ayumi et Dio vont bosser ensemble. Exactement, oui, ça, oui. Donc, en fait, cette chanson existait déjà auparavant, une première version embryonnaire, avec Ozzy qui chante dessus, alors qui chante évidemment pas les paroles de ce qui vont devenir celles de Dio, parce c'est Dio qui les écrit. Dio a écrit toutes ses paroles sur l'album, mais du coup il existe une version de Children of the Sea avec Ozzy, et putain, si un jour ce truc sort, mais je vous garantis, je me pisse dessus tellement c'est une des choses que je veux entendre le plus dans ma vie. Voilà. Quelle que soit la qualité de l'enregistrement, ça fera du bruit, ça fait partie. Alors, on sait très bien qu'il y a l'histoire des box et qu'on espère bien que ça sortira à ce moment-là, mais ça fait partie des grands mystères d'Ayumi qui lâche rien, quoi. Ouais, qui lâche rien. Donc, il existe effectivement quelque part des démos de trucs. Bah, chez lui, il l'a dit, hein. Voilà, qui ont été composés pour ce qui va devenir Heaven and Hell, mais avec Ozzy dessus. Et ça, bah, ça fait partie des graals que moi, j'espère entendre un jour dans ma vie. Ouais. Après, hein, accroche-toi. Moi, je peux comprendre la démarche de Ayumi dans le sens où, voilà, c'est quelqu'un qui a sorti quand même des albums et qui aime. Enfin, ça sera pas forcément vrai pour certains albums de Black Sabbath qui suivront, diront les mauvaises langues, mais je peux comprendre que t'as envie de préserver et que t'as pas envie de publier tes brouillons, parce qu'un brouillon, ça reste un brouillon. Ouais. Dis-moi, oui, après, dans le cadre d'une box, tu trahis pas ton. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Les Zeppelin et Deep Purple, ils ont sorti toutes leurs démos. Hein. Ah, mais toutes les démos, elles ont été sorties. Je dis, c'est une approche que je peux comprendre de la part de Ayumi. Ça veut pas dire c'est comme ça que ça se passe et ça se passe autrement. Tu vois, évidemment, chacun voit midi à sa porte. C'est ça. Avant d'en venir au 27 avril 79, il y a eu pas mal d'incidents. Parce qu'en fait, si tu essayes de savoir ce qui a amené au renvoi d'Ozzy, c'est assez évident sur la masse des soucis. On avait parlé de cette disparition quand il a dormi 24 heures et donc ce fameux concert où tout le monde pensait qu'il était mort, les concerts quand ça a été annulé et Thelma pensait être veuve. Donc déjà, je peux comprendre qu'en tant que musicien, ça te rend fou. Mais il n'y a pas vraiment un événement particulier. Il y a une incapacité à se mettre dans le travail, mais de tout le monde, sauf que ça rebondit sur Ozzy parce que Ayumi est comme ça. Hein. Si ça marche pas pour lui, il faut bien qu'il y ait un coupable. Il y a quand même des moments où on retrouve Ozzy endormi dans sa propre urine à côté de la piscine, enfin des trucs qui rendent fou Ayumi, et de nombreux avertissements. C'est tout le temps colporté par Ward qui dit, tu sais, il va falloir que tu changes vite, sinon tu vas dégager. Et là aussi, il faut qu'on soit très précis sur certaines choses, parce qu'on sait très bien qu'Ayumi ne fait pas de saut dans le vide. La première rencontre avec Dio se fait avant le 27 avril 79. Donc, il va boire des coups, au Rainbow avec Sharon, qui lui présente Ronnie James Padavona, dit Dio, avec qui il discute de l'éventualité de monter un groupe à part, puisqu'il sent que Sabbath va péricliter.
Donc là, on en est là. Il y a d'ailleurs un certain nombre de noms de musiciens que j'ai pas notés qui sont évoqués pour créer un nouveau line-up. Et dedans, il ne prend personne à part lui. Il me semble qu'à l'époque, Dio n'est déjà plus dans Rainbow. Oui, Dio est déjà plus dans Rainbow. Exactement. Dio est démissionnaire de Rainbow. C'est ça, c'est lui qui s'est barré. Ouais, c'est lui qui s'est barré, donc ça, on va pas s'éterniser là-dessus, mais parce que du coup, il accepte pas la nouvelle orientation artistique de Ritchie Blackmore. Et au-delà de ça, surtout, Dio, il a écrit les textes dans Black Sabbath, mais aussi, c'est lui qui se chargeait des textes dans Rainbow, oui. Et il voulait garder la main mise sur les thèmes abordés, ce que, sur quoi Rainbow n'était pas d'accord. C'est ça. Rainbow, Ritchie Blackmore, désolé. Ouais. Ouais. Écoutez, since you've been gone, et vous comprendrez pourquoi. Oui, c'est ça. Alors attention, c'est une reprise. Since you've been gone, oui, c'est une reprise. Ah oui, c'est vrai. C'est Ross Ballard, je crois. Orientation. C'est cette orientation. Très bonne chanson, d'ailleurs. Ah, excellente, oui. Génial. Simplement, Blackmore voulait aller vers un truc plus pop, et Dio a dit non, fuck, moi, je veux faire du hard rock. Quoi. Et Blackmore, quelque part, a raison, parce que Since You've Been Gone, et désolé, on arrête la parenthèse Rainbow après ça, j'imagine, c'est le premier morceau classé de Rainbow. Ouais. Oui. Ouais, donc c'est clairement c'est un game changer, et Dio a été un frein, en fait, au succès de Rainbow commercial. Alors, succès commercial. Ça après c'est on peut gloser là-dessus des heures, mais on peut se dire aussi que les trois albums de Rainbow précédents ont aidé à bâtir une réputation qui les a amenés là. Est-ce que ça aurait été la même chose si Down to Earth avait été le premier album de Rainbow? Bah personne peut le savoir ça, tu vois, mais Et puis quels sont les albums qui sont les plus révérés 20, 30, 40 ans après? Ah mais ça c'est évident. Voilà. Donc il y a pas forcément tort sur toute la ligne non plus. Non. Donc il y a eu cette rencontre et cette éventualité, cette porte de sortie qui s'est ouverte à Yomi, ce qui fait que quand le 27 avril, il en peut plus de l'attitude d'Ozzy Osbourne, qui est évidemment encore une fois dans un état éthylique catastrophique, ils prennent la décision collégialement d'envoyer Bill Ward, qui lui était moins d'accord avec cette partie de la décision, d'aller trouver Ozzy et de lui signifier qu'il faut qu'il fasse ses bagages et qu'il était donc viré de Black Sabbath. En fait, ce qu'on d'après le dit du 27 avril 79. Ouais, ce qu'on n'a pas dit, c'est que effectivement, non seulement il est toujours dans un état catastrophique en termes de drogue, alcool, etc., mais c'est-à-dire que Ozzy refuse de chanter, c'est-à-dire qu'on est dans la suite un peu de ce qui se passait déjà durant l'enregistrement de Never Say Die, où ils avaient des chansons toutes prêtes, celles qu'ils avaient faites avec Dave Walker, et Ozzy voulait pas chanter dessus. Là, on est carrément sur un point où il faut qu'ils composent des nouvelles chansons, donc ils repartent une feuille blanche tous les quatre, et Ozzy ne veut même pas chanter sur les nouvelles chansons qui sont écrites pour lui. Donc, moi, je sais pas forcément, selon les sources, c'est dû à plusieurs facteurs. Est-ce que c'est la drogue qui fait ça? Est-ce que c'est le fait qu'il croit plus du tout dans son groupe? Est-ce que c'est... Non, mais de toute façon, le groupe est foutu depuis longtemps. Ils sont en train de prolonger artificiellement une vie qui est déjà passée. Lui, depuis la mort de son père, il y a des choses qu'il n'arrive pas à surmonter. Et les ressentiments, du coup, de Dave Walker, etc., fait qu'ils n'arrivent pas tous à faire un pas vers les autres. Donc, c'était, de toute façon, ça devait s'arrêter. Ça a mis trop de temps, au final. Ouais. Et ouais. Donc il s'en va. Il s'en va pas loin, parce que faut savoir que, donc, Don Arden, qui est aux manettes, lui, il a vu Ozzy Osbourne partir 10 fois du groupe. Et lui, il n'a qu'une envie, c'est qu'Ozzy Osbourne revient. Donc, il lui prend un hôtel, toujours à Los Angeles. Il envoie Sharon, toutes les semaines, lui filer de l'argent et vérifier que ça va plutôt. Et il reste pas loin en attente. Oui. Donc, spoiler, il reviendra pas et pas tout de suite. Et pour qu'il n'y ait pas trop de confusion, je souhaiterais, si vous en êtes d'accord, qu'on referme le chapitre Ozzy. Oui. On le sort de l'équation parce qu'il n'est plus dans Black Sabbath. C'est ça. Il est pas loin pour revenir, mais ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, voilà. Après, il y a des milliards de choses à dire. Évidemment, avec Sharon, il va y avoir une relation premièrement professionnelle, puis secondement amoureuse, qui seront deux des plus grandes relations d'Ozzy Osbourne. Enfin, ce sera la grande relation d'Ozzy Osbourne. Elle va à la fois le sauver et en faire l'artiste qui va devenir, donc voilà. Mais ceci est vraiment une autre histoire que peut-être un jour on racontera. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse une saison 2 de Children of the Sabbath sur la carrière solo d'Ozzy, parce qu'il y a autant de choses ultra dingues à faire, mais on en parlera plus tard. Alors effectivement, nous laissons de côté Ozzy Osbourne. Alors on va le laisser de côté jusqu'à, on va dire, environ 85, puisque 85 il va revenir, donc pour le fameux concert mythique au Live Aid. Donc ça, on en parlera plus tard, mais ce n'est pas la fin d'Ozzy Osbourne avec Black Sabbath, il va revenir et plus vite qu'on ne le pense. Mais voilà, là pour quelques épisodes, on va parler d'Ozzy de façon extrêmement fugace, il fera quelques apparitions comme ça. Donc, c'est ça. Voilà. Là il devient une guest star et puis un membre du show. Voilà. Donc au revoir Ozzy Osbourne et bonjour Ronnie James Dio. Ouais.
Donc avant ça, évidemment, Bill Ward est détruit par cette annonce, par le départ d'Ozzy, évidemment. C'est son frère, on l'a toujours dit. C'est la personne dont il est le plus proche. Ils étaient partenaires de GMC. Il faut rajouter à ça que Bill Ward a perdu sa mère quelques semaines auparavant. Oui. Et que son père mourra quelques semaines plus tard. Il est dans une phase qui est terrible. Et il est toujours en couple et marié avec cette fameuse Misty, qui a les mêmes problèmes d'alcoolisme que lui. Et ils se tirent tous les deux vers le bas. Et elle est extrêmement présente. Elle est là à Bel Air. Elle sera là à Miami. Elle sera là à Paris et voilà, ça va beaucoup jouer parce qu'ils vont se détruire tous les deux. Ouais. Et donc, comme tu disais, bienvenue Dio. Suite à ça, Ayomi contacte Dio, lui dit la place est vacante. Est-ce que ça t'intéresse de venir chanter dans Black Sabbath ? Dio, il y a une phrase que je tire du documentaire que je trouve assez intéressante à relever, c'est sa femme, donc Wendy Dio, qui dit ça. Il dit, à ce moment-là, on avait $800 sur le compte en banque. Dio disait, j'aime moyennement la musique de Black Sabbath, c'est pas forcément ma cam. Elle lui a dit, il nous reste $800, que ce soit ta cam ou pas, c'est pas un souci, tu y vas. Donc je pense évidemment que derrière, il est tombé amoureux du groupe et que ça a été un truc très important pour lui. Mais au départ, ça l'arrange surtout bien. C'est assez drôle de faire la fine bouche sur Black Sabbath quand même, hein. Il y a quelque chose même à l'époque, Black Sabbath, c'est quand même un sacré nom. Alors je vais. Oui, mais c'est vrai que personne n'y croit aussi. Ah, attends, parce que je vais nuancer quand même. Oui. Dio, il dit qu'il aime moyennement Black Sabbath. Peut-être qu'effectivement, il n'a pas forcément trop suivi ce qu'ils ont fait durant la deuxième partie des années 70. Mm-hmm. Mais Dio, il faut rappeler quand même qu'au début des années 70 avec Elf, avant que ça devienne un peu plus gros puis que ça tourne en première partie Deep Purple, etc., Dio a chanté deux titres de Black Sabbath avec Elf, notamment War Pigs et Iron Man, et il disait, il l'a dit à plusieurs reprises, que avant que sa carrière décolle, il était assez fan des débuts de la carrière de Black Sabbath et que c'était un groupe sur lequel il jammait avec Elf et qu'il faisait des reprises et tout. Il y a même un bootleg de Elf qui s'appelle War Pigs 72. Qui n'est pas un disque officiel de Elf, mais qui est un live bootleg, et qui s'appelle War Pigs 72, donc parce qu'il reprend, c'est le moment phare de ce live, c'est une reprise de Black Sabbath. Simplement, après, je pense qu'effectivement, il avait peut-être dû un peu décrocher de ce qu'avait fait le groupe, et puis il avait dû se dire, voilà, c'est un peu des dinosaures, ils ne sont plus trop dans le coup. Donc je pense que quand Ayomi le contacte en 79 pour remplacer Ozzy, il doit se dire, je suis contacté pour remplacer un mec, une épave, dans un groupe de mecs qui sont plus à la page, quoi. Peut-être que... C'est surtout ça, c'est-à-dire que clairement dans le music business, il y a ça qui compte, c'est quels sont les groupes en vue et quels sont les groupes en difficulté. Black Sabbath est dans la deuxième catégorie. Sauf que, du coup, leur rencontre, donc au niveau techniquement, vous l'avez déjà un petit peu effleuré, ça commence par Children of the Sea, donc le morceau qui est déjà un petit peu avancé. Et très vite, Dio arrive à écrire des paroles en quelques heures, quelques minutes dessus. Et en fait, en une après-midi, le morceau est composé, finalisé, paroles bouclées. Et le résultat est suffisamment enthousiasmant. Mais même avant de parler de l'enchaînement, le résultat, en tout cas, enthousiasme suffisamment à Ayomi et Dio pour qu'ils se disent « c'est ça, faut y aller ». Sauf que tout le monde ne va pas être d'accord avec ça. Voilà, sauf qu'il y en a un qui n'est pas d'accord. Et vas-y. Marrant parce que du coup, vous aviez dit que celui qui était sur le fil, personnellement, c'était Bill Ward. Mais celui qui va se barrer, c'est Geezer Butler, du coup, qui ne participera pas aux sessions de l'album, à part à la fin, mais dont on reviendra. Oui. Alors ça c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que ça, et là il y a pas mal d'éléments à débunker, moi je sais que j'ai bossé pas mal là-dessus parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse et ça va nous permettre d'aborder les fameuses sessions à Paris, Studio Ferber. En fait, Geezer Butler était d'accord en fait, c'est-à-dire que Geezer Butler a fait un premier jam avec... Était d'accord à l'arrivée. Oui, je suis pas d'accord avec toi. On va débunker ça, mais il me semble que Geezer Butler était d'accord sur le principe, c'est-à-dire qu'ils ont fait il y a eu une session de répétition, enfin un jam à 4 avant que Geezer ne soit. Ça c'est ce que j'ai recoupé en lisant. Ah, il est là sur l'après-midi de Children of the Sea. Voilà, donc ils composent le morceau, il est là. Ils se sont vus tous les 4 pour faire un jam qui a accouché de la version définitive de Children of the Sea, puis ensuite, et ça, Geezer le dit dans les déclarations qu'il a fait à ce sujet, il dit, j'ai des problèmes personnels en Angleterre, donc il a des problèmes de couple. Il a des problèmes de couple. Donc il se barre, et il leur dit, je vais résoudre ça, je m'auto-exclus du groupe, parce qu'il faut que je résolve ça, c'est des problèmes perso difficiles, donc continuez sans moi. Mais... je n'ai pas lu qu'il était en désaccord avec ce que Black Sabbath était en train de dire. Simplement, il se met hors jeu pour résoudre ses problèmes. Il n'y a pas que ça. Pardon, vas-y, Gabriel, finis ce que tu voulais dire.
Non, non, fini, fini. Oui, alors c'est-à-dire que c'est pas l'arrivée de Joe qui pose problème, mais c'est ce que ça, c'est ce que ça va, comment dire, c'est ce que ça va entraîner. Donc à savoir, bah, alors ça, je sais pas si c'est, si on peut résumer à ça, mais j'imagine que ça joue. Bah, c'est le fait que du coup l'écriture des textes passe pour la première fois de Geezer oui. à Joe. Et mine de rien, c'est quand même un changement. Il y a un déséquilibre. Et le fait aussi qu'il y ait quelqu'un pour tenir la dragée haute à Yomi. Et du coup, en termes d'ambiance, j'imagine que ça change parce que Dio va quand même participer activement au compo, ce qui n'est pas le cas oui. avec Ozzy. Lui quitte, pour être précis, lui quitte pour des problèmes oui. conjugaux. Il part pour ça. Mais il part 9 mois. Il revient sur la fin des sessions à Miami. Entre-temps, quand il est en Angleterre, il annonce à Yomi que c'est trop compliqué pour lui. Il dit d'ailleurs qu'il a pleuré des jours entiers le départ d'Ozzy et que c'est trop compliqué et qu'il ne se sent pas de revenir. D'ailleurs, moi, j'ai pas la certitude. Ah, si, ça, c'est sûr. Voilà. J'ai pas la certitude D'accord. que ça soit acté au départ que Ronnie James Dio soit le seul à écrire les textes. Je me demande dans quelle proportion, je pense que ça arrange tout le monde, ça se passe comme ça, et dans quelle proportion, si Geezer n'était pas parti, il y aurait eu discussion. Là, en fait, il arrive beaucoup trop tard pour avoir son mot à dire. Et c'est d'ailleurs la première pierre dans le jardin de son départ, parce que c'est sa mise en retrait à ce moment-là. Lui qui est le bras droit d'Ayomi, sans trop ramer grand-chose, parce qu'il est le bras droit sans trop faire d'efforts en matière de composition, il se retrouve très largement relégué, et pas que par Dio, puisqu'il faudra qu'on aborde Jeff Nichols, évidemment, par la suite. Et il est donc très relégué, il n'a pas les textes, il joue sur Even and Hell, même s'il soi-disant réécrit toutes les parties, il y a comme de nombreuses choses qui sont suffisamment calées et sur lesquelles il doit juste se poser. Donc lui, il a toujours dit qu'Even and Hell, c'est pas un album sur lequel il sent qu'il y a sa patte, et ça va être dégressif jusqu'à Born Again, et ça va provoquer son départ. Alors, effectivement, t'as abordé un autre élément, donc, qui est Jeff Nichols, c'est-à-dire qu'en fait, donc, Geezer se retourne en Angleterre pour s'occuper de ses problèmes familiaux. Ce qui fait donc en fait que pendant une petite courte période, Black Sabbath est réduit à un trio, c'est-à-dire qu'il n'y a que Iommi, Bill Ward et Dio. Qui fait la base du coup. Donc voilà, alors oui, du coup, ce qui se passe c'est que bah en fait il continue à écrire l'album à trois. C'est ça. Donc du coup il faut un bassiste et il se trouve que Ronnie James Dio a commencé sa carrière comme bassiste dans Ronnie and the Prophet, puis dans The Elf. Dans la toute première version de The Elf, Ronnie James Dio joue de la basse en même temps qu'il chante, avant qu'ils engagent un bassiste pour le remplacer. Donc voilà, Ronnie James Dio, il y a une partie des basses sur les premières ébauches de Even and Hell qui sont jouées par Dio. C'est ça. Qui sont jouées par Dio, qui chante en même temps. Après, on précise, le groupe, j'imagine, n'a pas... c'est sûr, le groupe n'a pas projet... De perdurer sous cette forme-là. Mais disons non, que ça accélère les choses pendant les alors, sessions de compo. Mais disons que, alors voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que, donc il faut un bassiste. Il faut un bassiste pour jouer sur l'album et peut-être même potentiellement remplacer définitivement Geezer, parce qu'on ne sait pas si Geezer va revenir. Donc, le premier choix de Tony Iommi, c'est de faire appel à Jeff Nichols. Donc, Jeff Nichols de Quartz. On en a parlé dans l'épisode sur hors-série numéro 2 sur Quartz, hein, mais c'est à ce moment-là en fait que Jeff Nichols intègre pour une très longue période, puisque ça va durer plus de 20 ans, la participation de Nichols à Black Sabbath, et c'est à ce moment-là en fait qu'il est appelé, c'est-à-dire que Tony Iommi s'entendait déjà très bien avec lui au moment où il a produit le premier album de Quartz. Alors, Jeff Nichols, je l'avais dit dans l'épisode, mais à la base c'est un guitariste, qui fait aussi des chœurs, qui fait des claviers, bref, mais il est recruté par Black Sabbath comme bassiste. Et alors, comme bassiste, mais il y a voilà, on n'est pas sûr forcément de le prendre, donc il y a une alternative, et l'alternative, c'est de prendre Craig Gruber, qui a joué avec Rainbow quelques années plus tôt, qui donc faisait partie de Elf, hein, donc c'est un ancien de Elf et qui a joué sur le tout premier album de Rainbow. Et c'est un choix clair de Dio. Voilà, donc en fait, il y avait deux potentiels bassistes en concurrence, il y avait Jeff Nichols et Craig Gruber. Et alors, c'est là où Mathieu, peut-être que tu vas vouloir enrichir ce que je vais dire, mais du coup, Craig Gruber, il a dit pendant des années qu'il avait composé la totalité des basses sur Even and Hell et qu'il avait composé Da Young, et que, bah, en fait, comme on peut le voir sur les crédits, Craig Gruber n'apparaît à aucun moment sur les crédits, et donc ça se serait réglé à coup de livres sterling. Bon, et voilà. Ça, il y a un truc à débunker là-dessus. Bah alors là, donc là, c'est là où c'est technique, c'est que donc voilà. Ils sont toujours dans la maison à Bel Air. Dans la maison à Bel Air,
Craig Gruber, qui s'est penché dessus en interview, explique bien qu'il n'est venu faire qu'une session à ce moment-là. Et que c'était, lui, il avait un taf très bien payé qui lui allait bien. Il n'avait pas spécialement envie de faire partie du groupe et donc il n'a fait qu'une session à ce moment-là. Sauf que la maison à Bel Air, elle est payée par Don Arden, qui fait ça qu'à une seule condition, c'est qu'Ozzy revienne. À partir du moment où avec Dio, c'est définitif. Déjà, il a cette phrase très malheureuse quand on connaît Dio en disant « Vous allez quand même pas embaucher un putain de nain ». Dio le prend donc extrêmement mal, les rapports se tendent et Don Arden retire ses billes. Ça veut dire qu'à chaque fois que les musiciens se lèvent, il manque des meubles. À chaque fois, il récupère à fur et à mesure des meubles, oui, du matos. Pour rappel, le matos sur lequel il joue, c'est le matos Electric Light Orchestra qui leur a prêté. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que Bill Ward joue sur la batterie de Bev Bevan. C'est assez cocasse quand on sait que Bev Bevan sera dans Black Sabbath plus tard. Bah, va remplacer Bill Ward et donc, en 83, je pense. Oui, c'est ça. Il remplace Bill Ward qui part en tournée après Burnagle. Et donc, au bout d'un moment, comme la situation n'est plus tenable, il décide de quitter Don Arden, de virer Don Arden. Ils vont taper à la porte de Warner, et de surtout de Warner, mais de Vertigo aussi, enfin Phonogram Vertigo, qui par chance, en rencontrant Ronnie James Dio, se rappelant de son background et se rendant compte que pour la première fois, un, il y a de l'excitation dans la presse autour de cette association, deux, ils ont enfin quelqu'un d'à peu près normal avec qui parler et parler business, ils décident d'allonger les billets plus que prévu au départ, parce que en fait, Black Sabbath était passé en division B pour les labels, tu vois. Ils repassent en division supérieure, ils disent on va aligner de l'argent sonnant et trébuchant pour que vous enregistrez un bon album. D'où le déménagement immédiat en Floride pour retourner au Criteria Studio, qui était dans les studios choisis hors Angleterre, celui qui était disponible, pour aller enregistrer l'album. Donc là, peut-être que Gabriel, tu as envie de parler de leur arrivée à Miami, parce que je crois que tu es assez friand de la fameuse tempête. Ah oui, la fameuse tempête. Bah, la fameuse tempête, oui, il y a une anecdote rigolote, c'est qu'ils arrivent, alors déjà ils arrivent à l'aéroport, ils se rendent compte que tout le monde se barre en fait de Miami, que les gens ne veulent pas aller à Miami, et alors eux ils y vont, ils disent il y a personne dans l'avion, on n'a pas compris pourquoi, bon, ils arrivent dans leur hôtel là, alors il y a une, c'est un peu compliqué de, je crois qu'ils sont logés dans la maison d'un des Bee Gees, enfin, ils vont d'abord quelques jours à l'hôtel, et après ils vont chez Barry Gibbs, ouais. Voilà. Voilà, et du coup, il y a Tony Iommi et Jeff Nichols, donc ils sont très potes hein, déjà à ce moment-là, qui commencent à faire les clowns sur le balcon. « Eh, regarde, on est au balcon !» Et puis là, t'as un policier dans la rue qui leur dit « Mais putain, rentrez chez vous, il y a une tempête !» Iommi, certes, il était complètement drogué, mais il est d'une inconscience. Mais on est sur quelqu'un, quelqu'un qui est irresponsable hein, dans plein de situations. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Je pense qu'on va en parler plus tard. C'est clair. Donc, suite à une fois l'ouragan calmé, ils rejoignent la maison de Barry Gibbs, qui est l'un des Bee Gees, pour continuer à composer et rentrer en studio, donc au Criteria au plus vite, enregistrer l'album. Alors, ce qu'on doit rappeler peut-être pour certains qui peut-être prennent le podcast en cours, c'est que donc le Criteria Studio, c'est le studio où ils ont enregistré Technical Ecstasy. Et voilà, c'est exactement un studio dans lequel ils ont déjà travaillé. Exactement. Et donc, le fameux Craig Gruber rejoint le groupe à ce moment-là pour composer sur l'album. On sait donc qu'il apporte la chanson Dai Yang qui, à part le pont plus calme, tout le reste, c'est sa composition et c'est une composition qu'il avait pour Rainbow. Donc, c'est une chanson qui date de cette époque-là. Il a également amené une autre chanson qui s'appelle Fight the Wind, qui est un morceau qu'Ayomi a refusé, que Gruber sortira quelques années plus tard avec son groupe Bible Black, sur lequel donc chante un certain Jeff Fenault, que voilà peut-être on en parlera un jour également. Fortement possible qu'on parle de Jeff Fenault. Ouais. Voilà, c'est... rapidement, pas ouais. Déconner. Mais il a été dans Sabbath derrière Glenn Miller, voilà. En fait. C'est une belle ironie que ce morceau finisse sur un groupe qui s'appelle Bible Black. Ouais, et alors, ce qui est dingue, c'est que le morceau sort en 2022, parce que Bible Black n'a rien sorti avant, mais c'était l'album de Bible Black, ce sont des compilations qui s'appellent 80-85, donc tous les morceaux ont été enregistrés à cette époque. Ce qui est donc complètement fou. C'est un hasard absolu. Bah oui. Mais ouais. Ouais, c'est un drôle de hasard. Après, hein, Bible Black, c'est pas eux qui l'ont inventé. C'est un truc qui tourne depuis des années. C'est... Et voilà, je pense que dans le lore des chrétiens que sont de toute façon les quatre membres, bien évidemment, c'est un truc qui aurait pu venir tôt ou tard, qui aurait pu venir en solo chez Dio. Donc. Bien sûr. Donc si on est sur les sessions au Criteria, il se passe quelque chose donc d'assez important. Ce qu'on a dit, c'est que Iommi à ses côtés pour la première fois
des bourreaux de travail, donc Jeff Nichols et Dio. Il a pour la première fois à ses côtés un gros ego, celui de Dio, avec lequel faut composer, et l'album avance à pas de géant. C'est-à-dire qu'à partir de là, ça compose à donf, et ils arrivent à sortir bah, des super morceaux, parce qu'on va retrouver qui, dans l'ensemble, on sait qu'il y a des morceaux qui ont été mis de côté, mais les morceaux, en tout cas, qui sont sur l'album, sont tous quand même plutôt de... Alors, c'est ce qu'il faut dire aussi sur cette période, c'est que, ça, je l'ai noté en lisant pas mal de témoignages de cette époque, c'est que on verra dans les mois qui suivront, et même l'année qui suivra, que la relation de travail entre Dio et Iommi se détériore, mais au début, ça marche très bien. Ils s'entendent vraiment bien. Ah oui. Et quand tu lis même les témoignages de Iommi, tu sens une certaine nostalgie de ce moment-là, de cette année 1980 où ils passent à travailler ensemble, puisque ils s'entendent très bien en studio. Alors bon, évidemment, ils se font des farces. Il y a des histoires dans la bio d'Iommi, c'est truculent. Ils se font des farces à base de serpents, parce que c'est Iommi, enfin Dio a une peur des serpents, donc d'où d'ailleurs le Killing the Dragon qu'on verra plus tard. Mais c'est voilà, enfin c'est ils se font des farces à base de serpents. Bref, c'est pas très glorieux. Mais ils s'entendent bien. Dio fait de la cuisine italienne au studio. Bref, tu sens quand même qu'il y a quand même une bonne ambiance qui revient dans le groupe. Et surtout, bah, Iommi, il est content d'avoir face à lui quelqu'un qui est un vrai musicien, qui est capable de lui proposer des accords quand ils sont en train de composer. Hein. Il dit, Dio, il pouvait prendre une guitare, me dire, tiens, qu'est-ce que tu penses de cet accord-là? Et Iommi dit, mais c'est jamais de la vie, j'aurais été capable de faire ça avec Ozzy. Et alors, évidemment, la façon qu'il avait de travailler avec Ozzy lui correspondait, parce que du coup, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait, et Ozzy, quand même, avait un certain feeling par rapport à sa façon de chanter. Mais voilà, Dio apporte, en fait, un professionnalisme et surtout une expérience musicale. Dio connaît le solfège, sait jouer d'un instrument, donc il est capable de répondre, en fait, il est capable d'être sur un pied d'égalité avec Iommi d'un point de vue musical. Et ça, c'est nouveau pour Iommi, mais on sent que ça lui fait beaucoup de bien, en fait, quand ça commence. Ce que dit Iommi rétrospectivement, en fait, c'est que il y a, selon lui, en tout cas de ce que j'ai lu, c'est que la bonne entente à ce moment-là, c'est aussi du fait que Dio, pendant ces sessions-là, est nouveau, en fait. Ce qui va changer, pour l'album suivant, c'est-à-dire qu'en gros, Dio va quand même commencer à vouloir prendre beaucoup plus de place. Et c'est là que ça va vraiment mal aller. Mais du coup, là, effectivement, ce que Iommi dit, en gros, c'est que Dio, tu le mets là, et voilà, il n'y a pas de souci. Tu bosses jamais aussi bien avec quelqu'un que pendant sa période d'essai, de toute façon. Hein. Évidemment. Il est toujours là pour rester tard, motivé. Enfin, on sait comment ça se passe. Alors, Mathieu, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que pour la première fois depuis 1971, il y a un producteur dans l'affaire. Oui. Oui, bien sûr. Dans les nombreuses choses dont on n'a pas parlé, il y a ça. Il y a évidemment le fait que Iommi se l'était dit qu'il fallait qu'il reprenne un producteur. C'est Ronnie James Dio qui le trouve, puisqu'il s'agit de Martin Birch. Donc Martin Birch, producteur bien connu, puisqu'il a notamment produit tous les Rainbow avec Dio et avec Blackmore. Il avait également travaillé sur Deep Purple avant. Et on peut rajouter les Faces, Fleetwood Mac beaucoup. C'est un producteur de studio réputé. Alors même sur Deep Purple, ça et va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il a travaillé avant d'être producteur pour Deep Purple. Il a été ingé son. Il a commencé à bosser avec eux dès 1969, c'est-à-dire dès le Concerto for Group and Orchestra. Donc en fait, il a travaillé sur tous les albums produits par Deep Purple, de Concerto for Group and Orchestra jusqu'à Comtesse de Bande. En fait, il a fait toutes les glorieuses années de Deep Purple. On les doit en grande majorité à Martin Birch pour ce qui est du son, et c'est pas n'importe quoi. Et pour ceux qui connaissent mal Deep Purple, faut savoir que Martin Birch, c'est aussi le producteur de Maiden sur leurs premières années. Toute la première décennie. Du coup, après Evan and Hell. Oui. Jusqu'à Fear of the Dark ou jusqu'à No Prayer. Jusqu'à Fear of the Dark. Jusqu'à Fear of the Dark. Et jusqu'à Fear of the Dark. Donc, sur 12 ans. Voilà, jusqu'à Fear of the Dark. Et à Fear of the Dark, Martin Birch arrête sa carrière. Donc, oui. On est quand même sur quelqu'un qui, pendant 20 ans, a été un faiseur d'or dans le monde du hard rock et du heavy metal, quoi. Ah non, mais complètement. Hein, le hard et le metal britannique lui doivent énormément, parce que c'est quand même quelqu'un qui a défini un certain son qui sera énormément copié par la suite. Il a produit également les premiers albums de Whitesnake, en plus de Rainbow, tu vois. Donc, en fait, il a gravité dans tout ce que les gens de Deep Purple ont fait. Deep Purple, Rainbow, Whitesnake et Black Sabbath. En fait, les nombreux ponts qu'on peut faire entre Deep Purple et Black Sabbath, il y a ça aussi. Il y a Martin Birch qui est dans l'équation. Complètement. Et derrière, il est une évidence que Iron Maiden, qui va chercher Martin Birch et Will Malone, va chercher les gens qui ont bossé avec Sabbath. C'est ça, ils savent ce qu'ils font. Ouais. Donc oui, comme tu dis, Martin Birch a une carrière plutôt ramassée, mais c'est un faiseur d'or.
Et donc, il bossera sur les deux albums de la collaboration Dio et Sabbath dans les années 80, c'est-à-dire Mob Rules et Even Hell. C'était aussi ce bon Martin Birch, quelqu'un qui avait plutôt la trouille de la magie noire, ce qui est assez drôle quand tu vois les albums qu'il a produits. Et évidemment, ce bon Ayomi, quand il sent la peur, il est comme un bulldog, il lâche rien. Et moi, je trouve que de toutes ces farces, pour moi, c'est la meilleure. Moi, je trouve qu'elle est exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il, quand il s'aperçoit de ça, il fait un truc tout con, il se crée une sorte de petite poupée vaudou qu'il met dans un attaché case et il passe sa vie à être juste sur quelque chose de suggéré. Où il passe à côté de Martin Birch et il dit à Geezer, ce soir, t'en es, hein, pour la fameuse réunion, t'en es. Puis il part comme ça. Et il ouvre son truc et il caresse sa poupée. Et quand Martin Birch veut regarder, il referme, il dit, mais qu'est-ce que tu regardes? Non, mais t'as une poupée dedans et tout. Ah non, non, pas du tout. Et juste, il le rend fou sur l'idée qu'il a une poupée vaudou pour le torturer. Et l'autre commence à se sentir mal, physiquement. Il devient littéralement parano. Non, mais alors, ce qui est horrible en plus, c'est que, alors déjà, non seulement Geezer, mais Dio aussi était dans le coup. C'est-à-dire que tout le monde marchait dans la blague. Ouais, Dio aussi. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs moments où, en fait, où littéralement Martin Birch s'est fait dessus, hein. Il y a des moments, et ce qui moi je trouve horrible, et ça m'a mis très mal à l'aise quand je l'ai relu hier soir en préparant l'émission, c'est qu'en fait il lui a jamais dit la vérité. C'est-à-dire que il finit son anecdote en disant il l'apprendra en lisant ce bouquin, bien fait. Ouais, je trouve que on est sur du harcèlement moral. Mais ah bah en 2022 ça serait pas quelque chose autrement. C'est censé être une farce, mais en fait c'est du harcèlement moral, tu vois. Et ça je trouve ça cruel. Ouais. Mais bon, c'est voilà. Ah, j'ai envie de dire, c'est pas le seul travers d'Ayomi, et attends, on peut lui reprocher des choses bien pires. Lita Ford a des choses à dire, et puis Lita Ford aussi. Donc bon, mais bon, voilà. À ce moment-là, c'est ce qu'il fait à Martin Birch, donc sur ses séances plutôt studieuses, mais avec toujours ses moments. T'as parlé du serpent, hein, qui finit quand même dans la voiture, puis dans les chiottes, enfin, qui finit par se faire croquer, à deux doigts de se faire croquer le derche, le Ayomi, donc. Tant qu'il finit pas dans la botte. Mais on verra, on en a déjà un peu parlé d'ailleurs dans quelques trucs qu'on a publiés sur notre page Facebook, parce que en fait, il y a eu d'autres anecdotes aussi comme ça, même bien après, genre jusque dans les années 90, où, par exemple, durant l'enregistrement de Cross Purposes, ils ont encore fait des blagues à Leif Massis, le producteur, enfin bref. C'est quelque chose que Ayomi a toujours fait pendant 30 ans, enfin bref, c'est vraiment un gamin, quoi. Ah oui, il est infernal pour ça. Et il fera même des blagues à ses fans avec Forbidden. Enfin, c'est génial. Ça, oh non, j'ai une théorie là-dessus. Donc, au moment de Noël 1979, ils sont obligés de quitter les studios Criteria parce qu'ils sont loués après, tout simplement. Donc, petit truc un peu technique, faut s'accrocher. Au moment de Noël, ils doivent quitter Miami, enfin, les studios Criteria. Ils retournent en Angleterre, sauf qu'Ayomi n'a pas le droit de siéger en Angleterre sans se faire toper par les impôts. Donc vraiment, il pose le pied sur le sol. Son avocat lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous là? Si tu te fais gauler, c'est mort. » Il repart pour les îles Jersey avec Geoff Nichols, bon camarade. Il y a une anecdote que moi, je préfère passer sous silence parce qu'elle est complètement homophobe dans la bio. Mais du coup, en gros, tout le monde pense qu'ils sont un couple gay et donc ça les terrifie. Et donc, ils attendent en fait que les autres soient dispo et passer Noël pour pouvoir rejoindre Paris et les studios Ferber pour continuer l'enregistrement, et notamment Neon Nights, qui est la seule chanson qu'il manque à l'enregistrement, et certaines voix et Overdub. Alors, l'avocat et les impôts, ils ont bon dos. Moi, j'ai envie de dire, surtout quand en décembre, tu passes de Miami à Birmingham, c'est compliqué de base. En fait, il y a quelque chose qu'il faut un peu éclaircir, parce que peut-être certains auditeurs vont pas forcément comprendre. En fait, ce qui se passe, donc, c'est qu'il arrive en Angleterre, on lui dit, tu peux pas, à cause des histoires de taxes, tu peux pas rester... en gros, il dit qu'il s'est trompé de date, c'est-à-dire qu'il pensait revenir au bon moment pour éviter la taxe, qui faisait que il fallait qu'ils vivent plus d'un certain nombre de mois à l'étranger pour éviter de payer certaines taxes, et il se trompe dans les dates et il revient trop tôt. Donc son avocat lui dit barre-toi, mais barre-toi pas trop loin, et il va à Jersey. Alors c'est pas les îles Jersey, hein, Mathieu, c'est les Jersey dans les îles anglo-normandes. C'est là où tu veux dire mais c'est bizarre, Jersey, ça appartient à l'Angleterre. Oui, en fait c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que Jersey, Guernesey, paradis fiscal, et la troisième île qui est à côté, qui sont donc les îles anglo-normandes. En fait c'est une subtilité géopolitique, c'est qu'en fait ce sont des îles qui appartiennent à la couronne d'Angleterre, mais qui ne font pas juridiquement partie du Royaume-Uni. Donc, de facto, ça appartient aux Anglais, mais en fait, ça ne fait pas juridiquement partie du Royaume-Uni. Donc, en fait, tu peux y aller, c'est un paradis fiscal où on parle anglais, qui appartient à l'Angleterre. C'est une île qui a immatriculé des milliers et des milliers de yachts.
Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Du coup, ils sont émigrés à Jersey avec Jeff Nichols et Iommi, ils s'emmerdent. Mais c'est ça qui fait qu'en fait, ils ont plus de facilité ensuite pour se rendre à Paris, où il faut qu'ils finissent qu'ils fassent encore. Alors, il n'y a pas les overdubs, parce que les overdubs, ils vont les faire à Londres. Donc en fait, l'album a été enregistré dans 3 studios techniquement. Mais donc il y a encore des choses à enregistrer à Paris, et c'est la raison pour laquelle en fait ils vont au studio Ferber, c'est parce que c'est plus simple pour eux d'aller en France depuis Jersey. Donc il y a ces fameuses sessions à Paris durant le début de l'année 1980 où les autres membres les rejoignent. Alors ce qu'on n'a pas dit, Mathieu, c'est que donc effectivement Geezer revient à ce moment-là. Je crois que Geezer revient en Oui, il est revenu à voilà, Miami. Il est revenu à Miami. Il participe à la toute fin des sessions au Criteria Studio. Il apparemment, d'après ce que on peut lire, il écoute en fait tout ce que les autres ont enregistré en son absence et il est complètement bluffé. Il dit ouais, c'est vachement bien ce que vous avez fait. Il paraît qu'il a été époustouflé par Dayang. Donc ça c'est qui ne l'a pas été. On peut comprendre pourquoi hein, et on va expliquer même pourquoi après. Mais voilà, donc Geezer en fait valide complètement tout ce qu'ils ont fait en son absence. Mais donc voilà, il y a toujours ce petit débat de savoir qu'est-ce que Geezer à quoi Geezer a contribué réellement lors de l'écriture de l'album. Alors il me semble, mais bon, on en reparle après. Mais ouais, il me semble que c'est un peu plus tard qu'il aura vraiment contribué. Enfin, il a pour tout. Pour moi, il y a un morceau. Pour moi, oui. Non, mais je parle de coécrire. Oui. Des infos que j'ai, mais vous me dites si j'ai tort, c'est il a fait que Neon Nights. Oui, en fait, il a tout réenregistré, mais tout était voilà. Il semblerait qu'il y ait certaines parties de basse qui l'aient modifié ou que ce soit réapproprié, mais dans l'ensemble, la structure n'a pas bougé. Et le seul morceau qui est enregistré à Paris sur lequel la compo n'était pas finie, c'est bien Neon Nights. C'est ça. Exactement. Neon Nights, qui donc du coup a été écrite à la fin, donc alors que c'est le titre d'ouverture de l'album et c'est le premier single même qu'ils ont sorti. Et en fait, c'est le morceau qu'ils ont enregistré à la fin, et donc c'est un peu le paranoïde en fait de l'album d'une certaine façon. Complètement. Et je suis pas étonné que ce soit celui-là. Je vous expliquerai ma théorie dessus. À Paris, il faut savoir donc qu'il y a des fameuses sessions photo qui ont lieu à Montmartre notamment, qui sont assez chouettes parce que c'est rare qu'on voit Sabbath dans un environnement qui nous paraît à la fois si proche, même si c'est loin dans le temps. Et il y a aussi, donc Misty était encore là avec Bill Ward, et il y a des anecdotes. Faut savoir que Mick Wall, qui a écrit un livre assez référentiel, Symptom of the Giver, sur Sabbath, à partir de ce moment-là, il est attaché de presse auprès du groupe. Donc à ce moment-là, il vit sur place la vie de Black Sabbath pendant quelques années. Je crois que ça va jusqu'à au moins Born Again, mais je ne vais pas dire bêtises. Et notamment, il découvre l'album sans les voix, donc la version vraiment... instrumental, avec Bill Ward et Misty dans leur appartement, dans leur hôtel à Paris. Donc un hôtel qui pue le vomi parce qu'ils avaient bouché toutes les canalisations de leur chambre et de la salle de bain en vomissant partout. Ils étaient évidemment arrachés complet. Et il raconte une histoire où le plombier qui a été dépêché pour essayer de nettoyer tout ça est devenu littéralement barge de voir tout le vomi qui devait sortir, toute la bile qu'il y avait dans tous les tuyaux. Donc c'est dans cette odeur de vomi qu'il découvre l'album et il sait à ce moment-là, il dit, en tout cas, voilà, il dit qu'il sait que ça va être énorme. Et alors oui, du coup, c'est bien que tu fasses la petite transition avec Bill Ward, parce qu'en fait, donc il y a ces fameuses sessions, ce shooting photo, donc qui a été organisé à Montmartre, et en fait, par Mick Wall d'ailleurs, j'ai pas précisé. Par Mick Wall. Alors du coup, j'ai pas compris si c'était Mick Wall qui avait pris les photos ou si c'était quelqu'un d'autre, c'était un photographe. Non, il y a un photographe. Voilà. Donc il y a eu plusieurs photos qui ont été prises. Alors il y a des photos qui ont été prises dans certaines rues adjacentes au Sacré-Cœur. J'ai pas réussi à retrouver lesquelles, mais par contre, j'ai réussi à retrouver la rue dans laquelle ils ont fait le fameux shooting avec la fameuse photo. Alors, il y en a eu plusieurs des photos, en fait. Il y en a une qui est très très connue, celle où il y a Ronnie James Dio qui est devant, qui met les bras comme sur ça, la taille. Voilà, bon. Et alors, il y en a d'autres, en fait. Il y a une photo où ils sont en contre-plongée, où du coup, Dio a l'air gigantesque par rapport à Iommi, ce qui est très drôle quand on sait qu'il est tout petit. Mais moi, ce qui m'a fait fasciner, c'est donc j'ai retrouvé la rue. La rue, c'est la rue du Chevalier de la Barre. C'est une impasse qui est située sur la droite du Sacré-Cœur, quand on est face au Sacré-Cœur, qui est derrière. Donc en fait, encore aujourd'hui, si vous avez la chance de pouvoir être en région parisienne, si vous avez la chance d'aller dans Paris, allez au Sacré-Cœur et vous retrouverez la rue où il y a cette fameuse photo qui a été prise. Donc on est en 2023 aujourd'hui, donc cette photo a été prise à 43 ans. Et moi, je suis retourné hier soir, enfin pas hier soir, mais cette semaine, un de ces soirs, pour refaire cette photo. Et peut-être qu'un de ces quatre, on va la refaire ensemble si vous êtes d'accord. Et j'ai même été, je suis tellement
tellement fan de cette photo parce que je la trouve magnifique. J'ai même été jusqu'à retrouver le nom des modèles de voitures qui sont juste là. Il y a plein de détails, il y a plein de petits détails comme ça marrants sur cette photo. Il y a notamment un camion de déménagement qui est situé juste en arrière-plan avec encore le numéro de téléphone de l'époque avec marqué débarras. Et ce qu'on voit pas sur une autre photo, c'est qu'il y a une bûche qui est par terre. Il y a littéralement un tronc d'arbre qui est sur la route. Et il y a une autre photo aussi où on voit des gamins qui jouent dans la rue. Bref, c'est une session photo que je trouve incroyable. Elle est vraiment super chouette. Et pourquoi je faisais un lien avec Bill Ward juste avant? C'est parce que Bill Ward, il est dans le vomi jusqu'au cul avec sa femme, mais sur cette photo, il est en costard et il est ultra bien sapé, alors que Ayomi a l'air d'un gros beauf, que Dio, il est un peu désapé. Enfin, c'est une photo qui n'a aucun sens. Il y a une autre discussion historique qui a lieu au studio Ferber, une discussion entre Ayomi et Dio. Ayomi, à ce moment-là, se rend compte que malgré tout le bonheur dans lequel ils vivent, eh ben, il va falloir faire des lives et qu'ils n'y avaient pas du tout réfléchi, que Dio, il va falloir qu'il monte sur scène, qu'il chante les anciennes chansons de Black Sabbath, et c'est des trucs sur lesquels ils n'avaient pas du tout réfléchi. Et dans cette discussion d'organisation de comment on va faire, il y a le fameux signe V de la victoire de Ozzy. Il dit, mais Ozzy, en fait, il fait tout le temps V comme ça, etc., à la Churchill. Toi, ça serait peut-être bien que tu aies une signature, que tu aies quelque chose. Et donc, c'est au studio Ferber que, pour la première fois, Dio lui montre un signe, un truc, en fait, en sorte de corne, en fait, avec l'index et l'auriculaire tendu, le reste des doigts repliés. Et je propose qu'on en reparle au moment de la tournée. Oui. Mais en tout cas, c'est à Ferber qui lui montre pour la première fois et qu'Ayomi se dit, ah oui, quand tu te tiens debout et que tu le fais une fois, voire deux, parce qu'il essaie avec les deux mains, ça a plutôt de la gueule, on va faire ça. Question un peu candide, parce que j'ai pas trop réussi à trancher là-dessus. Est-ce que Dio utilisait déjà Signe à l'époque de Rainbow? Pas du tout. Non, hein, on est d'accord. Non. Parce que moi, j'ai pas trouvé, mais du coup, est-ce que j'ai mal cherché? Non, d'accord. Non, il le fait. Non. Et autre petite précision, il existe une photo de 69 ou 70, je crois, où Geezer fait les hands up. Donc c'est un truc sur lequel Geezer l'a simplement dit, foutez-moi la paix avec ça, c'est Dio qui a tout inventé, c'est le hasard, etc. Ouais. Tout comme on sait que sur une pochette de Dynasty, je crois, de Kiss, il fait un signe approchant. C'est Hotter Than Hell. Oui, alors Hell, il me semble. Ouais. Kiss, mais il y a surtout. C'est bien avant Dynasty. Il y a surtout la pochette de Yellow Submarine des Beatles. De quoi? Où il y a le. Ah, j'avais pas. Il y a un dessin des Beatles, donc c'est une illustration, et le dessin de John Lennon, tu vois John Lennon qui fait ça. D'accord. Après, mais attends, il le fait la paume à l'extérieur ou avec le dos de la main à l'extérieur? Geezer? Non, John Lennon. Oui, John Lennon. Il le fait comme ça. Et justement, ça a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il y a plein de fans qui l'ont vu, ça, ce truc sur la pochette de Yellow Submarine. Mais en fait, on fait un point. C'est un point qu'on va devoir débunker un peu en détail, ça. C'est-à-dire que, bon, en tout cas, même si Dio se réclame d'avoir amené ça dans le métal, il s'est jamais réclamé de l'avoir inventé lui-même. Ah non, c'est sûr. Je me doute que vous le savez, vous. Mais c'est pour... c'est vrai, tu vois. Il paraît qu'il y a des gens qui nous écoutent. C'est-à-dire que même lui, il dit qu'il tient ça de sa grand-mère. Oui. En fait, c'est un geste... Donc ça veut dire que c'est un truc qui existe bien avant lui. Oui, c'est un geste apotropaïque, c'est-à-dire c'est un geste pour éloigner les forces du mal. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui était répandu dans le folklore méditerranéen depuis des siècles, que tu trouves tu trouvais en Grèce, que tu trouvais en Italie, que tu trouvais en Espagne. C'est quelque chose qui était, voilà, qui était lié au christianisme, tu vois. C'est ça, parce qu'on précise du coup, même si Dio est né aux États-Unis et que ses parents sont aussi américains, il est immigré de la deuxième génération et sa grand-mère vivait encore en Italie. Ça. Exactement. C'est ça, donc oui, sa grand-mère. Et je sais plus de quelle région exactement. Donc, il le tient de sa grand-mère, et donc c'est pour ça qu'on peut évidemment trouver des signes plus anciens. J'ai oublié évidemment Coven qui le fait également, parce que c'est un signe de protection qui du coup dans la culture païenne, on va dire, a fait son chemin. Donc en fait, c'est pas forcément le premier à le lier à un univers musical qui flirterait avec le l'occultisme. Par contre, c'est lui qui a chargé une énorme tournée qui a été extrêmement vue, notamment aux États-Unis et vue au cinéma par la suite, de ce signe, de ce symbole constamment. Et donc c'est lui qui l'a popularisé et amené à grande échelle. Alors païen et chrétien, dans la mesure où en fait, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens maintenant savent parce que à cause du métal on en a beaucoup parlé. Mais en fait le christianisme depuis la fin de l'Antiquité, à partir du moment où le christianisme devient la religion du monde romain puis du monde occidental et oriental médiéval, en fait la société chrétienne a repris un grand nombre de choses venues du paganisme pour cimenter en fait le christianisme dans la société. Donc du coup il y a beaucoup de gestes et de traditions comme ça folkloriques
païennes qui sont devenues chrétiennes. Et je pense que la mano cornuta, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un geste qui a certainement des origines païennes, mais qui a retrouvé un sens dans le monde chrétien à cause de ce diable qui était une figure païenne, mais qui est devenue une figure chrétienne. Et c'est pour ça, quoi. Il y a à la fois cet héritage païen et cet héritage chrétien. On quitte Paris ? Et on va rapidement faire un tour à Londres pour les overdubs et le mixage, donc réalisé au Town House Studios de Londres. Pas que ce soit hyper intéressant, mais il y a une anecdote quand même qui vaut le coup d'être racontée parce qu'elle va laisser des marques, littéralement. Ayomi et Bill Ward, en fait, ont un petit jeu rigolo depuis longtemps, ce qu'on peut appeler le jeu du briquet, c'est-à-dire quand t'as ton copain avec qui tu joues qui est un peu inattentif, bah t'essayes de lui cramer un bout de vêtement avec le briquet. C'est vachement rigolo, ne faites surtout pas ça chez vous. Et un jour, en studio... Bill Ward était particulièrement inattentif et puis il y avait des vêtements qui prenaient particulièrement bien feu. Donc Ayomi, il fout le feu et ça monte assez vite, ça brûle, notamment son pantalon brûle. Ayomi, dans ces cas-là, pour arrêter le feu, décide de jeter sur Bill Ward le produit qui sert à nettoyer les bandes en studio, l'espèce de liquide voilà, qui est donc extrêmement inflammable, avec de l'alcool tout simplement. Donc Bill Ward prend feu, littéralement devient une torche humaine. Et finit aux urgences avec des brûlures au troisième degré sur les jambes et notamment les chaussettes qui lui ont fondu sur les pieds, des marques qu'il a encore aujourd'hui. Donc il est scarifié. Moi vraiment ça fait partie des anecdotes, je te dis, en relisant la bio, et Ayomi il raconte ça tranquillement en mode non c'était rigolo. Qu'est-ce qu'on est couillon. Putain mais et, il raconte ça. Et le livre, à l'époque on savait s'amuser hein. Le livre il l'a sorti au début des années 2010. Je suis désolé mais je lis ça 10 ans après qu'il l'ait sorti. Je suis horrifié. J'ai mon estime d'Ayomi a baissé hein, quand j'ai lu ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est vraiment un couillon. Ah oui, couillon. Ça, c'est... Après, hein, il l'a déjà montré plusieurs fois par le passé et il le montrera à l'avenir aussi. Enfin, c'est comme tu disais, c'est un irresponsable. Ah mais voilà, bon. Après, c'est marrant, il collectionne les Lamborghini et tout, mais c'est quand même sur certains aspects, je trouve que c'est quelqu'un d'assez pitoyable, hein, Ayomi. Hein, Ah bah il a des côtés sur lesquels il est difficilement défendable, c'est sûr. Oui. Hein. Les gens sont assez clairs sur le fait que dans le show, on a tendance à plutôt dire les choses comme ils se sont passés au mieux et qu'on fait pas l'impasse, malgré l'amour qu'on a pour eux, sur leur mauvais côté. Et donc le bully qui a été Bill Ward... Tony Ayomi, tu veux dire. Le bully qui a été Tony Ayomi, pardon, sur Bill Ward notamment, pendant quand même une décennie, c'est absolument immonde. Ah bah oui, bien sûr. Aujourd'hui, il se mangerait un procès, quoi. Enfin... Voilà, tu peux rajouter le fait que personne n'assume jamais rien dans ce groupe, à commencer par Ayomi, qu'il a fait revenir les loups dans la bergerie des tonnes de fois en parlant de Don Arden et Patrick Nian, et qu'il y a des choses sur lesquelles on peut le plaindre, il y a des choses sur lesquelles il a quand même absolument fait n'importe quoi, ça n'empêche. Et évidemment, on rajoute Lita Ford et les violences conjugales, sur lesquelles, par exemple, Ozzy, par rapport à Thelma, a pu exprimer des remords très clairs et officiels. Une sorte de contrition qui lui semblait essentielle, ce que n'a pas fait Ayomi. Ayomi s'est jamais excusé de toutes les saloperies qu'il a fait aux gens qu'il a fait souffrir. Donc c'est quand même des choses qui méritent d'être dites. Ceci étant dit, nous avons fini l'enregistrement, je propose qu'on passe au track by track et qu'on aille dans le vif du sujet. Mais avant ça, petite info générale, parce qu'en fait, sur cet album, je pourrais presque dire la même chose sur tous les titres. Avant ça, évidemment, spoiler, c'est un grand album, c'est un exceptionnel album. Mais, ça y est. Allons-y. On va se fâcher. Non, on va pas se fâcher. On va pas se fâcher. On va pas se fâcher. Ce que j'aime par-dessus tout chez Black Sabbath, et la raison pour laquelle j'aime d'amour Black Sabbath, c'est cette espèce de parfait équilibre entre les textes de Geezer qui ont plusieurs niveaux de lecture, qui sont dans un style d'écriture particulier, avec la voix d'Ozzy, qui certes a tendance à suivre le riff, j'ai aucun souci là-dessus, mais moi je viens du doom et du stoner. Donc moi, suivre le riff, c'est littéralement une déclaration d'intention, quoi. C'est de mettre la voix plus en retrait, comme un instrument comme les autres, et donc tu peux doubler une guitare avec une basse, tu peux doubler une guitare avec une ligne de chant. Ronnie James Dio fait quelque chose de plus fort, quelque chose de plus actuel pour les années 80, quelque chose de plus techniquement difficile ou de plus techniquement remarquable. Je n'ai aucun problème avec ça. Ces textes sont complètement dans l'air du temps des années 80. Ces textes, c'est de la Sword and Sorcery. Ça a des inspirations médiévales. C'est exactement ce qui va forger le sel du heavy metal. Je n'ai aucun problème avec ça. Juste, forcément pour moi, c'est un autre Black Sabbath.
Et quand il s'agit de décrypter les textes, bah, c'est beaucoup moins marrant sur Even and Hell que sur les albums précédents. Oui. Ceci étant dit, haute option, cet album magistral en tout point. Et autre chose, oui, que j'ai pas rajouté, pardon, c'est que forcément, qui dit une voix qui prend plus de space, plus d'ampleur, qui fait des nouvelles lignes mélodiques, dit évidemment que d'autres personnes sont plus lésées dans le spectre musical, et c'est Bill Ward, évidemment, qui est le grand perdant de cette période. Pas que, à mon avis, que pour des raisons, c'est des raisons personnelles également, mais moi qui suis un amoureux des batteurs en général, et de Bill Ward en particulier, c'est forcément un truc que je voulais noter. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. En fait, y a quelque chose qui change fondamentalement à partir du moment où Dio vient et où du coup c'est lui qui se met à écrire tous les textes. Effectivement, moi ça m'a semblé aussi pendant des années quelque chose à noter, le fait que Bill Ward, bah, il est un peu en retrait quoi sur cet album, même si, bon, il fait quand même un boulot incroyable. Je suis désolé, mais quand tu entends Neon Knights... Pas le terme incroyable, à mon sens. Ouais, mais quand tu entends Neon Knights, et on va y revenir là dans quelques instants, mais Neon Knights, c'est quand même un des premiers vrais morceaux de speed metal. Bill Ward est capable de jouer un morceau de speed metal. Et ça, c'est pas forcément gagné quand tu sais ce qui lui est arrivé ces dernières années. D'ailleurs, Ayomi dit dans sa bio que Bill Ward, il était complètement alcoolique au dernier degré, on a parlé de vomi, etc. Mais en fait, ça le rendait beaucoup plus agressif. Donc si la batterie, elle est quand même très bien sur cet album, c'est parce que Bill Ward, malgré tous ses problèmes, eh ben, il était à fond. Et il joue probablement comme il sait que c'est peut-être sa dernière chance de briller dans Black Sabbath, eh ben, il joue le jeu, quoi. Et ça s'entend sur ce premier titre magistral, qui est Neon Knights. Évidemment que c'est un Black Sabbath différent. C'est pour la simple et bonne raison que, mine de rien, l'équipe change, mais pas juste les membres. C'est que de manière fondamentale, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est l'équilibre en termes de composition n'est plus le même. Donc forcément, ça va être une approche différente. Et évidemment, les textes vont être écrits de manière différente. Je pense que c'est aussi parce que c'est un Black Sabbath différent que c'est mon album préféré et par extension ma période préférée de Black Sabbath, bien qu'elle soit plus courte et on peut pas le nier qu'elle ait moins d'impact historique que les six premiers les six premiers tout court. En fait, ça c'est quelque chose sur lequel on développera dans les épisodes prochains, mais en fait Black Sabbath change complètement à partir de MNL, change d'orientation musicale et en fait ne va pas en changer jusqu'au retour d'Ozzy. C'est-à-dire que jusqu'à ce que Ozzy revienne dans les années 2000, enfin on peut même étendre jusqu'à 2009 vu que Devil You Know est le dernier album avant le retour d'Ozzy en studio, en fait Black Sabbath va garder en fait cette orientation heavy mélodique. Avec quand même des nuances, tu vois, je veux dire, Born Again, t'as une approche pareille qui est vraiment différente. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la façon dont Ayomi va interagir avec ses chanteurs, puisque Dio n'est que le premier d'une série de gens qui vont succéder jusqu'au retour d'Ozzy, ça va être radicalement la même. C'est-à-dire, c'est les chanteurs qui sont vraiment des chanteurs techniques, qui ont une capacité d'aller au-delà du riff, comme Dio, je veux dire, Gillan, Hughes, Martin... Ray Gillen, tous ces gens-là sont capables de chanter comme Ronnie James Dio, en fait. C'est ça. Est-ce que Ozzy ne sera jamais capable C'est ça. Donc, il ne pourra pas revenir à un clone d'Ozzy. Non, il n'y aura jamais de clone d'Ozzy. En fait, il n'y aura que des imitateurs de Dio, si j'ose dire. Oui, complètement. À peu près. Complètement. Et donc, c'est ça, en fait, qui change fondamentalement. C'est qu'à partir d'Even and Hell, Black Sabbath devient un groupe de heavy mélodique et cesse d'être un groupe de doom pur. C'est ça. De Doom, autre anecdote en parlant des changements de line-up, c'est-à-dire que à l'exception de Never Say Die, on va dire que ça n'a pas changé pour simplifier, le groupe n'a pas changé de line-up pendant 8 albums, pour ensuite changer de line-up à chaque album, à peu de choses près. Quasiment, ouais. Non, oui, en fait, si. En fait, jusqu'à... Il me semble, hein. Jusqu'à Devil You Know, il change de line-up. Au moins un membre change à chaque scud. Ouais. Bon, Neon Knights, du coup, désolé de vous avoir retardé. Neon Knights, donc premier titre et premier single du groupe enregistré à Paris. Et donc, je sais pas si c'est un trope, je sais pas si ça vous le fait, mais depuis que je le sais qu'il était enregistré à Paris, je l'ai pas appris pour l'épisode, je le sais depuis quelques années, on va dire, j'ai toujours trouvé qu'il sonnait différemment que le reste de l'album. Oui. Mais peut-être que c'est un trope, j'arrive pas à savoir si je me suis pas conditionné à ça. Alors, il y a ça, et il y a aussi que c'est un morceau qui, par essence, est complètement différent, comme a dit Gabriel tout à l'heure, c'est le paranoïde de l'album. Mais au-delà de paranoïde, c'est-à-dire qu'il y a
c'est le seul morceau speed de l'album, tu vois. Et en ouais. plus, c'est le. Mmh. Donc, il sonne différemment, mais j'ai envie de dire, c'est une approche qui est complètement différente. Oui. Et c'est un morceau qu'ils ont composé parce qu'en fait, ils se sont rendu compte que tout le reste des chansons qu'ils avaient écrites étaient un peu trop mid-tempo, un peu trop lent, et que donc, il leur fallait un titre plus vénère pour équilibrer la sauce. Bon, après, mmh. je pense que dans tous les cas, il y a quand même une certaine cohérence dans la mesure où c'est le même son. C'est à peu mmh. près le. Oui, oui, non, mais il y a pas de. Ah, c'est pas hein. incohérent, c'est juste différent. Ouais. Et moi, il y a un autre truc. Encore une fois, là, je suis sur l'interprétation pure. C'est pas quelque chose que j'ai lu quelque part. C'est mon interprétation du morceau. Ceci étant dit, ça me paraît pas non plus délirant. Les paroles de Dio, on l'a dit, ça change radicalement de la façon qu'a d'écrire Geezer. Et on est sur un autre Black Sabbath. Neon Knight, c'est un morceau qui, peut-être pour la seule fois de la période Dio, en tout cas, j'ai pas d'autres exemples en tête, va mixer l'Heroic Fantasy, le côté chevalier, avec le côté néon. Et la première strophe du morceau va être un petit peu plus ancrée dans le réel. On pourrait presque penser que ça part du fait de changer, tu vois, Here I Go Again, ouais. Hold on, Good Thing Never Last, ce genre de truc. Ouais. Et il y a peut-être presque un côté, il s'agirait de grandir. On change de groupe. Il s'agirait de grandir. Après, il y a les Jackals of the Street. Tu vois, il y a des choses qui sont accrochées à la ville, au côté urbain, etc., avant de partir dans des délires beaucoup plus heroic fantasy qui vont gaver le reste de l'album. C'est presque une transition, mm-hmm. en fait. Ouais. Alors, je me permets de nuancer. Ouais. Les thèmes urbains, Dio va en utiliser au fil de sa carrière, oui. et même des thèmes un peu plus terre à terre, tu vois, dans Mob Rules, sa Country Girl. Ouais. Ah oui, ce genre de truc-là, exact. Tu vois. Et je te parle pas de sa carrière solo parce que du coup, ça va pas, l'heroic fantasy, ça, est-ce que ça prédomine? Je sais même pas, j'ai pas fait de stats, mais c'est un thème vraiment important chez Dio et surtout en termes d'imagerie. En revanche, ça veut pas dire. Comme ça, ouais. Et ça l'identifie clairement, ça fait partie de son identité et c'est quelque chose qu'il revendique. Ça veut pas dire qu'il s'autorise pas à parler d'autre chose. Cela dit, hein, l'effet de transition est vachement intéressant. Et peut-être que c'est pas innocent, voire, oui, que, tu vois. Alors, il y a un truc. Mais, parce qu'en plus, comme composé en dernier, on peut imaginer qu'ils aient voulu structurer différemment l'album. Il y a un truc sur lequel je vais un peu spoiler, mais on est obligé d'en parler, c'est le rapport à la fantaisie de Dio. C'est-à-dire qu'en fait, il a tellement surexploité ça durant sa période Rainbow, dans sa période Sabbath, puis dans sa carrière solo à partir de 83, qu'en fait, il y a vraiment un moment de bascule en 91 quand il est repris dans Black Sabbath. Donc là, je spoil un peu ce qu'on dira dans le futur épisode sur The Humanizer. Oui. Mais en fait, à ce moment-là, Geezer lui dit « No rainbows, no dragons ». Il lui dit « Oui. Force-toi à écrire autre chose que ce que t'avais l'habitude d'écrire depuis 15 ans. Et en fait, c'est là, après, donc, il fait un album avec Black Sabbath en 92 qui est The Humanizer. Et en fait, quand tu vois les albums qui sortent après, pendant 2-3 albums, t'as Strange Eye West, t'as Angry Machines, etc. et Magica, où, en fait, il est dans un délire plus science-fiction, mais il y a aussi un délire contemporain. C'est-à-dire, tu le vois, par exemple, avec des morceaux sur The Humanizer, TV Crimes, tu vois, ce genre de choses. Dio est capable de faire ça. Sauf qu'il faut qu'on le force un peu à le faire. Et c'est aussi typiquement des années 90, oui. c'est-à-dire que la prédominance de la technologie, ouais. Le côté pré-internet, les ordinateurs, etc. Enfin, tu retrouves ça un peu partout. Mais justement, t'as le cinéma, mine de rien, t'as Terminator qui oui. marche de fou à ce oui, moment-là. C'est un phénomène culturel qui les a forcément touchés. Justement, ouais. moi je trouve que ce qu'il y a dans Neon Knights, cette thématique où il y a cette espèce de ping-pong en fait entre les aspirations heroic fantasy de Dio et en même temps l'identité de Black Sabbath hein, qui va quand même continuer à transparaître malgré tout, en fait c'est assez raccord et c'est la suite pour moi de ce que Black Sabbath faisait déjà dans les années 70, c'est-à-dire que on est capable de parler de choses occultes mais en même temps on va parler de trucs un peu science-fiction, un peu technologique, exactement. Tu vois, avant ça il y a eu Technical Ecstasy, avant ça il y a eu Into the Void et il y a eu Iron Man, tu vois, et pour moi Neon Knights, oui, mais avec une double lecture, un double sens sur ce que ça dit du monde dans lequel ils vivent, à la façon de Black Sabbath, mais c'est finalement ancré dans le réel. J'ai pas le sentiment qu'ils venaient d'elle, soit ancré dans le réel, si ce n'est le fait que le bien, la grande bataille entre le bien et le mal, c'est universel. Mais quand on est sur l'universalité, ce que font aussi les religions, on n'est pas ancré dans, on ne dit rien de son époque, on dit quelque chose de l'humanité, ce qui est très beau aussi, mais c'est autre chose. Voilà. Bon, voilà, donc c'était ma hot take sur Neon Knight, elle vaut ce qu'elle vaut. Par contre, musicalement, ouais, voilà, morceau speed, super morceau. Moi, dans le genre morceau speed, je lui préfère Die Young.
Alors, mais qui est voilà, qui est pas complètement speed non plus. Oui. Alors, oui, bien sûr. juste moi je vais je peux redonner un peu de contexte, donc je pense que les auditeurs l'ont compris, mais enfin Heaven and Hell, c'est un album qui est extrêmement important pour moi. C'est un album dont je connais chaque seconde par cœur. Je l'ai réécouté encore 10 000 fois pour préparer l'émission. Je me suis pas lassé une seconde. Bref, c'est vrai, voilà. Aussi. Et je peux parler. Enfin, si une seconde. je peux parler en fait de la fois où j'ai découvert cet album. C'est-à-dire que moi, je sais pas si je l'avais dit dans une précédente émission, mais moi, mes deux albums cultes, c'est Sabotage et Heaven and Hell. Et je considère Sabotage, c'est l'album qui m'a fait découvrir et aimer Black Sabbath. Et Heaven and Hell, c'est l'album qui m'a fait devenir fan de Black Sabbath. Tu vois? Et en fait, quelle a été la sensation que j'ai ressentie? C'est, j'ai découvert pour la première fois Heaven and Hell, Neon Knights, un soir, c'était il y a 2008. C'était sur MySpace, je balance je vois Black Sabbath, Neon Knights, je n'avais jamais entendu ce morceau. J'ai appuyé sur play, je te garantis, ma vie a changé dès les premières secondes. Quand tu entends ce riff qui déboule, ta 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 ta, je suis désolé, quand tu écoutes ça pour la première fois, ta vie change. C'est incroyable comme expérience. C'est une des plus belles chansons de métal, même de rock jamais composées. C'est quelque chose qui m'en... Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur tout l'album. Il va falloir se détendre. Non, mais je non, mais en vrai, Neon Knights, mais c'est un super morceau. J'assume que je ne suis pas objectif. Mais simplement, comment dire, sur cet album, ça va le faire sur d'autres chansons sur lesquelles on va revenir après. Il y a ce côté feel good, en fait. Ce côté ultra feel good, et je pense que Neon Knights, tu commences avec ça, c'est incroyable. L'album est réussi, oui, dès les premières secondes, quoi. Puisqu'on est dans la découverte personnelle, moi, les morceaux de Heaven and Hell ont beaucoup trotté chez moi, mais j'ai pas eu l'album en lui-même tout de suite, et du coup, Neon Knights, si je me gourre pas, je l'ai découvert avec le live de 2007, de Heaven and Hell, du coup. Si jamais, pour une raison que ce soit, vous n'êtes pas encore très ancré dans Black Sabbath, il y a beaucoup de gens finalement qui nous écoutent, qui disent je vous écoute et je réécoute les albums après. Un conseil que je peux donner, avant d'écouter quoi que ce soit à la période Dio, écoutez le live au Radio Music City Hall là, de 2007. Un des meilleurs lives de métal jamais. Le meilleur live de métal de l'histoire. Alors, pour moi, c'est Staying Alive d'Accept. Mais... ça se discute. C'est Staying Alive des Bee Gees. Mais... non, moi, ça peut jouer avec le Made in Japan de Purple. Complètement. On va en trouver. Voilà, mais c'est un live, moi, un live récent, en tout cas, qui m'a complètement scié. Et en effet, la puissance qu'ont tous les morceaux, donc de Mob Rules et d'Even and Hell et de The Humanizer, via ce et double live. Et même les live, deux inédits sont pas oui, mal. Oui, il y a les deux inédits. Pas ouais, ouf, mais pas bien mal. Bien sûr. Non, mais la dimension qu'ils prennent dans ce morceau, moi, me rend presque Even and Hell obsolète. Oui, c'est pour oui, vous. Oui, dire. Oui, oui. Non, mais attends. Moi, la version Even and Hell, le titre, sur le Radio Live Music City Hall, j'entends des choses. Je suis transporté, j'entends des choses, c'est une histoire qui me alors, c'est tout, incroyable. Tout. On va tout. Crever l'abcès tout de suite. Ouais. Dio, en live. C'est regrettable qu'il soit parti aussitôt parce que beaucoup de gens ont raté ce que c'était. Dio en live, et jusqu'à la fin de sa vie. Pour en ce qui me concerne, moi, la seule fois où je l'ai vu, du coup, c'est la dernière tournée qu'il a faite de son vivant. Mais il est resté à un niveau incroyable et un niveau d'interprétation parce que le niveau technique, tout ça, surtout à la fin, évidemment, il chantait plus grave, tout ce que tu veux. Mais le mec avait 60 ans et en plus, c'est pas en grande forme sur la fin. Mais ça, on le saura qu'après. Parce que sur place, je peux te dire que personne se rendait compte et tout le monde était d'accord pour dire que sa prestation était magistrale. Dio, au-delà de ses qualités techniques qui sont indéniables, c'est un conteur. C'est aussi l'école. Alors, il y a des gens qui l'aiment, qui l'aiment pas. Moi, je m'en fous. Je trouve quand même que c'est un excellent chanteur. Tu vois, c'est un peu l'école Dickinson. C'est un mec qui va te raconter une histoire et passe et au-delà des mots qu'il emploie par sa corporalité. Par son interprétation, par ses intonations, c'est je sais pas à quel point il travaille à ça. Ça, je peux pas le dire. Mais c'est quelqu'un qui vit le morceau et qui te le fait vivre à côté. Tu sais que moi, le premier concert de métal que j'ai fait de ma vie. Donc avant ça, j'avais fait des petits concerts de punk, des trucs comme ça. Bref, mais j'avais jamais été à un concert de métal. Mon tout premier concert de métal, c'était Heaven and Hell en 2009 au Casino de Paris. Genre, je vais voir un groupe de métal pour la première fois, je vais voir ça, et je me prends Dio dans la figure, tu vois. Ah bah là... Et Ayumi.
Bon, et après, voilà, enfin, c'est, tu, évidemment, c'est un, tout le reste est incomparable. Et puis après, ben, un an après, il est mort, tu vois. Donc, c'est, tu, voilà. Même puis, pas un an après, t'imagines. Je sais que parmi nos auditeurs, il y a des gens qui ont vu Dion en concert. Certains même l'ont vu plusieurs fois. Bah, moi, je suis désolé. Certains l'ont vu dans les années 80. Voilà, certains même l'ont vu dans les années 80, mais on est finalement assez peu, à l'avoir vu en concert avec Black Sabbath. Et bah on a eu une chance improbable en fait tous les trois nous de le voir sur scène avec Black Sabbath alors qu'il s'appelait Evan Hansen mais c'était Black Sabbath quand même. Bien sûr. Donc voilà enfin c'est quelque chose moi personnellement c'est quelque chose que je chéris extrêmement fort dans mes souvenirs d'avoir pu voir ça quoi. Ah, en tout cas, Mathieu, c'est important ce que tu as dit sur sa corporalité et son interprétation des morceaux. Ce qui sera d'ailleurs, je pense, un débat intéressant quand il s'agira de parler des morceaux d'Ozzy, composés qu'Ozzy, qu'il interprétera sur scène. Mais en tout cas, cette théâtralité presque, hein, ou cette corporalité... Complètement théâtralité. Je pense qu'il y a un côté théâtral qu'il assume lui-même. Hein. Enfin, qu'il assume lui-même. Et donc, qui fait que ce live, en tout cas, je le conseille vivement. Mais revenons... Oui. À notre pain quotidien et à Even and Hell qu'on est loin d'avoir envie de bouder. Complètement. Et donc Neon Knights, très bonne entrée en matière. Mais bon, après, moi, je le mets pas dans un top 3 de l'album. Donc voilà. Après, on peut quand même être d'accord sur le fait que c'est un morceau qui a acquis un statut de standard. Oui. C'est pas le standard de Black Sabbath, même pas le standard de la période Dio. Il y a des, enfin, on va y venir. De toute façon, à cet album, il y a des morceaux qui sont plus universels. Néanmoins, Neon Knights fait partie de ces passages quasi obligés. Alors, oui. Je dis bien quasi obligés parce que du coup, au Hellfest, il l'avait pas joué. Ouais. En fait, ça a été un single. On n'a pas précisé que ça a été. C'est le premier single. Oui, le premier, oui, c'est ça. Je sais plus si c'est le seul. Il y en a eu deux autres. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'après, mis à part les moments où Ozzy revient et où du coup, il ne chante que des chansons avec Ozzy, tous les chanteurs qui succèdent à Dio, c'est-à-dire Gillan, Hughes, Martin, ont tous chanté Neon Knights en live. C'est un passage obligatoire. Passons à Children of the Sea. À votre générique. Donc on l'a dit que c'était là, voilà, et qui fait partie en effet de notre générique, et qui est donc la première chanson, nous l'avons dit, qu'ils ont composée, donc même avant l'arrivée de Dio, et Dio l'a peaufinée. Quelle chanson, hein. Quelle chanson. Quel riff de. Ouais, quelle ligne de guitare dès le départ. Et du coup, Mathieu, tu parlais du morceau de transition, entre guillemets, avec Neon Knights. Là, on a les deux pieds dans l'univers de Dio. Au niveau du texte évidemment, mais aussi voilà, ça commence par un arpège pour après aller dans le gros riff typiquement Yomi, mais avec vraiment cette signature de Dio à tous les étages quoi. Oui. Vocal notamment. Oui. Oui. Bah, en fait, justement, si on met le point sur les tropes, alors moi je trouve ça rigolo à faire. Après, j'ai peur que les gens n'entendent presque que ça. Mais il y a des petits tropes que moi je trouve délicieux quand Dio chante. D'ailleurs, c'est valable pour sa période solo également. Dio, quand il écrit des textes, il a tendance à aimer avoir des phrases d'accroche qui sont très très fortes. Mm-hmm. La très célèbre de Even and Hell, c'est The World is Full of Kings and Queens. Voilà. Qu'il a vraiment mis en avant, quand il y a une phrase comme ça qui marche bien, il y en a sur à peu près tous ses morceaux, en tout cas sur les morceaux forts, et tu remarqueras qu'à ce moment-là, il fait en sorte que la guitare se pose, que ça devienne plus down tempo, dans sa voix, t'entends presque la satisfaction du mec qui balance sa phrase, et là, sur Children of the Sea, moi c'est « We sail across the air before we learn to fly », quand il sort ça, tu sens qu'il est content de lui, quoi. Il donne tout. Et en même temps, sa technique d'écriture, c'est ça. C'est de trouver... Il n'y a pas forcément un sens global qui est plus que mythologique, que prendre une thématique et tisser autour. Par contre, tu vas avoir un sens de la formule. C'est très visuel, en effet. Tu vois tout de suite... Donc, la chanson parle finalement des hommes et de leur rapport à la nature, du fait de se croire plus fort, plus grand que la nature. Presque un thème écologiste, mais plus du côté, on va dire, mythologique de, voilà. Et donc, cette phrase va complètement bien. On sent bien le mec qui a un carnet, qui a des punchlines et qui après fait des chansons. Alford fait pareil, hein. Alford, il a dit qu'il faisait pareil. Oui, il a un carnet où il écrit des punchlines. Ce que t'as soulevé, Mathieu, c'est assez intéressant. Le moment où la guitare se baisse, c'est là aussi que tu vois, et je dissocie pas du tout. Moi, je trouve que c'est indissociable, que tu vois à quel point le résultat que ça donne quand un chanteur prend part à la composition. Oui, bien sûr. Oh, mais ça, bien sûr, c'est de toute façon, ça n'a rien à voir avec Ozzy. On est sur deux façons différentes de vivre. C'est pas une crotte de nez à Ozzy, hein. On est d'accord. Mais c'est le morceau, c'est pas tu fais une instru et après l'autre il pose sa voix comme il peut. C'est vraiment Tu sens qu'ils ont écrit ça ensemble.
Complètement. Tu sens qu'ils ont écrit ça ensemble. Co-construction. Ayomi raconte même que, Ayomi raconte même que c'est Dio qui l'a poussé, par exemple, à mettre certains solos à certains endroits de la chanson. Ouais. Et que, en fait, Ayomi n'aurait jamais eu l'idée de faire ça si, il avait eu quelqu'un d'autre en face de lui. Et que c'est vraiment Dio qui, comme il a une musicalité et qu'il a, c'est un professionnel, il sait, en fait, ce qui va marcher dans le morceau. Et il dit à son guitariste, fais ça, ça va marcher. Ayomi essaye, il fait, ah ouais, ça marche. Tu vois. Et ça, c'est vraiment une, pour moi, c'est une progression dans la carrière d'Ayomi. C'est qu'il se rend compte qu'il peut travailler avec un chanteur qui va lui donner quelque chose en échange, quoi. Et qu'il va, les lignes de chant vont être écrites pour valoriser la guitare et vice versa. Exactement. Super, bon, super morceau, hein, je l'ai dit, je vois pas quoi dire de plus. Encore une fois, je dis, moi, sur les, il y a moins à creuser, je trouve, sur les paroles, si ce n'est qu'elles sont très belles. Truc qui m'a fait rire quand même, c'est que sur l'album Long Live Rock'n'Roll de Rainbow, il y a une chanson qui s'appelle Lady of the Lake. Et que ça m'a fait rire simplement qu'il y ait Children of the Sea enchaîné avec Lady Evil et que presque c'est les deux thèmes, tu les retrouves condensés dans Lady of the Lake. Alors, c'est... pour ceux qui. Tu sens qu'il est toujours en boucle sur les mêmes trucs. Mathieu, je mets pas en doute ta connaissance à ce sujet, mais peut-être que certains des auditeurs le savent pas. Lady of the Lake de Rainbow, c'est une référence aux légendes arthuriennes. Oui. Hein, la dame du lac, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais ça c'est marrant quand même, tu vois. Mais juste oui, c'est moi, je dis ça plus pour l'anecdote, mais complètement, t'as raison. Lady Evil. Alors, c'est du coup, on voit à quel point l'album, en plus d'être, en tout cas à mon avis, et je pense au vôtre aussi, de qualité, c'est que c'est aussi un album quand même plutôt varié. Donc, oui. T'as la speedrie en premier, le mid-tempo épique derrière, et là, un truc un peu plus rock'n'roll, ouais. Un peu plus léger, en tout cas musicalement. Mm-hmm. Pour moi, Lady grosse basse, Evil, c'est un peu, plaisir. C'est un peu une sorte de... Comment dire, de nouveau Rock'n'Roll Doctor sur certains aspects. Il y a un feeling ouais. Un peu Rock'n'Roll Doctor sur Lady Evil. D'ailleurs, Lady Evil, dont la première démo s'appelait Lady Evil Blues. Quand c'est pas étonnant. Voilà, donc c'était. En fait, ça fait partie de ces morceaux que je crois Geezer, Ward et Ayomi ont jamais. Alors qu'Ozzy était encore plus ou moins dans le coin. Donc, il y a encore ce feeling, et ça, on pourra revenir là-dessus après sur la phase B. Sur Wishing Well, Walk Away, c'est que c'est des morceaux où il y a encore un peu le feeling du vieux Sabbath, période Technical Ecstasy, Never Say Die, qui est encore présent. Sur Lady Evil, je suis 100% d'accord. C'est marrant. Moi, je fais un lien, alors je pense qu'il est un peu moins évident que le tien, mais je fais un lien, moi, entre Lady Evil et Starstruck, qui est sur Rising de Rainbow. Ouais, c'est vrai. Au niveau des thématiques, un petit peu, il y a un petit groove aussi. Starstruck est plus rapide, c'est pas exactement le même type de morceau, mais je... C'est marrant, j'ai tendance à plus les associer ces deux morceaux-là. Alors, il y a quelque chose qu'il faut débunker immédiatement, c'est que non, Lady Evil ne parle pas de Sharon Osbourne. Ça ne parle pas de Sharon. Il y aura une chanson de Black Sabbath 3 ans plus tard qui parlera de Sharon Osbourne, mais ce n'est pas Lady Evil. Oui, non, c'est pas Dio qui la chante. Et c'est pas Dio qui la chante. Et puis, je suis désolé, mais la chanson dont tu parles, donc c'est Digital Beach. Ouais. Sur voilà, elle ne parle pas du tout de Ozzy Osbourne, c'est simplement de Sharon Osbourne. Simplement, il y a eu au moment de Born Again, en fait, on est en plein dans la guerre Sabbath, Dio et Ozzy. Il y a même un triumvirat presque, et Sabbath étant la personne sur tous les fronts, attaquée de toutes parts et surtout qu'elle somme en fait simplement, donc qui attaque également. Donc ils réécrivent ils font des blagues par la suite. Donc ils ont appelé Sharon la Digital Beach. Parce qu'ils avaient cette chanson, etc. Mais les paroles de Ian Gillan ne sont pas du tout orientées sur... Oui, mais il y a un lien quand même entre la chanson et Sharon Osbourne. Mais oui, enfin, ils s'amusent après à appeler Sharon la Digital Beach parce qu'ils sont rageux, en fait, simplement. Donc voilà, mais Lady Evil, non, ne parle... À ce moment-là, ils n'ont pas de raison d'en vouloir à Sharon, en fait. Bah non. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de guerre, même avec Ozzy. Ozzy, à ce moment-là, n'a pas sorti son album. Ouais. Il est en route, il a remis quelque chose en route, mais ce n'est pas un ennemi encore. C'est ça. Voilà. Donc moi je suis d'accord, tu l'as dit, un gros intro à la basse, c'est vrai que là la basse c'est vraiment plaisir. Elle est incroyable cette basse. Solo à la wah wah aussi, faut le noter parce que c'est pas tous les 4 matins que Ayomi le fait. Moi le seul truc qui me pose problème avec cette chanson, que globalement j'aime beaucoup, c'est que je trouve qu'elle s'insère mezzo dans l'enchaînement entre les deux gros mid-tempo épiques de l'album, que sont Children of the Sea et Evan Hanel. Moi, justement, je trouve que c'est pertinent dans ce sens-là, parce que t'as quand même une pause entre deux trucs assez lourdingues et en plus. Et ça permet aussi, je sais pas, je pense qu'enchaîner, comment ça s'appelle, Children of the Sea et Evan Hanel aurait été une erreur. Oui, parce que oui, spoiler, après Lady Evil, c'est Heaven and Hell, au fait, pour ceux qui ne savent pas. mais fallait un morceau up tempo, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Je pense que ça fait une cassure et ça te permet d'avoir un,
comme je disais au début, un truc un peu varié. En fait, je suis d'accord avec toi, Mathieu, sur le fait que la tracklist, en fait, pour moi, elle est parfaite. Enfin, contrairement à ce que j'ai pu dire, par exemple, tu vois, sur d'autres albums, comme Volume 4 ou sur Never Say Die, enfin, là, je trouve, moi, que la tracklist de l'album Evan and Hell, elle est parfaite, et c'est valable pour les deux faces. C'est-à-dire que cette première face avec cette alternance entre des titres, voilà, un petit peu rock'n'roll, un peu speed, et ces deux gros monolithes mélodiques et lourds que sont Children of the Sea et Evan and Hell, pour moi, la sauce fonctionne. Et sûr. Tu sens qu'ils ont pensé le truc. Il y a quelque chose quand même qui moi me fascine, c'est que Lady Evil, c'est quand même un titre qui dure 4 minutes 30. Je veux dire, c'est un titre qui a l'air comme ça, en apparence, un petit peu guiré et tout, mais c'est quand même un morceau de 4 minutes 30. On est sur des titres, il y a que Neon Knights qui est en dessous des 4 minutes. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez cohérent, je trouve, en fait. C'est ça. On remarque aussi, vu que tu parles de la chanson de la tracklist, que c'est typiquement dans la mouvance des albums de l'époque, tu vois. T'as huit morceaux, les morceaux les plus, on va dire, les plus bankable, entre guillemets, sont sur la face A. Et d'ailleurs, c'est ceux qui sont le plus retenus, en fait, parce que dans les morceaux de la face B, sans vouloir remettre en question leur qualité, de ceux qui ont été le plus retenus dans la face B, c'est surtout Da Young et les trois autres. Que Da Young, les autres sont plus anecdotiques malgré leur qualité. C'est ça. Bien sûr. C'est une tracklist vraiment 80s, par excellence, quoi. Un genre de structure qu'on peut retrouver sur des Number of the Beast, tu vois, avec un morceau un peu plus épique, un peu plus long sur la fin de chaque face. C'est pas le cas de Number of the Beast, parce que je crois que t'as un morceau un peu speed à la fin de la première face, si je me gourre pas, mais bref. Non, mais on est sur, voilà, une matrice, de toute façon. Oui. C'est ça, complètement. On va revenir après quand on fera la tournée. On va revenir sur les liens entre cet album et la New Wave of British Heavy Metal, parce qu'il y a quand même un sacré paquet. Hein. Rien que Martin Birch, ça. Martin Birch, évidemment, mais il y a aussi les groupes qui ont ouvert pour Black Sabbath sur la tournée. C'est la foire. Du coup, on en reviendra à ce moment-là. On va y revenir. Mais voilà. Mais du coup, ça nous permet, Mathieu, de. Parce que. Est-ce que ça vous dit de parler d'Even and Hell? C'est vous qui voyez. Je connais pas. Je sais pas. Ouais. Je sais pas trop. Alors, ce que c'est, ce titre. Alors, je me permets de prendre la parole. Heaven and Hell est mon morceau préféré tout court. Ah, voilà. Un top, sauf celui-là. Ben voilà. Ah, il y a toujours un top 1. Il y a toujours un top 1. D'accord. Heaven and Hell, number one. Oui, Hallowed Be Thy Name. Oui, Aerials. ce que vous voulez, ce que vous voulez d'accept. Heaven and Hell, numéro 1. Moi, je vois pas de choses à redire à ça. Non. Hein. C'est pas mon cas, mais je... Ok. Je serre la main au mec qui me dit ça. Je dis, on se dit bonjour. Moi, c'est pas mon morceau préféré de l'album. Je vais vous dire lequel après. Quoi? Moi aussi, je pense quand même. Mais j'aime beaucoup ce morceau. Et effectivement... Alors, il y a quelque chose qu'on peut dire sur Evan and Hell, le morceau, avant de passer à la description même de ce qu'il raconte, etc. C'est que à la base, c'est un morceau qui, quand Geezer, Iommi et Ward ont commencé à le travailler, c'est un morceau qui devait faire 25 minutes. C'est un morceau qu'ils avaient... C'est un morceau qui, en live, fait... C'est un morceau qu'en live, ils ont été capables de pousser jusqu'à 20 minutes. C'était plus dans le quart d'heure. À la base, il était prévu que la version studio fasse 25 minutes. Mmh. Et finalement, c'est Dio qui... Voilà, comme il a quand même le sens de la cohérence, il leur a dit, non, il faut faire un truc plus court. Et c'est lui qui, apparemment, a trouvé l'arrangement pour en faire la version finale, qui, du coup, fait presque 7 minutes. Elle fait 6 minutes 58, je crois. Ce qui est quand même le morceau le plus long de l'album. Mais c'est quand même une version... revu et rabaissé de ce que ça aurait dû être à la base, c'est-à-dire un morceau interminable qui probablement aurait dû faire une face entière. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que à l'époque du vinyle où t'as quasiment pas d'alternative à part la cassette 8 pistes et la cassette audio, faire un morceau sur une face, il y a des groupes qui ont déjà fait ça, hein. Il y a Rush qui l'a fait avec 2112 et d'autres groupes. Venom. Venom avec At War With Satan, mais c'est 3 ans après. Putain, mais oui, c'est vrai. Oui, je vois ta tête, ouais, oui, mais on est d'accord, cet album est pas bon, mais moi, il me fait rire. Ouais, ouais, c'est ça. Et pourtant, j'aime bien Venom aussi, hein, y a pas de souci. Mais ouais, c'est mon deuxième groupe préféré. Ça aurait été compliqué. C'est un problème. Quand tu vois la tenue de l'album et surtout le nombre d'idées différentes qu'ils ont pour tenir 8 morceaux. Sacrifier une face pour Heaven and Hell, bien que ce soit le meilleur morceau du monde, ça aurait été du suicide. C'est un truc que tu fais si t'es un groupe en bout de course ou installé ou machin, mais un premier album d'un renouveau machin, tu pars pas sur une face complète, évidemment. Sauf si t'es Rush, mais on n'en est pas là.
Ce riff quand même, c'est finalement, c'est pas tant que ce soit le même, mais c'est l'idée du morceau Black Sabbath et du morceau War Pigs. Mm-hmm. C'est cette idée de grand riff épique qui te construit un morceau. C'est complètement dans cette vibe là, même si ça sonne pas pareil parce que c'est les années 80. C'est un morceau, quand l'idée est venue, alors a priori l'idée traînait pas mal dans la tête de. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce morceau. Hein. mais quand il l'a joué à Dio dans la maison à Bel Air, Bill Ward se rappelle clairement, il était dans la piscine, et il est sorti. Il est sorti pour aller voir ce qui se passe en disant attends, c'est quoi ce riff, c'est qu'est-ce qui se passe, donnez-moi mes baguettes, voilà, j'enfile un pantalon, on y va quoi. Ah bah t'arrives comme ça, tu le loupes pas. Hein. C'est clair, c'est stop, on arrête, on va bosser dessus. Voilà. Je parlais d'universalité, de thèmes un peu transverses, etc. Even and Hell, c'est un monolithe, c'est un monument en la matière. C'est-à-dire qu'évidemment, le bien, le mal, le paradis, l'enfer, c'est des thèmes assez évidents. Mais alors, peu de groupes l'ont traité avec autant de justesse, finalement. Mm-hmm. Il y a des références au tarot. Il y a des références, évidemment, mon roi reine. Il y a cette phrase dont on a déjà parlé. The world full of kings and queens. Blind your eyes and steal your dreams. Exactement. Alors, it's heaven! Bon, là, on est reparti en 2007. Ah là là. Et on a tous des frissons. Ouais. Dio a dit sur le moment plusieurs choses, notamment que ça parlait du music business, que c'est une façon de dire que bah, ouais, y avait du bien, du pas bien chez les managers, je sais pas ça. Il est soit revenu, soit il a voulu y remettre une universalité par la suite, mais en tout cas, il a essayé un petit peu de dézoomer pour avoir quelque chose de plus global par la suite et grand bien lui fasse. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans l'analyse du texte plus que ça, mais plus d'être sur la sensation que ce riff rampant, que ce pont sur lequel on entend presque un bateau, finalement, bah, moi j'entends une sorte de bateau pirate qui à la dérive, encore plus en live évidemment, cette perfection, cet absolu en fait, vraiment cet absolu de composition, de paroles et de d'ambiance quoi. Non, il y a un truc qu'il faut dire absolument sur la basse dans ce morceau. Ah bah. Les grands esprits, tout ça. Alors attention, parce que il y a beaucoup de choses importantes. C'est que déjà la basse, j'en ai parlé ça dans l'épisode sur Quartz. La basse de Heaven and Hell a été composée par Jeff Nichols, et en fait c'est un repompage complet de la basse du morceau de Quartz, Menlight Riders. De 1977, donc pour rappel, qui a été produit par Iommi sur l'album, le premier album éponyme de 77. Et donc, quand Jeff Nichols est appelé par Iommi pour substituer Geezer quelques mois en attendant qu'il revienne, et ben Jeff Nichols, qu'est-ce qu'il fait pour composer la basse sur ce morceau? Il reprend une basse de Quartz et il reprend la basse de Mainline Riders. Écoutez Mainline Riders de Quartz, vous allez voir, c'est la même, c'est la même basse, mais c'est pas seulement la même basse, c'est aussi tout simplement la matrice absolu de la basse métal qu'on va retrouver, mon cher Mathieu David, après dans un groupe cher à ton cœur, Manowar. C'est une basse Manowar. C'est la basse heavy metal basique, quoi. Ah bah oui, bien sûr. Doum, tout doum, doum, tout doum, doum, tout doum, doum. Vous la retrouvez, cette basse, dans quasiment tous les morceaux de métal con, en fait, de métal basique. Vous la retrouvez dans énormément de voilà. C'est-à-dire que Heaven and Hell, au-delà de toutes les qualités qu'on lui trouve, c'est un morceau qui a eu un impact énorme sur la scène. Beaucoup de groupes ont essayé de faire leur Heaven and Hell, et une basse comme ça, qui est parfaite, mais qui est surtout évidente de simplicité apparente. Bien sûr. Forcément, ça a été repris, mais par tout le monde et sa grand-mère. Mmh. Et par une reprise d'ailleurs, Manowar du coup a repris cette basse. Bah le morceau le plus évident, c'est Warriors of the World, ouais. United. Oui, c'est la même basse. Mais ils ont aussi au moment de la mort, juste après le décès de Dio, Manowar, oui, Magic Circle, donc le label de Joey DeMaio, ouais, a sorti un album avec tous ces groupes qui reprennent un morceau chanté par Dio, et Manowar évidemment, ils reprennent Heaven and Hell. Et c'est épouvantable d'ailleurs, cette reprise est épouvantable. Mais oui, elle est intéressante, c'est un document. Ouais, elle est intéressante dans le côté nanar, oui, enfin bon bref. Enfin elle, bon, après je dis ça, je précise qu'il y a quelques morceaux de Manowar que j'aime bien, hein, mais nous sommes très désolés que vous soyez faits pour souffrir, hein, bref. C'est très sûr que Heaven and Hell va sortir. Très sûr que Heaven and Hell va sortir, mais voilà, donc en fait ce qu'on peut dire pour aller vite, c'est que la basse, alors qui du coup n'a pas été composée par Geezer Butler, mm-hmm, mais
c'est Jeff Nichols qui a apporté ça, et moi je trouve ça incroyable. Voilà, Jeff Nichols, c'est quelqu'un qui a été souvent dont le rôle a été souvent minoré, mis dans l'ombre d'Ayomi, etc. En fait, il est pas crédité dans l'album. Il est crédité. Tu regardes derrière, All Keyboards played by Jeff Nichols. All Keyboards, oui, pardon, voilà. Effectivement. Et puis voilà. Puis après, bon bah, quand on connaît l'histoire, Ayomi reconnaît lui-même la contribution de Jeff Nichols. Même Geezer Butler, quand Jeff Nichols est mort, il a dit. Jeff Nichols a apporté énormément au groupe. Enfin bref, ils le savent tous, quoi. Évidemment. Mais en fait, Jeff Nichols a créé cette basse, en fait. Et moi, Jeff Nichols et les mecs de Quartz dans quelques années avant. Mais du coup, voilà, moi je trouve ça très important à rappeler, quoi, que c'est que ça vient pas de nulle part, en fait, tout ça. C'est que il y a d'autres personnes que les membres qu'on voit sur la pochette qui ont apporté à cet album et qui ont fait que cet album est devenu une pierre fondatrice du heavy metal. Tout à fait d'accord. Et du coup, est-ce qu'on touche un mot sur les différentes versions live de ce morceau ou ce sera pour après ? On peut. Parce que mine de rien, en live, c'était quand même. Vas-y, on peut le faire maintenant. Vas-y. C'était aussi un monument. C'est-à-dire que du coup, bah, on a cette version de presque 7 minutes avec l'arpège acoustique à la fin qui, je pense, n'a jamais été reproduit en live. Mais arrêtez-moi si je me trompe. Non, oui, ils l'ont pas fait. Oui, en live, ils le font. La conclusion, elle est. Ça se prête pas au live de toute façon. Mais voilà, donc faut le savoir. En fait, c'est un morceau qui est du coup étendu au possible. En général, du coup, ça tirait vers le quart d'heure. En gros, les versions live classiques, ça tire vers le quart d'heure, celles que vous trouvez dans Radio City Hall de 2007, celles qu'il y avait dans la tournée Devil You Know de 2009, et même les versions, par exemple, que jouait Dio en solo, pareil, parce que du coup, il les étirait notamment en faisant un énorme speech au milieu qui, du coup, fait une petite annexe au texte, donc du coup, qui tire plus vers la référence biblique, avec l'agneau, tout ça. Oui, ça veut dire quelque chose. Non, j'allais confirmer ce que tu disais. Parce que, très bien. Mais effectivement, il y a eu des mises en scène assez complexes. Par exemple, je crois que dès les années 80, déjà, ils le faisaient. On aura l'occasion d'y revenir quand on parlera de Live Evolve, en bref, de toutes ces choses. Live Evolve, la version, elle est incroyable. On ne vous cache pas qu'on fera un épisode live série sur Live Evolve, tellement il y a de choses à dire dedans. Mais en fait, voilà, enfin, en live, ce qui se passait, c'est que donc, il introduisait la partie Heaven où t'avais une lumière qui descendait du haut du plafond, où du coup, il levait la tête comme ça, où il avait l'air d'un ange en fait, comme ceux qu'on voit sur la pochette. Et ensuite, quand il parlait de And Hell, il y avait une lumière rouge qui surgissait du bas de la scène et où Dio faisait les cornes du diable comme ça. Et où, voilà, c'était mis en scène ça. Et ça, c'était, il y avait vraiment une recherche dans la mise en scène sur ce titre. Black Sabbath devient un groupe de heavy théâtral à ce moment-là. Donc on est loin de la bouffonnerie de Ozzy, quoi. On est déjà dans quelque chose de plus recherché. Ah, encore une fois, c'est une vision complètement différente, hein, comme vous l'avez dit au début de l'épisode, quand on a commencé à parler de l'album, c'est vraiment un groupe qui est transformé et qui a une autre vision et qui, je pense, avec Dio, a les moyens de ses ambitions. Mmh. Les moyens techniques. Oui, c'est ça. Complètement. Alors, ça nous permet doucement mais sûrement de passer à la phase B. Oui, allez, on tourne le disque. Donc, bonne face A ou pas ? Je suis pas. Non, suis pas mais clair. C'est ce que j'allais dire. Elle est correcte. Tu te prends ça dans la gueule dès la phase A, je pense que ça va. T'es un ado ou un jeune adulte en 1980. T'as bien dépensé tes. Je sais pas combien ça coûtait un disque à l'époque. T'as bien dépensé tes 50 balles, on va dire, je sais pas. Ouais. Je m'en rends pas compte. Hein. Ouais, faudrait voir. Je sais pas combien ça coûtait. Ça coûtait cher. En livre sterling, ouais, ça devait coûter. Quelque chose comme 10 livres, un truc comme ça. Enfin... Ça devait être 10 livres sterling, mais qui, par rapport à ton salaire, devait être... Ouais. Oui, c'est ça. Donc, ça devait être un peu plus de 50 balles en France, quoi. Mmh. Mais pareil, l'argent n'a pas la même valeur. C'est ça. La phase B commence avec Wishing Well. Mmh. Truc intéressant avec cette chanson, presque très drôle. Cette chanson, elle parle un peu d'arc-en-ciel. Et ça avait été sujet de tension à Yomi et Dio. C'est la seule embrouille qu'ils aient eue. Il lui a dit, tu vas te détendre avec tes arc-en-ciel. Tu vas arrêter d'en foutre partout. Je te passe celui-là, mais je t'en passe pas d'autres. Et donc, Wishing Well, c'est sur une fontaine à vœux, finalement. Donc, côté bonne fortune, en jetant une pièce dans une fontaine à souhait.
Et évidemment, il en sort un arc-en-ciel et compagnie. Alors, il y a quelque chose qu'il y a à dire sur Wishing Well. Alors, effectivement, Wishing Well avec avec Walk Away et alors peut-être Lonely is the World, même si Lonely is the World, ils l'ont ressorti lors du live à New York de 2007 là dont on parlait. Donc, c'est pas une chanson qui a été trop oubliée. Mais par contre, effectivement, Wishing Well et Walk Away, ça fait partie des deux titres en fait de cet album qui ont été un peu oubliés par la suite, qui ont pas été rejoués, qui ont pas vraiment survécu. Et pourquoi? Dites-le. Pourquoi? Non, ils sont c'est pas faibles. Non, ils sont non, pas... mais c'est non, mais par mais contre, c'est plus faible. Bon. Alors, c'est plus faible des Beats. Pour moi, je te dis, ça fait partie de ces trois moments dans l'album, Lady Evil, Wishing Well et Walk Away, où en fait, tu sens encore le Sabbath fin 70s. Tu sens le, c'est des titres que Ozzy aurait pu chanter, pas avec la même ligne vocale, mais disons qu'il aurait pu en faire quelque chose. Ça sonne moins Dio que le reste. Mais Wishing Well, ce qui est rigolo, c'est que Ayomi raconte. Alors ça, je l'ai pas lu dans sa bio, je l'ai lu dans le livret de la Deluxe de 2010, dont il va falloir qu'on parle. Où en fait, Ayomi raconte que c'était les, c'est, donc c'est un morceau qu'ils ont écrit quand ils étaient au Criteria et ils allaient en boîte, voilà, à Miami, et en fait, ils s'étaient arrangés avec le DJ de la boîte pour passer des démos. Sur la piste de danse pour voir comment le public réagissait. Et apparemment, d'après ce que Ayomi raconte, les meufs sur la piste de danse adoraient Wishing Well. Donc ils se sont dit « Ah, ce morceau marche !» Par contre, les filles aimaient moins Dayang, parce que Dayang était un petit peu plus brutal. Tu m'étonnes qu'en soirée, Wishing Well passe mieux qu'une version de 25 minutes de Heaven and Hell. Eh bien, apparemment, ils ont passé Heaven and Hell aussi, et les gens sur la piste aimaient bien. Donc, bon, mais c'est rigolo de se dire qu'ils ont testé cette chanson en boîte de nuit, quoi. Donc, ouais, Wishing Well, pas, personnellement, le morceau qui m'a le moins marqué de l'album, pas qu'il soit mauvais en soi, mais... enfin, voilà, ça passe à vrai... Surtout que, bon, quand tu as l'air du CD, t'as ça après Heaven and Hell. Effectivement, il te faut un... C'est le morceau de Cool Off. C'est un morceau Ozzy, enfin, voilà, qui fait penser à une à du Ozzy compatible. À du, de la période Ozzy, quoi. Ouais, alors, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis ça. Je partage pas, je vois où tu veux en venir, mais je partage pas forcément l'avis dans le sens où, moi, je trouve que techniquement, je sais très bien que tu dis que vocalement, elle ne chanterait pas pareil. Mais techniquement, et donc sa construction va avec, je vois pas comment Ozzy pourrait, pourrait se poser. Il y a un, il y a un truc. Mais je vois quand même ce que tu dis. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que, en fait, ça, ça a été révélé, donc ça, on en parle dans l'épisode sur Quartz, c'est qu'il y a des titres, en fait, qui avaient été composés pendant cette période-là, qui n'ont pas fini sur la version définitive de l'album, notamment il y a Slapback, qui est un morceau qui a été révélé seulement il y a 2-3 ans, quand le fils adoptif de Jeff Nichols a révélé de façon interdite, parce qu'il n'avait pas le droit de le faire, des démos de la période Heaven and Hell. Donc, en fait, il y avait des morceaux comme ça qui ont pas survécu. Et alors, certains, en fait, ont été des versions embryonnaires de ce qui est devenu ensuite Walk Away, ce qui est devenu ensuite Lady Evil. Mais notamment, il y avait Slapback. Et en fait, Slapback, c'était un titre qui, justement, ressemblait encore beaucoup à ce que Black Sabbath faisait sur la période Never Say Die. Et moi, je pense que dans certains titres comme Walk Away ou Wishing Well, on voit encore ces vieilles habitudes d'Ayomi qui ont survécu. Alors, évidemment, qui ont été beaucoup transformées par Dio, parce qu'il a apporté des choses. Il a notamment dit à Ayomi, là, tu vas me mettre un solo. Là, moi, je vais chanter une mélodie vocale et tout. Oui, ça a été beaucoup transformé, donc ça n'est plus le même groupe, mais tu sens encore ces vieilles habitudes un peu ayomiennes de, tu vois, de balancer du riff un peu bluesy. Sauf que voilà, Dio apporte autre chose, quoi. Donc ça, effectivement, on peut débattre, savoir où se situe l'ancien et le moderne dans l'histoire. Ouais. Par contre, on va avoir pas mal de choses à dire sur Dai Young. Ah. Parce que Dai Young, déjà, on l'a dit, c'est un titre de Craig Grober, qui était donc composé pour Rainbow, période Long Live Rock'n'Roll à la base, même s'il a été quand même vraiment transformé, enfin vraiment repris par Ayomi, et forcément et évidemment, parce que passé le fait que ça vient pas de lui, c'est un morceau ayomien 100%. Donc voilà. Cette chanson, textuellement, c'est profiter de la vie parce qu'on meurt tous, et on meurt jeune, merci Ronnie. Ceci étant dit, vocalement, ce qu'il propose sur ce titre, c'est de l'ordre du sublime. Et le pont, le pont, tout. Enfin, c'est un morceau qui est, ouais, moi, c'est un morceau que j'adore. Je sais pas quoi dire. Il y a de la nuance. C'est dingue, en fait, à quel point ça, tu sais, c'est un morceau qui passe une grande partie de son spectre vocal, en fait. Oui. Tu vois, déjà, beaucoup de gens oublient que Dio, quand même, il pouvait monter. Beaucoup de gens se souviennent de sa voix grave, de ses interprétations, tout ça. Le couplet de Dai Young, au début, là, faut le sortir. Faut le gérer, ouais. Il montait vachement haut. Et en même temps, il arrive à mêler, du coup, cette espèce
d'envolée presque cristalline, avec des parties qui dans le même morceau sont vachement agressives. C'est non, c'est non, mais qu'est-ce que tu veux faire quand t'as un déjà, morceau comme déjà, ça c'est... Déjà avant toute chose, cette intro, cette guitare, ce clavier de Jeff Nichols, enfin, moi c'est mon morceau préféré de l'album. C'est le morceau, je vous garantis, ce morceau fait du bien. Parce que il y a ce tu vois, enfin effectivement le morceau s'appelle Die Young. Alors du coup il y a eu quelques polémiques de savoir, tu vois, est-ce que c'était pas un truc, un appel au suicide, ce genre de choses. Enfin il y a eu des polémiques sur ce morceau. On pourrait en débattre de savoir. Bon, Dio il a toujours dit mais non, c'est un morceau au contraire, c'est un morceau. Il suffit de lire le texte. Hein. Voilà, enfin c'est un morceau feel good en fait. Et c'est ça que moi je veux mettre en avant, c'est que ce feel good, tu te détends, mais si parce que ce morceau parle de choses sensibles, tu vois. Et en fait, c'est un morceau qui, je vous garantis, fait du bien quand vous l'écoutez, que vous n'êtes pas bien. Ça fait partie. C'est un morceau d'empowerment. C'est un morceau qui te dit, force à toi, il faut vaincre. Exactement, tu vois. Enfin, c'est un truc, on en a beaucoup parlé, et je pense que notre amie Charlène, que tu as invité dans ton émission en solo, pourrait en parler aussi. C'est qu'il y a, dans le métal, il y a souvent ça, il y a ce côté empowerment. C'est-à-dire que c'est une musique qui te fait du bien et qui te fait te dire, tu peux être quelqu'un de plus fort que tu es, que tu n'es maintenant. Et pour moi, Die Young, c'est ce genre de morceau, d'archétype du morceau métal qui te pousse vers l'avant, en fait. Et voilà. Et ça commence dès le début, dès cette intro qui, voilà, où il y a, alors certes, il y a des ruptures, le morceau, il a une progression, etc. Mais tout te conduit à ça. Tout te conduit à tu sors de cette chanson, tu te dis, le monde, c'est pas si noir que ça. Et je parle d'expérience. En revanche, je parle vraiment. Ce que je dis, c'est je parle d'expérience. En revanche, bon, moi, c'est une reprise que j'aime bien, mais peut-être qu'elle va vous déprimer. Sachez qu'au peu après la mort de Dio, Rob Flynn de Machinette a repris ce morceau en mode guitare-voix. Oui, et alors. Mais elle est pas mal. Elle est pas mal, en vrai. Il la reprend vraiment en hommage avec émotion, mais elle est plutôt très dépouillée. Et ben, vous savez quoi, vous m'avez donné envie de l'écouter alors que je déteste Rob Flynn et j'aime pas du tout Machinette. Et en vrai, on peut. Alors moi j'aime beaucoup Machinette. Beaucoup de gens se sont plaints, notamment à la période Blackening, du chant clair de Rob Flynn, qui effectivement est pas toujours tip top, même si Blackening est quand même un album de cœur en ce qui me concerne. Là, en vrai, il la gère et il y a de la sincérité. Non, mais rien à dire. Mais pardon, enfin je veux pas. Die Young se limite pas à ça, évidemment. Et c'est aussi un morceau qui, interprété en live, était aussi incroyable. Enfin, c'est un morceau, c'est le genre. Il y en a toujours sur les albums un peu de heavy metal, dès que c'est un peu travaillé. Des morceaux où tu dis, ok, ça défonce, mais ça en live, jamais de la vie, il y arrive. Il y a toujours, quand t'écoutes un groupe, il y a toujours un moment où tu dis ça. Et en live, bah, après c'est Dio, quoi. Ah, oui. Donc il master le truc. Mais sur le Die Young, faut le tenir, hein. Et ouais, il est au top, il est au top jusqu'à la fin. Au top, ouais, quasiment 30 ans après, la fameuse intro du Radio City Hall où il dit « On espère que vous vivrez un peu plus longtemps ». Tu sais que malheureusement, 3 ans après, il était plus là, c'est un petit goût amer. Mais je veux dire, quand t'entends ça de son vivant, c'est... Ah oui, non mais c'est incroyable. D'ailleurs, quoi. C'est fort. C'est fort et ça aide pas Walk Away à sortir du lot, forcément. La chanson suivante, qui est un super riff. Et un petit refrain quand même. Et un petit refrain. Je trouve que ça ressemble à du Elf. Oui. Tu vois, tu disais, toi, voilà. Moi, je trouve qu'on est pas loin d'un truc qui ressemble à du Elf. Pas du Rainbow, plus ce qu'il faut dire, c'est que la chanson, apparemment, a été inspirée par Wendy Dio. Ça, d'accord. Oui, si. Apparemment, elle a été inspirée par Wendy Dio, c'est-à-dire que. En fait, ça c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez décevant quand tu regardes ça. C'est dans le livret de la Deluxe que j'ai lu ça. Dio revient sur qu'est-ce qui l'a inspiré pour écrire les textes. Et en fait, mis à part évidemment des titres emblématiques comme Heaven and Hell ou tu vois ou là où il y a vraiment une théma, enfin tu sens qu'il voulait raconter quelque chose. Il y a d'autres titres comme ça où finalement ça raconte pas grand-chose de particulier en fait, où c'est un peu des trucs où c'est un peu de l'écriture automatique et au final ça venait de choses assez anecdotiques quoi. Donc Walk Away, apparemment ça lui a été inspiré par sa femme quoi. Donc
sans plus. Le quotidien, ça fait aussi partie de l'histoire, mine de rien. Et Dio, au-delà du sens qu'il peut donner lui à ses textes, c'est quelqu'un qui est très fort dans l'évocation. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on a plus ou moins dit en filigrane tout le long de l'album. Mais un texte comme... Alors, je reviens à Heaven and Hell, qui est évidemment un texte supérieur à celui de Walk Away. Mais tu vois, le côté universel, ça vient aussi du côté un peu vague et du fait que tu peux t'imaginer des trucs. Et du coup, Walk Away, oui, forcément, tu vas être déçu si tu sais... C'est d'où ça vient. Mine de rien, est-ce qu'on a vraiment besoin... je pense pas que le fait de savoir d'où ça vient minore la qualité du morceau, dans le sens où tu peux lui donner des sens. Mmh. Et je pense que Dio, quand il fait Heaven and Hell, il a déjà de l'expérience, il est conscient de ce genre de choses-là. Oui. Mmh. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et sur son écriture automatique, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est plus attaché au fait de trouver des mots qui vont sonner ensemble et qui vont installer une ambiance qu'au fait de dérouler un récit. Il dit, j'ai un univers et on va voyager dedans sans forcément qu'il y ait un but précis au voyage. C'est ce qu'on va retrouver beaucoup dans le heavy metal. Alors, je suis désolé, mais tout le heavy metal fait ça, finalement. C'est encore une fois pas loin d'être matriciel. Mais même si moi, je suis très attaché au texte de Dio, je pense quand même que Dio est un musicien avant d'être un parolier. Oui. Je suis d'accord. Et ses textes servent la musique avant tout. Je vais même être un peu plus cassant. Je pense que ce n'est pas le meilleur parolier qui soit dans le heavy metal. C'est-à-dire que il a écrit des textes qui sont emblématiques et certains m'ont touché très fortement, comme Die Young ou Heaven and Hell ou des choses comme ça. Mais je trouve que voilà, il y a des moments où il reste un peu trop à la surface des choses. C'est-à-dire que par exemple, vocalement, je trouve que Dio, par exemple, est meilleur que Dickinson. Autant je trouve par exemple que Dickinson est un meilleur parolier que Dio. Ouais, mais tu vois, Dickinson, c'est un autre style. C'est-à-dire qu'il va te balancer toutes les infos, presque Wikipédia, sur un fait précis. Ce qui fait qu'il va chanter très vite, parce qu'il va falloir donner beaucoup d'infos. Moi qui suis pas très friand de Maiden, entre les deux, je suis désolé. Qui s'assoit à la table de Children of the Sea, Even and Hell? Cite-moi un mec qui a fait deux chansons, qui ont cette force évocatrice et cette perfection dans les mots, à la virgule, à l'intonation près. Va falloir qu'on y passe un bout de la nuit. Alford en a fait. T'as quand même, on reste sur Maiden, t'as quand même Hallowed Be Thy Name. Bon, Hallowed Be Thy Name, c'est pas Dickinson, c'est Harris qui a écrit le texte, hein, mais mine de rien. Non, mais on peut en trouver, mais c'est pas tous les quatre matins. Non, mais. Et si on est sur la puissance évocatrice des textes, Judas Priest, il y a Joe Breaker, on peut s'asseoir 5 minutes sur d'où ça vient. Donc, on a le droit de se détendre. Non, mais ça reste leur meilleur morceau. Sur Painkiller, t'as quand même, tu vois, Touch of Evil, tu vois, ce genre de choses où. Me vends pas de Judas Priest. Non mais voilà, moi je pense que même, on a fait une émission ensemble, Mathieu, sur Judas Priest. Pour moi, il y a des morceaux de Judas qui sont meilleurs d'un point de vue parole que ce que fait Dio. Mais encore une fois, je chipote parce que pour moi, Heaven and Hell est le meilleur. Et puis c'est deux façons d'écrire. Ouais. Exactement, c'est pas le même but. Mais oui. Et voilà. Parce que sur le côté universalité des choses, moi je trouve que Children of the Sea et Heaven and Hell, je vais reprendre ces deux-là, sont des textes à couper le souffle. Oui, mais bien sûr, mais oui. Je dis pas mais là, on chipote sur des queues de cerises. Je veux dire, pour moi, c'est le meilleur album de heavy metal de tous les temps, Heaven and Hell. Donc. Et pour en revenir à Wishing Well, quant à cette matière musicale, c'est pas là que tu vas sortir tes paroles les plus épiques. Ce serait un petit peu gâché. Ouais, bien que j'aime bien Wishing Well. Tu reviens à Walk Away, reviens pas à Wishing Well si on va jamais s'en sortir. Mais à coup, pas Walk Away, désolé. Mais ça marche pour Wishing Well aussi, d'ailleurs. Oui. Ces deux titres, depuis tout à l'heure, mets dans le même panier, en fait. Ils sont liés. Moi aussi, mais c'est quand même le panier en queue de peloton. Mais en queue de peloton d'un album qui est tellement bon. Exactement. Que, voilà. C'est que ça te fait relativiser. Il y a beaucoup de groupes qui aimeraient bien avoir ça en lead single. Hein. On est d'accord. On est d'accord. Coucou Manowar. Un groupe à qui ça ferait du bien. Mais après on... Ah, je pense que ces deux morceaux dans la disco de Manowar, ils font top 15. Peut-être pas top 5. Peut-être pas top 5, ils font top 15. Non, on va se détendre. Non, Manowar, tu peux faire un best-of d'énorme qualité. Soyons sérieux. Allez, là c'est pas Trolling the Sky. Je sais que Manowar est largement en dessous de Black Sabbath à tout point de vue. Non mais bon, peut-être pas Forbidden encore, mais non mais on va puisqu'on est dans le ça vous en avez déjà parlé dans votre Trolling the Sky sur Manowar, mais on ne peut pas ne pas parler de Manowar quand on parle d'Heaven and Hell, parce que on va en reparler plus tard. Surtout Heaven and Hell, là voilà, c'est vraiment, sans Heaven and Hell, il n'y aurait pas Manowar, donc t'imagines. Bien sûr. Et Manowar, ça vient plus bas. Pour l'instant, Walk Away a fait demi-tour et est parti, et passons à Lonely is the World, la chanson qui ferme l'album. Et pareil, citez-moi une chanson
plus à propos pour fermer un album. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est fort, c'est une balade qui est pas tant une balade que ça. C'est de manière évidente, c'est une balade méta. Enfin, c'est pareil. C'est un morceau extrêmement fort, en fait, mais qui est suggéré, qui est dans la nuance. Oui. Alors, et mine de rien, dans le métal, on sait que la nuance, c'est quelque chose qui manque. Moi, c'est pas la qualité principale des métalleux. J'ai une théorie personnelle sur Lonely the World. Alors, je vais pas encore redire ce que je risque de dire dans le prochain épisode sur Over and Over, qui est un morceau pour lequel j'ai une anecdote particulière à raconter. Je pense même que j'ai déjà dû la raconter dans un précédent épisode, je ne sais plus, à vérifier, mais il y avait beaucoup de morceaux comme ça qui ont une résonance particulière dans des périodes où je les ai écoutés. Mais alors, Lonely is the War, moi, j'ai surtout une théorie sur le rôle qu'elle a dans l'intégration de Dio dans Black Sabbath. C'est-à-dire que, en fait, Lonely is the World, quand tu regardes un peu les paroles, quand tu regardes de quoi ça parle de, voilà, ça parle de solitude, ça parle de, bon, il y a un côté, c'est une chanson, il y a des figures de style sur la dépression, tu vois, et, comment dire, ça fait écho, bien évidemment, à solitude, ça fait écho à des choses qu'on a pu voir, Attends, quand tu dis solitude, de Condemned? Ah non, solitude de Black Sabbath, sur Master of Reality. Ah, de Black Sabbath, pardon. Oui, en fait, pardon. Ça fait écho à certains thèmes qui ont été développés par Black Sabbath déjà depuis 10 ans. Et quand tu sais que c'est Dio qui les a écrits, tu te dis, bah en fait, Lonely is the World, pour moi, c'est un morceau qui est très doom, je trouve, très doom épique dans certains aspects. Je trouve qu'en fait, c'est Dio qui a compris Black Sabbath. C'est-à-dire que on arrive à la fin de l'album, on te file ce morceau-là après plein de morceaux où tu sens quand même la période Rainbow qui ressurgit un peu dans le côté Sword and Sorcery, machin. Et Lonely is the World, c'est Black Sabbath qui te balance, voilà, on a un nouveau chanteur et il a compris Black Sabbath. Et en fait, c'est pour moi le morceau le plus sabbatien de l'album dans les thématiques et dans le... Plus qu'Even and Hell? Ouais, parce qu'il y a quand même il y a ces relents, tu vois, de côté un peu dépressif, un peu nostalgique, okay. Tu vois. Je te suis pas, mais c'est ton... Bah, c'est une théorie, après c'est pas la vérité. Hein. Ouais. C'est une théorie. Non, mais c'est... Bien sûr. Moi, alors encore une fois, je pense que c'est le troisième texte qui me fascine dans l'album. Donc je parlais du sens de la formule, enfin tu vois, it's a long way to nowhere and I'm leaving very soon, enfin il y a des trucs... Mm. Bref, et si tu prends le texte et musicalement... Tu vas avoir le backside of the moon. Tu vas avoir Higher than Stardust, des trucs qui vont faire écho à potentiellement des groupes qu'on constellait autour de Black Sabbath ou de la musique populaire anglaise. Et il y a cette montée de cordes à la fin qui est pompée à Stairway to Heaven, tout simplement. C'est les mêmes. Je sens moi une vibration quand j'écoute, encore une fois, c'est mon interprétation, mais la vibration que je sens à l'écoute de Lonely is the World, c'est presque une sorte de synthèse extrêmement mélancolique, tu l'as dit là, complètement, d'une période, d'un rock anglais, peut-être des 70s qui rentrent dans les 80s, tu vois, quelque chose comme ça, et je la trouve d'une puissance évocatrice folle. Folle, cette chanson. Et donc, elle est sur le live, tu parlais de 2007, et j'en ai été ravi quand je m'en suis rendu compte parce que c'est pas une chanson qui a été jouée non plus un milliard de fois, c'est une chanson qui est particulière, et c'est une chanson qui, pour clôturer un cycle, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elle est jouée avant les rappels, c'est fort, c'est dingue, enfin voilà, c'est mon troisième gros morceau quoi, de l'album. Ouais, ils l'ont ressorti, en fait, je crois que en 2007, quand ils ont fait le live à New York, ça faisait 27 ans qu'ils l'avaient pas joué, et je crois qu'ils l'avaient jamais joué en tournée, donc ça faisait partie de tous ces titres qu'ils ont ressortis de l'oubli, vu que quand ils ont repris Dio en 2007, en fait, ils ont fait une setlist full Dio, ce qu'ils n'avaient jamais fait avant. Effectivement, ils ont ressorti ça. Et ouais, quand moi, je crois que j'ai écouté la première fois, c'est pour ça que tu as eu raison d'encourager les gens à écouter le Live from Radio City Musical de 2007, c'est que, en fait... Pour moi, c'est une porte d'entrée magique. Ah ouais, clairement. Hein. Et effectivement, moi, j'ai découvert cette chanson en écoutant cette version sur ce live, et... Limite, comme beaucoup de titres d'ailleurs de ce live, limite quand t'écoutes la version studio, c'est limite décevant quoi, parce que il y a le son est moins brut, c'est joué un ton dessus. Mais oui. Mais décevant, le mot est fort, mais je vois l'idée. C'est-à-dire qu'il est mine de rien, tu pouvais pas la jouer autrement dans le contexte de l'album, tu vois. Oui. Mmh. Effectivement. C'est-à-dire que forcément, à l'approche de la scène, de toute façon, quand tu transposes ce morceau vers la scène, t'es obligé de le réadapter mine de rien, parce qu'il faut quand même la. Et ils l'ont fait de la plus belle des manières, évidemment. Et je pense que personne ne l'aurait mieux réadapté
que sur ce live à Radio City Hall. Bah, déjà, ils l'ont adapté. Et je rejoins évidemment Mathieu et Gabriel. Ça a moi-même été le premier album de Black Sabbath avec Dio que j'ai possédé. Donc, en termes de porte d'entrée, ça se pose là. Wow. Et c'est bah non mais après ça veut pas dire que je connaissais pas les morceaux d'avant mais non non mais bien sûr moi je suis de la période Casa tu vois c'est tu télécharges les morceaux oui, bien sûr. Non mais je veux dire c'est l'immersion si tu fais une vraie immersion dans un album de cette période là et que c'est le live de 2007 bah, voilà ça c'est forcément ça marque ta vie voilà, c'est sûr et quel meilleur morceau pour finir cet album hein Heaven and Hell est mon morceau préféré ever mais pour finir un tel album il fallait Lonely as the World et rien d'autre. Ouais. Je pense que des trois qu'on a vraiment poussé en avant, c'est sûrement la moins connue. Et j'encourage vraiment les gens à se pencher sur le texte, sur la mélodie, sur la version live, sur ces cordes qui sont celles de Stairway to Heaven. Et c'est pas un hasard, je pense. Ça fait partie des nombreuses questions que j'aurais à poser aux membres de Black Sabbath si je les croisais. J'arrive toujours, tu sais, de pousser la porte du Monoprix et puis de tomber sur Ayomi qui, au rayon jouet, en train de chercher un Trésor X. Et de lui dire, tu bouges pas, j'ai deux, trois questions, de sortir mon téléphone. Et outre les jams Black Zeppelin, je voudrais lui poser la question de pourquoi vous avez repris les cordes de Stairway to Heaven, c'est l'idée de qui, c'est un clin d'œil pourquoi, et pourquoi ce morceau me semble évoquer en fait la musique rock anglaise sur une décennie quoi. Passons à la pochette les amis, je crois qu'il y a quand même quelques trucs à dire sur la pochette. Ouais. Pour parler de la pochette, il faut parler de Sandy Perlman, donc petit retour en arrière, on a parlé de Don Arden qui s'en allait, qui se faisait remercier par le groupe. Il y a à ce moment-là un manager en vue, parce que ça fait partie aussi des managers qui savent d'ailleurs se faire voir, c'est Sandy Perlman qui est manager notamment et principalement de Blue Oyster Cult. Ouais. Et qui, à ce moment-là, propose à Black Sabbath de rejoindre son écurie avec immédiatement dans l'idée, il avait la big picture de du Black and Blue Tour. Donc, de faire tourner les deux ensemble, sachant que, pour rappel, pour faire très rapide, parce que Blue Oyster Cult est plus que ça au final, mais Blue Oyster Cult a été marketé par sa maison de disques comme la réponse américaine à Black Sabbath, ce qui était pas une bonne réponse, c'est-à-dire que c'était pas le but du groupe, mais c'est ce qu'on a essayé de faire passer. Donc en fait, il y avait un sens à l'histoire de mettre les deux ensemble. Une tournée d'ailleurs où il y aura plus de groupes que ça, on en reparlera plus tard, mais une tournée assez folle. Tournée qu'on aimerait beaucoup avoir aujourd'hui. Oui. Même de, c'est pas peu, bon bref, c'est compliqué sur plein de points d'ailleurs. Donc ce bon Sandy Perlman avait repéré un artiste new-yorkais à l'époque, mais qui est depuis a déménagé à Los Angeles, qui s'appelle Lynn Curley, qui est l'artiste pour qui il avait acheté un tableau d'un prestigitateur qui montrait un certain nombre de cartes pour l'album Agent of Fortune de Blue Oyster Cult. Oui. Ah bah, avec Freddie Mercury dessus. Eh ben, Lynn Curley, donc c'est un peintre illustrateur américain. Qui du coup tu l'as rappelé effectivement il est connu d'abord et avant tout pour avoir fait la pochette de Agents of Fortune en 1976 et il est connu aussi pour avoir fait la pochette de Heaven and Hell et c'est tout et alors ça peut apparaître un petit peu bizarre comme ça dans la mesure où ces deux pochettes sont devenues des pochettes iconiques de l'histoire du metal et du hard rock. En fait Lynn Curley ça a toujours été un peintre et un illustrateur de livres pour enfants et principalement, c'est-à-dire que il a fait majoritairement ça, son œuvre en tant que artiste, c'est ça. Il a jamais souhaité faire autre chose, il a jamais eu pour ambition de devenir un illustrateur de pochettes de hard rock ou autre. En fait, quand Sandy Perlman lui achète le tableau qui a fini sur la pochette d'Agents of Fortune en 76, c'est purement un hasard et en fait ça continue comme ça, c'est-à-dire que il a comme ça, alors il a un site internet Lynn Curley qui est toujours en ligne encore aujourd'hui et il a répondu à pas mal d'interviews dont notamment une interview que on vous mettra si vous voulez en description de la vidéo, qu'il a été interviewé dans les années 2000 ou 2010 par Joe Ziegler qui tient le site là dont on a souvent parlé, blacksabbath.com. Donc il y a une interview de Lynn Curley par Joe Ziegler et clairement Lynn Curley s'en fout complètement. C'est-à-dire qu'il dit j'ai fait cette pochette, c'était vachement bien mais en fait ça m'intéresse pas plus que ça quoi. Enfin bon, et en fait on sent clairement un type qui a pas du tout cherché à devenir un illustrateur de pochettes métal, qui s'est retrouvé par accident. Donc effectivement le fait que Black Sabbath lui a commandé une pochette, en fait, c'est purement un hasard. C'est que, en fait, il avait déjà fait ce tableau. Petite précision, Black Sabbath ne lui a pas commandé de pochette, et ce n'est pas une pochette, c'est un tableau. C'est un tableau, effectivement, c'est ce que j'allais dire. C'est pas pour rien que, si vous regardez bien, la pochette est coupée.
Oui. Donc un bout d'aile, il existe en réalité, c'est juste qu'ils ont recadré un tableau. En fait, c'était un tableau qui s'appelait Smoking Angels, qui est basé sur une photographie qu'on connaissait déjà et qu'on va vous montrer là sur la vidéo, qui est une photographie qui existait précédemment, où on voit des gens au sortir d'une fête de village qui sont déguisés en anges et qui sont en fait en train d'attendre la suite des trucs et qui sont en train de fumer leur clope. C'était une fête de Noël en fait. Ouais. On n'arrive pas à savoir exactement ni où ni quand. C'est une fête de Noël et donc ce sont les jeunes femmes qui jouent les anges de la le tableau de la nativité qui fument une clope avant de reprendre le spectacle. C'est ça. Et du coup, bah en fait, Lynn Curley, il a fait une série comme ça de peintures sur alors il le dit dans l'interview, il dit sur le thème du masque et des gens déguisés. Donc il a peint comme ça une série de tableaux figuratifs où on voit des personnages déguisés. Bon, et il s'est inspiré de cette fameuse photographie pour peindre un tableau où tu vois trois anges en train de fumer des clopes. Et bon, alors du coup, c'est là où Lynn Curley, tu sens qu'il est un petit peu blasé, un petit peu, il s'en fiche un peu. Il dit quand même, ça m'a marqué quand j'ai lu l'interview. Il dit, en 76, quand mon tableau du magicien a été choisi par Blue Oyster Cult pour être leur pochette, les membres de Blue Oyster Cult sont venus me voir et sont venus à une de mes expos où je crois sont venus dans mon atelier et on a sympathisé. Black Sabbath, ça s'est fait par téléphone. Je n'ai jamais rencontré les mecs, je n'ai jamais reçu de message de leur part. Alors que la pochette est devenue iconique et que, alors il en est quand même assez fier, c'est-à-dire qu'il dit oui, là ces dernières années, elle a été reprise pour la tournée Even and Hell en 2007 avec Dio, donc l'interview date de quelques temps après. Et il dit ouais, je trouve ça quand même assez cool, j'en suis assez fier. Mais par exemple, il dit ouais, personne m'a jamais envoyé de message de remerciement, personne m'a jamais dit qu'ils étaient fiers de mon travail. Enfin, tu sens qu'il est un peu frustré quand même, qu'il ait été un petit peu effacé, quoi. Et c'est Black Sabbath, hein. C'est ça. Ouais. Qu'il les connaît. Ouais, mais voilà. Enfin, tu sens quand même qu'il est un peu. Alors, il est quand même fier de ce qu'il a apporté, mais après, il est aussi un peu blasé parce qu'il dit personne m'a jamais recontacté pour faire une autre pochette. Moi, je vais quand même te dire mon avis sur le. Pardon, Mathieu, vas-y. Tu couperas si c'est pas pertinent. Hein. Moi, j'ai l'impression que notamment par rapport à Blue Oyster Cult, que Black Sabbath est quand même un groupe qui porte beaucoup moins d'attention à ses visuels. Tu vois. Oh bah, que Blue Oyster Cult, c'est choisi au hasard. C'est ça. C'est-à-dire que c'est des commandes. Là, c'était un tableau qui existait déjà. Donc, ça m'étonne pas. Et puis, c'est pas eux qu'on choisit, c'est Sandy Berman. Exactement. Donc, ça m'étonne pas tant que ça. Que les mecs, ça se trouve, ils ont. Je pense que même s'ils avaient voulu contacter Lynn Curley, peut-être qu'ils avaient même pas accès à son numéro ou que sais-je encore. Tu vois. Bon, après, si tu cherches, tu trouves. Mais c'est pas leur caractère, ils font pas ce genre d'effort. Exactement. Mais je pense que de toute façon, la pochette, ça aurait pu en être une autre. Pour eux, ça changeait pas grand-chose. Alors, il y a quelque chose qu'il faut rajouter sur ce visuel, c'est que donc le premier single de l'album, c'était Neon Nights, et donc le single Neon Nights, il est sorti avec une pochette particulière où tu vois un ange en train de fumer une clope et de jouer aux cartes, et alors à l'envers, tu vois un démon qui fait la même chose. Mm-hmm. Ce dessin ressemble à la pochette dessinée par Lynn Curley, enfin au tableau de Lynn Curley, sauf que ce n'est pas Lynn Curley qui l'a dessiné, mais c'est le même genre de visuel. Donc attention. Attends, cette pochette, elle est beaucoup mieux que celle de Even and Hell, soyons clairs. Bien sûr. C'est-à-dire que maintenant, moi, je vais vous dire pourquoi Lynn Curley, il a pas fait carrière, enfin mon avis là-dessus, outre le fait qu'il a pas cherché spécialement, c'est que les albums dont vous parlez sont iconiques, aucun problème, Agents of Fortune et Even and Hell. Aucun problème aussi pour dire que ces pochettes, finalement, sont tellement identifiées par rapport à l'album que je les aime pour ce qu'elles sont, mais elles n'ont pas eu un impact ou une influence, même si j'ai un sous-chapitre pour Even and Hell, incroyable sur le monde du heavy metal ou du hard rock ou ce que tu veux. Et moi, autant je trouve que la photo originelle a une puissance évocatrice et une douceur et une mélancolie qui me frappe, autant je trouve que la peinture est objectivement moche. Elle fonctionne parce que le dégradé de noir et de blanc, parce que l'idée d'un ange qui fume des clubs va bien avec Even and Hell, etc. Et qui joue aux cartes. Objectivement, ça craint un peu, quoi. Enfin, je suis d'accord. Tu prends pas dans les bras l'artiste. Je suis d'accord avec toi pour la pochette de Even and Hell qui effectivement n'a pas le niveau de qualité de l'album. En revanche, pour Agents of Fortune, je trouve la pochette irréprochable. Non, mais elle est super. Ouais. Mais tu vas pas me citer 10 pochettes qui sont inspirées de, tu vois. Frazetta, évidemment, tout le monde est allé chercher parce que c'était une iconographie heavy metal. Voilà, Curly, bon. C'est ça. Non, mais d'accord, mais moi je trouve un peu dur dans la mesure où il y a quand même quelque chose, tu sais, qui est un peu, qui est à la fois doucereux et en même temps un petit peu malaisant. Il faut quand même qu'on dise que c'est une pochette qui a été censurée. C'est une pochette qui a été censurée, c'est d'ailleurs pas étonnant, hein. Oui, il y a certains pays dans lesquels le pressage est sorti avec le dessin au crayonné plutôt quoi là. Voilà, c'est ce fameux pressage. Donc j'avais prévu d'en parler dans la fin quand on parlait des éditions, mais c'est encore un album de Black Sabbath.
c'est même un des derniers où ça l'est, c'est un album de Black Sabbath où il existe une pochette alternative. La pochette alternative, c'est le fameux pressage yougoslave de 1980, oui, sorti chez Philips, où en fait, ils ont repris le dessin dont on va parler juste après, le fameux dessin qui est situé sur le dos de la pochette où tu vois les quatre membres dessinés au crayon, qui donc n'est pas non plus un dessin de Link Early, c'est un dessin de... Harry Kermehan. Ah, je vois que ça n'a rien à voir. Harry Kermehan, effectivement. Alors, il y aura des choses à dire là-dessus. Magnifique, d'ailleurs. C'est un autre niveau. Au passage, c'est un autre niveau. C'est incroyable, hein. Oui. Je suis désolé, pour moi c'est le meilleur pochette, mais après... Ouais, et bah du coup, en fait, le pressage yougoslave, ils ont pris ce dessin et ils l'ont mis sur un fond doré. Et voilà, et du coup, bah, ça aurait pu être une très bonne pochette aussi, d'ailleurs. Ce qui est rigolo, c'est que ça fait écho, et Mathieu David, tu vas être d'accord avec moi, ça fait écho à la pochette de Long Live Rock'n'Roll. C'est-à-dire que c'est le même genre de pochette où... ça aurait été la réponse de Black Sabbath à Long Live Rock'n'Roll, c'est-à-dire qu'on prend le même chanteur et on refait le même genre d'artwork, tu vois, enfin... Il y a un truc qui m'a... Désolé, c'est une parenthèse, vous la couperez si vous voulez, mais j'ai toujours trouvé que Blackmore, sur la pochette de Long Live Rock'n'Roll, il ressemble à Dave Mustaine. D'accord. Alors, en effet, je couperai. Non. Mathieu, futur moi dans deux jours, coupe ça. Il y a quelque chose à dire, n'empêche, sur le dos de la pochette, c'est que, en fait, les dessins que vous voyez là, donc ça a été fait en 1980 quand ils ont fait la pochette, mais en fait, c'est basé sur des photographies de Black Sabbath qui datent de la période Technical Ecstasy. Si vous regardez bien la dégaine de Bill Ward, la dégaine d'Iommi, c'est leur tête bien, on reconnaît bien aussi, d'ailleurs. 77. Et en fait, il y a que la photo de Dio qui est le dessin qui a la photo de qui a servi pour Dio qui est en fait contemporaine, c'est-à-dire que Bill Ward, il avait plus cette tête-là en 1980, Iommi non plus, tu vois, donc c'est des photos qui sont anachroniques en fait. C'est basé sur des photos anachroniques. Butler a un côté royal un petit peu, il y a un côté roi de France sur sa pose. Oh. Sur son truc, c'est à l'époque ils avaient des moumoutes, mon gars. Ça ressemblait à des perruques de style Versailles. Au-delà des Vosges, t'as tout un mouvement, toute une posture. Bref, pardon, hein, je dis non vague. Non, mais c'est iconique, effectivement. Je pense que ce visuel, il est limite plus fort que le dessin avec les anges, que moi j'aime bien, hein, vraiment. Alors, il m'a toujours marqué ce visuel avec les anges. Le visuel est meilleur, par contre, je ne l'échangerai pas contre le recto. Il est plus signifiant, exactement. Moi, la pochette d'Evan Hanel, c'est une pochette que j'adorerais avoir en t-shirt. Hein. Vraiment, je la trouve très belle, ce dessin. Non, la loi E20 te l'interdit. Avec des clopes électroniques. C'est ça. Et d'ailleurs, évidemment, on ne peut pas ne pas voir un hommage appuyé dans la pochette de 1984 de Van Halen. De toute évidence. Oui, alors, mais je crois qu'il a assumé. Non, attention. J'ai pas l'info. Non. 1984, c'est pareil, c'est une faute, c'est un dessin qu'ils ont pris dans un catalogue de peintures existantes et qu'ils ont pris parce qu'ils l'a trouvé cool. D'ailleurs, qu'ils ont décidé au dernier moment. Ça s'est fait vraiment à l'arrache. Ouais, mais ils avaient pas Evan Hanel en tête. Peut-être qu'ils avaient Evan Hanel en tête. Tu peux pas t'enlever ça de la tête, c'est qu'au moment de choisir cette photo déjà existante, de dire ça fait un rebond avec une pochette. Peut-être. C'est vendu. Enfin, Van Halen l'ont écouté, quoi. Non, mais oui, surtout, mais Van Halen ont toujours été, il y a une filiation mais un lien. Mais en tout cas, la pochette de 1984 n'a pas été conçue avec Van Halen en tête. C'est un hasard après, mais oui. Ok. Voilà. Donc, moi, je trouve que la pochette fonctionne en tant que telle. Et on va dire, maintenant, elle est liée à vie à l'album. Ceci étant dit, je ne trouve pas que ça soit du bon ouvrage précisément. Mais encore une fois... Je pense que si la photo dont on parle, que je réaffiche, avait été la pochette d'album, ça aurait été tout aussi impactant, voire plus. Évidemment. Mais encore une fois, Black Sabbath a beau être un groupe pour lequel j'ai énormément de respect, en termes de pochette Black Sabbath, ça a très souvent été très léger, voire nul à chier. Je pense à un autre album que je déteste qui est... Born Again. Born Again, la pochette, elle est inadmissible. Je l'adore. Paranoid. Je l'adore, la pochette de Born Again. Non, surtout quelque chose que j'avais dit dans l'épisode 5 sur Sabbath Bloody Sabbath, c'est qu'en fait, la pochette de Sabbath Bloody Sabbath aurait pu être une pochette de Evan Hanel. Oui, complètement. La pochette, le recto, je le disais dans l'épisode qu'on a fait avec Antoine, ça aurait pu être la pochette de Evan Hanel. Sauf qu'il l'avait déjà. Il y a déjà ce thème-là. Voilà. Et pour le coup, la pochette de Sabbath Bloody Sabbath est irréprochable, hein, on va pas se... Ah bah oui, elle est incroyable. Et d'ailleurs, Lynn Curley dit qu'il adore la pochette de Sabbath Bloody Sabbath. C'est la plus réussie, donc bon. Passons à la sortie réception de l'album. Ah bah... L'album sort donc en avril 1980, le 18,
et non le 25, a priori. Oui, parce qu'il y a eu une... Toujours, Joe Ziegler a retrouvé des affiches promotionnelles qui permettent de savoir. Parce qu'en fait, les deux dates sont un vendredi, le 18 et le 25. Donc on sait que c'est une des deux parce que les sorties européennes ont lieu le vendredi. Il semblerait, selon les affiches promotionnelles retrouvées par Joe Ziegler, que c'était bien le 18 avril et non le 25, comme c'est dit partout, et notamment dans la bio d'Ayomi, Ayomi, le roi des approximations. Après, par contre, la... oui, enfin, 20 ans après, t'es pas une semaine près, quoi. Non, on s'en fout. D'ailleurs, la date américaine, je ne l'ai pas, et on s'en fout toujours. Ce qu'on a par contre, c'est les places au Billboard, 23e aux États-Unis, 9e en Angleterre, ce qui est un bon score. C'est surtout ce qui est le meilleur score depuis longtemps. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que c'est le premier album top 10 depuis Sabbath Bloody Sabbath, il me semble. Exactement. Donc, c'est une renaissance d'un point de vue commercial, c'est une vraie renaissance. Alors, sauf, il y a eu entre-temps le We Sell Your Soul for Rock and Roll, oui. Mais c'est pas un album studio. Mm. Et lui a shorté. Mais... Donc, ça montre que, voilà, déjà, le groupe en avait bien besoin. Et le public aussi, quoi, d'un coup de polish, comme on dit. C'est ça. Sauf... Ah, donc, l'album est porté par les singles, à commencer par Neon Knight, qui du coup prépare bien le terrain. Il y a une hype. Mm. Et Black Sabbath se vend bien. Ils sont certifiés or et silver assez vite, dans les deux pays d'ailleurs. Il y a un vrai regain d'intérêt. On le voit aussi dans la taille des tournées, même si la tournée américaine est évidemment gigantesque, étant donné le line-up qui va se proposer. Mais, et je te laisse après Gabriel prendre la main. Mais il y a quand même aussi autre chose, c'est qu'ils vont faire 4 fois la Hammersmith Odeon d'affilée à Londres. Et c'est aussi, des dates dont on va d'ailleurs parler, c'est aussi une vraie preuve de succès. Oui. Et par contre, il y a un petit souci dans cette équation, Mathieu. Et ça, il faudra qu'on en parle sur un épisode entier. Mais on le fera, plus. Mais non, mais à chaque fois que t'as un fion, tu veux faire un épisode entier. Non, mais ça, c'est un truc important. Mais simplement, on y reviendra plus tard, mais en détail. C'est la sortie de Live at Last. Oui, bien sûr. Ah bah là, oui. D'accord, pour une fois. Voilà. La sortie de Live at Last qui, en fait, perturbe la promotion de Heaven and Hell dans la mesure où, c'est Patrick Meehan qui revient faire chier avec ses vieux enregistrements de la tournée volume 4, qui ressort de sous le manteau parce qu'il a les droits et, Live at Last charte à la cinquième place dans les charts UK et ça perturbe considérablement la promo de Heaven and Hell. Et ça apporte une grande confusion, en effet, parce que ça arrive avec Ozzy. Tu fais bien d'en parler. Donc, Essex Music et Patrick Meehan ont les droits jusqu'en 82, jusqu'au rachat par Ozzy et Sharon Osbourne, amenant au Live Speak of the Devil, puisqu'ils se sont ruinés pour récupérer les droits, donc ils veulent un retour sur investissement rapide. Donc, en effet, à ce moment-là, Patrick Meehan troll littéralement sabote, il n'y a pas d'autre mot, en sortant le Live at Last. En plus, live, une qualité discutable, mais on en parlera donc plus tard. Plus tard. La presse est mitigée, mine de rien, parce qu'il y a une partie importante de la presse qui ne digère pas le nouveau son, le départ d'Ozzy, etc. Donc, on n'a pas de chroniques tièdes, on a des chroniques refusant l'orientation et des chroniques dithyrambiques. On a ces deux mamelles-là. C'est soit Ozzy est irremplaçable, soit c'est un voilà. Il y a aussi évidemment pour la presse anglaise le fait qu'il y a un Américain qui chope le job et c'est un truc qu'ils ont du mal à accepter. Ouais. Et alors bon, il y a d'autres choses, d'autres petits détails sur lesquels on pourra revenir encore. C'est le fait qu'il y a des traces de ça, qu'à certains concerts au début de la tournée, il y a des fans qui viennent voir Sabbath et qui crient Ozzy, 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 façon de dire à Dio, tu n'es pas à ta place. Ça dure pas longtemps, mais il y a ça au début. Ouais, ça a eu lieu au début. Et ça, il y a d'autres groupes comme ça. Je pense à Venom notamment, qui a connu cette situation avec Tony Dolan, mais où le nouveau chanteur n'a pas été forcément très bien accueilli par le public puriste dès le départ. Et en fait, il y a une partie des fans mécontents de la présence de Dio qui en fait sont partis chez Ozzy en solo. T'imagines entendre ça maintenant des gens qui huent Dio. Ouais, c'est clair. Et c'est comme quoi. Et s'il y a des auditeurs un peu jeunes, attention, hein, même avant sa mort, Dio avait déjà une aura qui était indiscutable. Ah oui. C'était un des dieux du métal, bien sûr. Bien sûr, un dieu. Et donc le grand révélateur va être la tournée, les tournées, oui, parce les dates qui se préparent. Techniquement deux tournées. C'est ça, donc une tournée européenne. Je diviserais même presque en trois étapes parce que j'aurais fait un focus sur les dates à Londres. T'as la tournée européenne, les dates à Londres et la tournée américaine, donc le Black and Blue Tour. Tu parlais tout à l'heure du lien avec la New Wave of British Heavy Metal. En effet, les dates européennes se font avec Angel Witch dans
dans un premier temps. Donc Angel Witch qui en 80 sort son album Angel Witch du même nom et qui fait son petit bruit quand même, mine de rien. Et en effet, Girl School qui va notamment ouvrir les 4 dates à la Marseillaise Odéon, sur lequel il y a pas mal de choses à dire parce que autre signe du succès, autre signe du regain d'intérêt, le milieu est là. Tout le milieu musical londonien et anglais est là, intrigué. Notamment si on ne se concentre que sur les batteurs, sont dans la salle lors du premier concert Bev Bevan et Cozy Powell, donc l'un d'Electric Light Orchestra et l'autre de Whitesnake, mais deux futurs Sabbath. Et il y a un autre batteur, John Bonham, dans un état d'alcoolémie avancé. John Bonham est assez proche des membres de Sabbath, même si là il y a déjà des distances qui sont prises justement à cause de son alcoolisme qui l'amène à avoir des phases d'agressivité même encore plus difficilement gérables que celles de Ward. Et donc John Bonham se met à la place du technicien batterie de Bill Ward pendant le premier concert à l'Emerson Odeon pour regarder Bonham jouer et Bill Ward jouer, pardon. Et Bill Ward ce jour-là livre une prestation dantesque, c'est-à-dire que le public attend quelque chose et le groupe est au top. Le groupe revient très très fort. Ce qui est insupportable pour un John Bonham qui à ce moment-là est au fond du trou et donc il essaye de faire tomber Bill Ward en lui tirant sur les jambes pour l'empêcher de jouer. Ce qui fait donc que les techniciens batterie se saisissent de Bonham pour le sortir du côté de scène. Il en profite donc pour insulter Dio en lui disant « t'as une bonne voix mais t'es un nain ». Dio donc va vers lui. Ce qui est fou c'est que c'est l'insulte, tout le monde va immédiatement, enfin sur le physique, quoi, c'est vraiment l'époque. Donc Dio va pour le traite You Cunt et va pour se battre avec lui. Donc Ayomi s'interpose et Bonham est vidé de la scène pour le mettre backstage le temps qu'il décuve. Arrivé backstage, il est de nouveau dans un état d'agressivité difficilement contrôlable. Il s'en prend notamment à Bill Ward en essayant de le rabaisser en disant que c'est une merde, que c'est un des pires batteurs qu'il ait jamais vu, que le concert était lamentable. Ah là là. Ce qui fait que Geezer perd ses nerfs et dit « sortez-le avant que je le sorte ». Il est donc sorti par la sécurité. Et c'est la dernière fois que Black Sabbath croise John Bonham avant sa mort. Donc voilà, ce qui fera que quand ils apprendront en plein milieu du Black and Blue Tour sa mort... Geezer Butler dira good. Sa seule réaction, ça sera de dire très bien, il est mort, tant mieux. Oh là là, c'est. Et Ayomi aura des mots pas forcément tendres non plus en privé. Ouais. Donc ça a été une fin assez abrupte pour une grande amitié. Elle était surtout très amie avec Ozzy, mais rappelons que ça a été le témoin de mariage d'Ayomi. Mais il semblerait, enfin, il y a énormément d'anecdotes sur sa fin de vie qu'il a été affreux. Ah non, mais. Les gens de son entourage, c'était difficilement gênant. Voilà, c'est quelque chose que j'ai lu quand j'ai commencé à m'intéresser au hard rock il y a plus de 15 ans, tu vois. Je l'ai dit dans une autre émission, mais moi j'ai commencé avec les Zeppelin. En fait, c'est une des premières choses que j'ai lues, c'est-à-dire la mort de John Bonham. Il est mort dans son vomi comme une merde, quoi. C'est d'une tristesse absolue, quoi. Quand tu lis ces anecdotes sur la façon dont Black Sabbath a perçu la mort de John Bonham, dont ils ont été assez proches pendant longtemps. Ça en rajoute une couche à l'angoisse, quoi. Et effectivement, c'est pour ça que je dis, il y a ça en arrière-plan, quoi. Et bon. Il y a une anecdote, je fais un tout petit détour là, qui a vraiment rien à voir avec Black Sabbath, mais vraiment avec Bonham. Sur cette période-là également, à un moment, il est à New York dans un grand hôtel où il y a un groupe de qui joue des reprises et qui joue d'ailleurs des reprises de Led Zeppelin, si je dis pas de bêtises. Et je crois que je la cite de tête, donc j'espère pas me tromper. Il est avec un de ses amis et autre batteur, mais je crois que c'est Carmina Pice et pas Vinny. Je crois que c'est Carmina. Ils sont tous les deux en train de boire des coups et regarder le groupe. Et le groupe voit Carmina Pice et dit « Est-ce que ça te dit d'aller taper le bœuf ?» Il tape le bœuf avec eux et leur dit « Vous savez, vous êtes là, vous extasiez, mais le mec qui est là en train de boire des coups, c'est John Bonham. Il est encore plus grand batteur que moi. » John Bonham vient titubant à la batterie pour taper le bœuf et est lamentable. Tombe, arrive pas à en mettre une. Ils sont obligés d'arrêter le morceau, lui dire d'arrêter. Et tout le groupe de dire, mais tu te fous de notre gueule. Qu'est-ce que c'est que cette loque humaine, quoi? Et il en était à ce niveau de s'humilier, en fait, avec un groupe de reprise, quoi. C'était des moments vraiment très terribles concernant. Alors, c'est bien que tu parles de ça, parce qu'en fait, ça nous permet d'enchaîner sur le gros moment de cette tournée Heaven and Hell, qui est le départ de Bill Ward. Le départ, pas définitif, mais... Ouais, mais alors avant ça, peut-être on peut dire que dans les groupes qui ont ouvert, il y a Shakin' Street. Oui. Et outre le fait que c'est un groupe français, le guitariste, Monsieur The Boss, ouais. Prénom Ross, ouais. Va rencontrer Joey DeMaio, qui est technicien sur certaines dates.
Technicien, technicien jet de fumée. Non, c'est pas technicien jet de fumée. Non, mais c'était pas. Non, justement, il y en avait un débat là-dessus. Il est technicien gratte ou il est technicien autre chose. J'ai un doute. Pour moi, il est tech guitare, mais j'ai un doute. D'accord. En fait, alors oui. Ça, est-ce que c'était pas un technicien effet justement? Un technicien effet de scène. Non, mais c'est compliqué. C'est pour ça qu'il était que sur certaines dates. Il y a des sources contradictoires, mais effectivement, vous avez tenté de débunker ça dans le Trolling the Sky sur Manowar. C'est pour ça. Que j'ai écouté avidement, étant donné qu'effectivement c'est l'anecdote qu'il faut citer quand on quand on s'intéresse au début de Manowar, c'est que en fait Ross DeBoss et Joey DeMaio se sont rencontrés sur la tournée de Heaven and Hell, donc Joey DeMaio effectivement était rodi. On ne sait pas exactement quand. Mais pour Black Sabbath, il était dans le staff. Mais il a été rodi. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas été rodi de Geezer Butler comme il a pu le prétendre à certains moments. Oui. Voilà, et donc du coup, il a rencontré Ross DeBoss, qui était le guitariste de Shaking Street, hein, américain dans un groupe français, qui a ouvert du coup pour Black Sabbath sur la tournée européenne et la tournée américaine. Il y a eu Shaking Street aussi sur la tournée américaine. Donc c'est un groupe qui a quand même qui a suivi Black Sabbath quand même pendant toute l'année l'année 80 et l'année 81. Et du coup, la rumeur veut, mais il n'y a pas non plus de source précise là-dessus, mais que c'est Dio qui les aurait plus ou moins présentés. Oui. Exactement. J'ai vu ça aussi. La rumeur dit ça en tout cas. Donc ouais. Et donc on en arrive, comme tu le disais, et je propose d'ailleurs qu'on s'arrête là-dessus, qu'on reprenne pour Mabrouz à ce moment-là, au dernier concert de Bill Ward. Bill Ward, on a parlé de ses problèmes d'alcool. Il le dit lui-même et le dira plus tard. C'était déjà difficile à gérer en studio. Ouais. En tournée, c'était ingérable. En tournée, l'attente, le côté fête, etc., a amené son alcoolisme à un point qu'il n'a vraiment, vraiment pas pu gérer lui-même. À tel point donc que le 21 août 80, après un dernier concert avec le groupe, donc ils sont à ce moment-là à Denver, ils décident de partir, tout simplement ils s'enfuient, donc ils prennent le bus. Et c'est taille. C'est Dio qui raconte que, en fait, parce que Iommi dans sa bio dit oui, il a disparu. Bill Ward a littéralement disparu, mais en fait, Dio donne quelques informations supplémentaires. Alors je sais plus dans quoi Dio raconte ça, est-ce que c'est dans un article ou est-ce que c'est dans, je sais plus. Mais Dio raconte plus de détails qu'Iommi sur le départ de Bill Ward, et où en fait, à un moment, Bill Ward appelle Dio au téléphone. Et il lui dit, écoute, Ronnie, je m'en vais. Et enfin, non, je sais plus ce qu'il lui dit. Il lui dit, Ron, I'm off. Il dit donc, Ronnie, je suis off. Oui, et l'autre lui dit, ah ok, d'accord. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe, ça va pas et tout machin. Et l'autre dit, non, je m'en vais. Tu sais, il est obligé de repréciser la phrase. Et il lui dit, là, je suis à l'aéroport, je me barre. Et en fait, on n'a pas précisé que Ronnie James Dio et Ward, ça a pas mal. Oui. Ils sont plutôt bien entendus. Ils étaient. Ils ont développé un lien. Effectivement, ils se sont très bien entendus. Et c'est d'ailleurs assez surprenant dans la mesure où t'avais l'impression que ça ne collerait pas entre eux. Puis ils sont quand même, Bill Ward, c'est quand même un pochetron anglais, quoi. Et en fait, c'est assez curieux quand tu. D'ailleurs, Bill Ward, régulièrement, quand il a répondu à plein d'interviews pour, en 2007, quand ils ont formé Heaven and Hell, il a dit, mais ouais, moi, j'en ai des très bons souvenirs de Ronnie James Dio quand on travaillait ensemble sur l'album. Donc, bon. C'est un peu. Est-ce qu'il a essayé de se placer lors de la fin de la formation? Il était prévu. Même si Vinnie Appice était plus. Il était prévu au départ, effectivement, en 2006, que ce soit Bill Ward qui revienne, mais bon, ça s'est pas fait. Mais ouais, donc il y a. Oui, puis la grande différence, c'est que Vinnie Appice a joué tous les morceaux de la période Dio, ce qui n'est pas le cas de. Effectivement, le départ de Bill Ward, alors, qui n'est pas définitif parce qu'il va revenir 3 ans après, mais. Pour un ultime baroud d'honneur en studio, mais effectivement ce premier départ est un peu un peu triste dans la mesure où en fait tu sens la détresse absolue de Bill Ward. En fait tu sens qu'il est complètement il est complètement perdu. Moi j'ai lu un truc, c'était, je crois, sur la page Wikipédia, où il parlait de l'adjectif pour qualifier le comportement de Bill Ward, c'était erratique. Et effectivement c'est je pense qu'il y a pas de meilleur adjectif pour parler de lui, c'est qu'il était, à la fois perdu dans sa vie, dans sa carrière, dans sa tête. Je pense qu'il a complètement pété les plombs, en fait, en 1980. Il a perdu Ozzy et ses parents. J'ai d'ailleurs pas précisé à la mort de son père, donc quelques semaines après le départ d'Ozzy, alors qu'ils étaient à Bel Air, je crois, ou peut-être à Miami, je crois que c'est Bel Air. Donc il a dû repartir en Angleterre pour l'enterrement de son père, et c'est un enterrement qui a été catastrophique, c'est-à-dire que le cercueil a été la voiture du prêtre a été volée par un mec qui l'a emplafonné dans un champ
et le prêtre a refusé de faire la cérémonie tant que sa voiture lui était pas rendue. Donc il a coupé court à la cérémonie qui s'est, enfin le père s'est retrouvé sans ses derniers sacrements en fait, et toute la procession qui l'amène au cimetière, ce qui a rendu Bill Ward mais fou de rage. Ça a été c'est Ozzy raconte ça dans sa bio, c'était parce que lui était présent, c'est le seul membre de Sabbath du coup présent. Et ça a été un moment très compliqué. Donc vraiment, il a enchaîné les déconvenues. Tu rajoutes à ça la relation toxique dans laquelle il s'est mise. Oui. Toxique pour les deux, hein, j'incrimine une personne. Voilà, plus rien n'était gérable. Et je crois que la tournée, ça, d'ailleurs, on va retrouver ça, puisqu'il va donc être en proie à l'alcoolisme pendant de longues années, quasiment 3 ans. Va revenir sobre pour l'enregistrement de Born Again. Et finira l'enregistrement de nouveau alcoolique par angoisse de la tournée. Ça restera un truc qui va complètement le flinguer. Donc voilà, donc il plante tout. Des dates sont annulées pendant le Black and Blue Tour. Cinq dates voilà, sur lesquelles donc on n'a pas précisé forcément sur le Black and Blue Tour. On retrouve donc Shaking Street, on l'a dit. Évidemment, Blue Oyster Cult et Black Sabbath qui se partagent la tête d'affiche avec des horaires qui sont censés être les mêmes et une alternance, ce qui va amener de l'animosité entre les deux groupes, hein, ça va pas bien se passer d'ailleurs. Ouais, et il y a en plus de ça Riot, Alice Cooper, je sais Saxon, pas si j'en oublie. Il y a Saxon sur quelques dates. Saxon du coup, enfin, voilà, c'est pas mal. On va dire. Tiens, parmi les liens avec la New Wave of British Heavy Metal, il me semble que sur les premières dates de la tournée en Angleterre, Mathieu, David, tu me contrediras si j'ai des conneries, il y a Samson. Où à l'époque il y avait encore Bruce Dickinson. Alors c'est sûr que Bruce Dickinson était dans Samson, en fait, Samson joue en Angleterre. Voilà, mais donc. Mais il y a des dates avec Samson, oui, je comprends. Il y a des dates avec Samson, et donc en fait, quand tu regardes bien, en fait, c'est vraiment les gros, des grosses têtes d'affiche prometteuses de la New Wave of British Heavy Metal qui ouvrent pour Black Sabbath. Hein. Ah, mais oui, c'est... t'as des graines qui sont plantées. Saxon, Samson avec Dickinson. Voilà, donc la filiation, elle se fait naturellement en fait. C'est assez agréable en fait de voir ça sur les. Je dis leur nouveau son leur permet de ne plus tourner avec Black Oak Arkansas pour la première fois depuis longtemps. Ouais. Par contre, ils ont Molly Hatchet, donc ils restent avec un truc sudiste quand même. Ouais, mais effectivement, on va pouvoir gentiment mais sûrement refermer ce chapitre puisque donc la tournée n'est pas finie, mais il va falloir trouver un nouveau batteur pour remplacer Bill Ward. Et ce batteur, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ma casquette Alfa Romeo aujourd'hui, c'est que encore un membre de Black Sabbath qui va être d'origine italienne, en la personne de Vinnie Appice. Et qui va rester pote avec Dio tout le long de sa carrière. Hein. Il va suivre Dio, de manière quasiment constante. En fait, il fallait qu'on parle très vite fait des pressages parce qu'il y a quelques trucs intéressants à dire. Parlons vite fait des pressages. Bon, évidemment, il y a le fameux pressage yougoslave avec la pochette alternative. Mathieu, David, tu peux nous parler, parce que tu l'as dans les mains. Moi, je l'ai aussi chez moi, mais je ne l'ai pas là présentement. La Rules of Hell, la box de 2007. Qu'on appelait à sa sortie la Black Box de Dio. Tous les albums Dio réédités. En fait, la Rules of Hell, c'est la Black Box de Dio. Donc, ça correspond à la... C'est toujours édité par Rhino. Et en fait, moi, c'est le premier pressage de Heaven and Hell que j'ai acheté. Vous le trouvez encore de temps en temps en magasin, mais depuis, il a été suppléé par d'autres pressages, notamment celui-ci, la Deluxe Edition de 2010, hein, qui est un double CD, et où dessus, il y a notamment des extraits live que tu trouves pas ailleurs. À ne pas confondre avec l'autre Deluxe qui a été sorti par BMG en 2021, et qui est nul, qui est nul, parce qu'en fait c'est la même que celle-là mais en moins c'est-à-dire... bien. Ils ont chié dans la colle. Il y a moins d'infos, moins de bonus. Surtout, en fait, ils ont ressorti le live à Hammersmith de la période Mob Rules, qui n'a rien à faire là, et ils en ont mis des extraits comme ça. Donc, si vous trouvez un CD, alors il y en a même des versions vinyle, je crois. Si vous trouvez un CD, essayez de trouver la version Deluxe Edition de 2010, qui est très bien. Où il y a un super digipack avec à l'intérieur les fameuses photos à Paris, plein d'infos sympas dedans. Enfin bref, c'est pour moi la meilleure édition CD qui existe. La version de la Rules of Hell, elle est très bien aussi, mais elle est un peu plus au rabais sur certains. T'as moins de bonus. T'as moins de bonus, voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les pressages. Oui, petite précision, parce que t'es sur les pressages. À l'époque, il y avait un enregistreur JVC en studio et dans les différentes maisons où ils ont été, donc il y a pas mal de bandes qui ont été enregistrées, et donc celles qui ont été validées par Ayomi sont sorties en bonus, donc il y a je crois 6 morceaux en prise alternative, ce qui est assez rare pour Sabbath en dehors des Deluxe. Il me semble qu'il n'y a pas de démo
pour Evan Enel. Mais hormis celle du fils de Jeff Nichols. Si, alors si, il y a alors. Oui, mais je parle de celle officielle. Ah oui. Non, il y a une version mono-édite de Live Evolve. Et il y a des versions live inédites qui sont sorties sur les singles, mais il n'y a pas vraiment de démo. Et si un jour BMG nous gratifie d'une super deluxe sur Evan Enel, pitié, mettez-nous cela back dessus. Ah, moi je la. Mettez-nous ce genre de choses, parce que moi je veux entendre ça, mais c'est. Ah bah oui, oui. Mais bon, comme ils font ça n'importe comment, que là on sait même pas s'ils vont encore sortir des super deluxe, qu'on attend encore mes aïeux la box Tony Martin. Bref, il paraît que cette année c'est la bonne. BMG, c'est voilà. Oui, puis la ressortie récente. Oui, pour la box voilà, mais la ressortie récente de la deluxe de Mob Rules et Even and Hell au rabais comme tu le disais, pose quand même sacrément la question d'une éventuelle box dans les prochaines années quoi. Je sais même pas s'ils vont la faire. Ayumi, je pense qu'il serait pas contre, mais bon, qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il y a plein de live, quand même. On l'a pas dit, mais il y a plein de bootlegs de la tournée avec Dio. Il existe des tonnes et des tonnes de bootlegs. Oui, c'est notamment. Après, bootlegs. Et alors, ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit. C'est que, sur la tournée Evan Enel, ils ont joué plein de titres, du nouvel album, mais ils ont aussi joué quand même la moitié de titres de la période Ozzy, dont certains que Dio ne rejouera plus jamais après. Mmh. Notamment, ils ont aussi, enfin, Dio, pour la première fois, et la seule unique fois, a chanté Sweet Leaf, qui ensuite, il a complètement arrêté de jouer. Ce qui est une aberration, d'ailleurs. Oui. Ah bah, il a dit lui-même, alors, Dio disait lui-même qu'il aimait pas du tout chanter les chansons d'Ozzy, et que, voilà, il y a des titres qui lui plaisaient pas du tout, genre Sweet Leaf, ça lui plaisait pas, quoi. Mais, voilà, sur la tournée Evan Enel, Dio chante Sweet Leaf. Dès la tournée Mob Rules, à partir du moment où il a plus de titres à son actif, la tournée devient aux trois quarts, c'est des titres de Dio, et après, c'est quelques classiques avec Ozzy de temps en temps. Ouais, voilà, et donc après, c'est une autre époque et c'est plus simple, mais lorsque, évidemment, la reformation via Even and Hell et le live dont on parlait en 2007, c'est full Dio. Ouais. Et rétrospectivement. Et c'est ce qui rend le live d'autant plus passionnant. Et rétrospectivement, on sait en plus que cette tournée-là, il n'y a que du duo parce qu'ils étaient aussi, on l'a su après, mais ils étaient en bataille juridique avec Ozzy et Sharon. Et du coup, ils n'étaient pas tout à fait bataille, mais ça a été clairement dit, vous appelez pas Black Sabbath et vous touchez pas au répertoire. C'est mais c'est quelque part, artistiquement, c'est cohérent aussi que avec Dio, t'as que les morceaux de la période Dio. Et ça n'enlève pas du tout. Encore une fois, écoutez le Radio City Hall. Oui, mais ça c'est quelque chose effectivement qu'on y reviendra peut-être quand on fera des épisodes sur les lives. C'est qu'effectivement Dio n'aimait pas chanter d'autres chansons que les siennes. Donc en fait, il acceptait de chanter des chansons d'Ozzy parce que c'était Black Sabbath et qu'il fallait même satisfaire les fans. Mais par contre, il a toujours refusé de chanter des chansons de la période Tony Martin. C'est un truc qu'on n'a pas trop dit et je pense que c'est un truc qu'on développera dans le prochain épisode. Mais on peut déjà planter des graines. Dio, c'est aussi quelqu'un qui a une très forte personnalité et qui n'hésite pas à le faire savoir. Non, ouais. Oui, et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez, vous, globalement, de l'interprétation des titres période Ozzy par Dio, notamment dans les années 80 ? Moi, je suis amoureux, notamment le morceau Black Sabbath. Pour moi, la meilleure version, c'est celle du Live Evil. Encore une fois, hein, le Black Sabbath original est très très bien, mais... Dio apporte une profondeur à ce morceau-là en particulier. Il apporte une profondeur qui est nickel et on va dire c'est une relecture. C'est pas exactement une relecture, mais mine de rien, il y a un flow. C'est une réinterprétation. C'est une réinterprétation qui est intéressante. Après, Paranoid, elle est sympa, mais elle est vraiment trop liée à Ozzy. Dio donne un côté un petit peu rock'n'roll. Il y a un côté, il joue un peu avec le rythme de manière très nuancée, qui est intéressante. Mais tu peux pas dire c'est-à-dire que c'est pas l'écart qu'il y a avec Black Sabbath. J'aime bien ce qu'il fait de Children of the Grave. Oui, moi Dio, j'aime bien. Dio, c'est un chanteur. On l'a dit au début. Dio, c'est un chanteur de rock'n'roll. Et du coup, c'est comme ça qu'il arrive à faire des trucs. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait de NIB aussi, du coup. Mais toujours dans cet angle-là. Oui, aussi. Bah, moi après, c'est un petit plaisir coupable. C'est-à-dire que moi, j'aime toujours, en fait, de voir ce que les autres chanteurs que Ozzy ont fait des vieilles chansons. Donc, ça me fait plaisir, en fait, de voir Dio chanter des chansons d'Ozzy. Après, effectivement, je peux comprendre ce qu'on lui reproche. C'est vrai. Et puis, tu sens qu'il n'est pas aussi à fond que dans ses titres à lui. Bah, forcément, c'est pas des titres à lui, non?
il en fait quelque chose. Et mine de rien, je veux dire, voilà, enfin, Dio, il est capable de chanter Smoke on the Water avec Deep Purple, c'est trop bien sur le live, à, la reprise du concert for Group and Orchestra. Bon, bah, ça marche, quoi, parce que Dio, c'est un très grand chanteur, donc il peut chanter tout, ça sera bien. Quoi. Donc, Et voilà. Il a quand même une approche artistique, et ça, c'est un truc qu'on peut dire, c'est qu'il essaie quand même, mine de rien, de mettre sa personnalité dans ces morceaux-là. Et évidemment, il va pas singer aussi, parce que déjà Dio, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a de l'ego, mais au-delà de ça, c'est aussi quelqu'un qui a une vision personnelle du chant. Ouais, complètement. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Bah merci pour l'invitation. Merci, c'est un plaisir de parler mine de rien déjà d'albums historiques et d'albums qui me sont chers tout particulièrement. Donc je pense que les auditeurs l'ont compris parce qu'on l'a suggéré, mais donc effectivement Mathieu va revenir pour parler de Mob Rules parce que voilà, ce sont deux albums en fait qu'on peut pas, c'est difficile à dissocier. On peut pas étudier l'un sans l'autre. Notamment bah là on l'a soufflé à cause de l'arrivée de Vinny Appice pendant la tournée, mais du coup voilà, je pense que c'est assez logique que Mathieu tu restes pour le prochain épisode et ça va nous amener doucement vers une période que moi qui est chère à mon cœur, c'est les années 80 de Black Sabbath, qui est une période très compliquée, mais en même temps très riche en anecdotes croustillantes. Et donc j'ai hâte d'étudier tout ça avec toi, Mathieu, et avec tous les invités qu'on a prévus. Et bah moi j'ai hâte de détruire Mob Rules. J'ai du mal à le croire. Oh bah tiens. Non évidemment. Mais on en parle au prochain épisode. Prise chaude. Voilà. Je préfère Mob Rules à Evanescence. Ouais. Alors, voilà. Moi, j'aime aussi beaucoup Mob Rules, mais voilà, c'est quelque chose qui est venu après. Je préfère Evanescence, mais je suis d'accord pour dire que ce sont deux albums de qualité équivalente et qu'il y a des grands moments sur Mob Rules. Mais bon, je vais pas commencer à en parler, sinon on va faire le deuxième épisode maintenant et ça va pas le faire. On se retrouve très vite sous le signe de la Croix du Sud. Et n'oubliez pas en attendant que plus que les enfants de la tombe ou de la mer, nous sommes avant tout des enfants de Ronnie James Dio. I really like Black Sabbath. That was very cool. Oh là là. I really like Black Sabbath. That was really cool. They have Ozzy Osbourne. They have a great guitar person. Sorry, I don't know your name. There's like some really good drum parts. Pretty awesome.